Et bonsoir, 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 euh, en ce euh, 29 décembre J-2. Ou 3, euh, 30, 31. Allez, on va encore dire J ai un petit peu plus de, de, de 48 heures euh, avant la fin de l'année 2022. Et qui dit fin de l'année 2022 dit évidemment live spécial que vous attendiez avec impatience. Enfin, à deux jours de la fin de l'année, alors que je l'avais promis depuis le mois de février, mieux vaut tard que jamais. On arrive pour ce grand live collection Blu-ray, DVD, Steelbook 4K, coffret. J'ai tout, je suis entouré de bordel, je suis entouré de blu de coffrets, de trucs, c'est incroyable comment quand tu les ranges, ça rentre dans un espace tout petit, <laughs> quand finalement, quand tout est déballé, euh, ça rentre dans un, un environnement vachement plus large. Euh, J'espère que vous allez bien, alors évidemment, l'information de la journée euh, rip à euh, la légende pelée qui est partie euh, aujourd'hui, on l'a su il y a quoi, il y a une heure à peu près, peut-être même un petit peu moins d'une heure, enfin, je pense qu'il y, y avait quelques personnes qui étaient peut-être au courant avant. 82 ans, malade depuis longtemps, euh, c'est triste pour le monde du foot quand même. C'était entre guillemets, hein, malheureusement, un peu attendu, mais, euh, mais euh, c'était quand même hyper triste. Et puis, quel joueur, voilà, quel, quel joueur, quelle légende le monde du football perd. Le peuple brésilien aussi, grosse pensée pour eux, parce que ça doit vraiment, 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 vraiment pas être évident. Mecs comme Neymar, comme Mbappé, euh, alors Mbappé qui n'est pas brésilien, mais c'était une, une de ses gloires. Mbappé qui a euh, écrit un tweet d'ailleurs sur, sur Pelé, déjà. Donc euh, voilà, c'est l'information la, 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 dont il il fallait forcément euh, discuter aujourd'hui euh, qui n'a rien à voir avec euh, le sujet du jour mais quand même euh, le roi le roi euh, le roi est, 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 est parti euh. ah comme dit Johan hein, le, le, le père du football moderne enfin euh, il y a eu un avant et un après c'est des mecs comme lui euh, et puis après voilà on a eu <laughs> Despelé on a eu des Maradona, on a eu des Zidane, euh, on a encore Zidane, heureusement. Euh, on a eu des Ronaldo, des Messi, voilà, des mecs de cette trempe-là, il y en a un tous les 20 ou 30 ans. Et euh, des, 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 des Pelé, euh, c'était encore plus rare. Seul joueur, je crois, à avoir gagné trois fois, le, 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 le me semble-t-il, la Coupe du Monde, encore, euh, encore actuellement. Donc euh, donc Rip a une légende vivante, vivante, vivante du foot. Et euh, comment dire Et, euh, et voilà quoi. Mais, euh, mais une, une grosse perte. Alors une perte un peu euh, une, perte, une perte un peu attendue hein, parce que je pense qu'on était beaucoup à sentir que là c'était un peu difficile déjà de la manière dont on en parlait euh, pendant la Coupe du monde et le reste, hein, je crois qu'il se battait contre un cancer. Donc, c'est pas évident, euh, il était alité depuis très, très, très longtemps. Il il, il, c'était très douloureux pour lui, une fin de vie très difficile. Mais c'était un bon gars, euh, de, 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 de ce que je peux en savoir et de ce que j'ai pu en entendre et euh, de ce que je pouvais connaître de, 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 de Pelé, euh, surtout euh, sur et en dehors du terrain. Donc, euh, c'est euh, une, euh, une, grande, une grande perte pour le football, mais euh, la légende, elle demeurera évidemment, étant donné que c'est. Peut-être, je pense toujours pouvoir dire l'un des trois plus grands de tous les temps. Il y aurait de toute façon l'éternelle question quel est le plus grand joueur de tous les temps, etc. Moi, j'aime pas forcément en chercher un, je préfère en, en, en citer plusieurs. Mais c'est vrai que moi, de mon point de vue, euh... ah et les. Même si tu as des Cruyff, des Beckenbauer, des, des, des joueurs comme ça, enfin t'en as plein hein, aussi qui ont été capables de faire des choses extraordinaires. Bon, Ronaldo, euh, Ronaldo, le Brésilien, Ronaldinho. Moi bon, c'est vrai que la plupart du temps quand on me demande quels sont les 5 plus grands joueurs de tous les temps, je réponds quasiment toujours les mêmes. C'est Messi, Cristiano, Pelé, Maradona et Zidane. J'ai souvent tendance à, à comparer cela. Alors c'est vrai que ce n'est pas du tout les mêmes époques, comme dit Vincent. Il faudrait faire des classements all-time selon les générations de football. Génération d'aujourd'hui avec les Alland, etc. Ça n'a rien à voir avec le foot de l'époque, mais c'est souvent, euh, euh, voilà, c'est souvent les cinq que j'imagine comme étant les, 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 les cinq plus grands, euh, cinq légendes, parce qu'il y a aussi tout le folklore autour, il y a aussi comment ça a été capable de, euh, comment dire, euh, ouais Cruyff, Platini, Van Basten, ouais il y en a plein, mais ça, ce serait pour un top 10, Mais moi, c'est euh, aussi par rapport à comment je les ai, euh, voilà, tout, tout, comme je disais, comme le folklore qu'il y a eu, tout le tout l'engouement le, des, 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 des supporters, le, la religion qu'il peut y avoir derrière ces mecs-là, euh, c'est euh, voilà, hein. c'était euh, des grands, grands joueurs. Son dernier match en carrière est un match avec le PSG au Parc des Princes. L'anecdote est folle et longue à expliquer. Chacun son joueur préféré, c'est propre à chacun de toute façon, Puis ça dépend des générations. Ça dépend des générations, je veux dire. Il y a des tas de générations qui vont euh, aduler les joueurs d'aujourd'hui, d'autres qui seront... Bah moi, c je suis plus la génération des joueurs euh, des années 2000. Parce que j'ai euh, 29 ans, donc du coup moi j'ai grandi avec les euh, Ronaldinho, euh, Michael Balak, euh, Michael Owen, Ruth van Nistelrooy, euh, Kaka, enfin tu vois, tous ces gars-là. Et encore, enfin tu vois, y a, même dans tous ceux que je dis là, il y a eu des générations euh, différentes, mais Zlatan, Samuel Eto'o, Thierry Henry, euh, Henri Camara, moi j'étais un fan d'Henri Camara, mais enfin tu vois, tous des, des joueurs qui n'ont peut-être pas le, la, la carrure, la stature d'un pelé, euh, mais... Euh... Mais, 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 mais qui étaient des joueurs voilà, que j'ai idolâtrés comme jamais, parce que c'était des joueurs de ma génération, mais il y avait la génération d'avant où c'était la génération Zidane, euh, Ronaldo, euh, et encore les, pareil, les deux se sont chevauchés, mais c'est quand même une génération avant, Beckham, etc. Et puis après, tu as la génération d'aujourd'hui euh, où, euh, où on a des, des joueurs enfin, cosmiques. Je pense que c'est le mot, hein, c'est cosmique, enfin, je veux dire, quand tu vois Mbappé, euh, quand tu vois euh, Allende, quand tu vois euh, là, des, des jeunes, jeunes joueurs comme ça, quoi, un niveau extraordinaire, hein, tu te dis, putain, enfin, c'est des, des, des talents, euh, de, 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 effectivement, qui prouvent que le foot n'est pas du tout le même qu'à l'époque. Moi, ma génération, c'est Messi. Ouais, alors après, Messi, je pense qu'il englobe beaucoup de gens, mais Messi, que ce soit les, je les jeunes ou les moins jeunes... Euh, quand tu vois le gars, même moi qui suis plus pro Ronaldo, Messi c'est c'est hallucinant de, 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 de réussite. Hein. Lionel Messi c'est un joueur qui est, qui, est, qui est absolument fantastique. Même Cristiano Ronaldo aura secoué les stats et puis secoué le monde du football. Je pense que voilà, c est, c est là, là par contre, où on sera peut-être à peu près tous d'accord, c'est pourquoi faire des comparaisons entre ces joueurs-là au lieu de se dire, c'est mieux, on aura vécu un temps où on a vu dans leur prime, ces deux joueurs se foutent sur la gueule. C'est encore mieux ça. Se dire qu'on aura vécu dans un prime où en fait, tu avais, avais deux fois dans l'année, voire plus, Madrid-Barcelone, avec les deux plus grands joueurs de tous les temps qui, 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 qui luttent l'un contre l'autre, euh, mais avec respect, etc. Enfin, on aura vécu le prime des deux... Des, des, des dix, des dix plus grands joueurs de tous les temps, s'il faut en rajouter 5 ou 10 tu vois, histoire de faire le compte, parce que c'est vrai que Van Basten Cruyff, Beckenbauer, Platini, bon, c'est des joueurs qui sont à, à comparer quand même. Mais même si, euh, tu, relis toutes les, euh, si tu relis toutes les générations, t'es obligé, obligé de citer un... t'es obligé de citer un... comment, comment il s'appelle Un Messi, un Ronaldo, qui... qui, qui tu, pff, enfin voilà, c'est un délire. C'est un délire, c'est des légendes, c'est des légendes. Heureusement, pour Messi Ronaldo, Zidane, etc., c'est toujours des légendes vivantes. Pelé nous a quittés, donc c'est triste, mais. Euh... Mais bon, c'est vrai qu'il se battait depuis déjà très très longtemps, donc on pouvait malheureusement euh, s'y attendre. Comment tu vas Moi super, je viens de me préco le style book de Everything Everywhere, All at Once. Euh, le style. Je ne l'ai pas vu celui-là, comment ça va mon yaya Je ne l'ai pas vu le style steelbook de, 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 de ce film-là. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait que je regarde le film, parce que beaucoup beaucoup de gens m'en ont parlé de ce film-là, j'ai toujours pas eu l'occasion de le voir. On va se mettre un petit peu de musique d'ambiance des familles, vous connaissez mon amour pour la musique jazzy. Voilà, une petite musique qui va nous permettre de s'enjaillir correctement. Puisque ce soir, c'est le live que vous attendiez euh, avec, euh, avec impatience. Le live, ma collection DVD Blu-ray. On va avoir l'occasion d'éplucher un petit peu tous les DVD que j'ai en stock. Avant de vous montrer évidemment tous mes DVD, on va commencer, on va aller du, du plus tranquille au, au mieux, euh, je suppose. Euh, on va commencer par les DVD, après les coffrets DVD, puis après on partira sur les Blu-ray 4K et on terminera par les steelbooks et les coffrets séries télé parce que en fait j'en ai plein Plein, plein, plein des coffrets de série Télé ne Mais n'êtes pas rendu compte à quel point maintenant, entre tous les achats récents que j'ai fait, les Peaky Blinders et tout le reste, bah, j'en avais à, à foison. Donc c'est un live assez tranquille où on va, bah voilà, je vais vous présenter un petit peu tout ça, puisque vous étiez beaucoup à me le demander et parce que j'en avais pas eu le temps euh, jusque maintenant. J'avais fait une première vidéo qui avait été supprimée il euh, y a des années de ça, et puis de toute façon, la mise à jour est là. Donc on aura une mise à jour fin 2022, et puis après, on verra un petit peu euh, quand est-ce que j'en referai une, peut-être l'année prochaine euh, pour l'un des derniers live youtube de l'année euh, peut-être que je referai une petite mise à jour avec les achats qu'il y a eu dans l'année t'as encore de la place pour tout ça ça commence à devenir dur honnêtement ça commence à devenir dur bonne transition bon c'est vous parce que l'avantage c'est que je vais vous expliquer un petit peu moi comment je fonctionne avec deux, trois points importants le premier c'est que je suis un immense défenseur de, du support physique avec Aurel euh, Zweig, qui passera peut-être ce soir parce qu'il aime bien le support physique aussi lui ça dépend s'il a du temps libre mais euh, je sais qu'il a liké le live sur Twitter et en général quand il like euh, c'est qu'il est, est voilà c'est va arriver à un moment donné mais euh, euh, on se on s'envoie toujours des petits euh, des, des petites euh, des petites bonnes infos des petites astuces des trucs à choper pour moins cher des steelbooks des trucs parce qu'on est immense collectionneur lui et moi à la différence que Aurel euh, Zweig ça va plus être un collectionneur d'ensemble. C'est-à-dire, pour moi, il y a vraiment deux types de collectionneurs. Il y a les collectionneurs d'ensemble, qui vont tout prendre, euh, comme Mathieu Blom aussi, par exemple, comme euh, Sylvain, du, des gardiens du cinéma. Alors moi, évidemment, je revendique, hein, c'est super pour eux, tu vois, ils achètent vraiment tout. Même des films, globalement, qu'ils ont assez peu appréciés, histoire d'avoir la collection globale. Je pense à Mathieu Blom, qui avait acheté Jurassic World Dominion et Star Wars 9. Euh, moi, c'est vrai que je ne vais pas jusque-là. Je suis un gros collectionneur, mais il faudra savoir que ce que je vais vous montrer là, c'est... Bah déjà, ma collection perso a deux... Alors, il y a, y a plein de choses que j'ai acheté euh, par la suite, que j'ai remarqué avoir eu quand j'ai regardé un petit peu euh, la collection de mon, mon, mon paternel aussi, parce qu'il euh, a encore quelques DVD qui traînent chez moi. Et, euh, et, euh, et du coup, il a beaucoup, beaucoup de DVD. Et j'ai regardé un petit peu les, les, les doubles qu'on pouvait avoir. Il y a pas mal de films, en fait, que j'ai rachetés depuis, que lui, il avait déjà. Lui, il a euh, Angel Art en... En steelbook, euh, bon, du coup, je, au cas où tu regardes, hein, je lui ai piqué le DVD parce que ça sert plus à rien. Il a le steelbook, donc j'ai piqué le DVD d'Angela. Mais sinon, il y en a comme Sin City où il les avait bien avant moi que j'ai racheté. Il avait la forme de l'eau bien avant moi que j'ai racheté. Enfin, il y en a plein qu'on avait en commun. Et c'est un peu pour ça que j'explique ça c'est que mon père et moi, on a un peu cette idée de on va acheter beaucoup des choses qui nous ont touchés ou marqués. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas être dans l'optique, par exemple, du côté de Marvel, d'avoir tous les Marvel, parce qu'il faut avoir tous les Marvel. Moi, mon objectif, c'est d'avoir uniquement les films qui me marquent, si possible, dans la meilleure édition possible, euh, si je les ai pas encore, mais je vais uniquement acheter ce qui me parle, vraiment. Ou ceux avec quoi, euh, comment dire, ceux avec quoi j'ai grandi. Euh, vous allez voir, euh, quand il y a du Hitch ou des trucs comme ça en DVD, c'est des DVD qui datent de Mathusalem, mais que j'ai gardé quand même, parce que j'ai grandi avec cela, là etc., et que ça m'a fait un petit quelque chose. Donc, soit maintenant, aujourd'hui, j'achète vraiment ce que j'ai adoré pas uniquement des trucs pour avoir la collection, mais vraiment ce que j'ai adoré, ou à l'exception de Jurassic World Dominion que j'ai effectivement pour avoir la collection des trois, mais par exemple Star Wars, quand j'ai vu la qualité du 9, bah, j'ai revendu le 7 et le 8. Enfin, je, je trouvais plus d'intérêt à avoir le 7 et le 8 si c'est pas pour avoir les trois ensemble, euh, sachant que c'était qu'une collection, que j'ai fait des films que j'aime moyennement. Le 8, je l'aime bien, mais le 7 et le 9, j'aime pas du tout. Euh, donc voilà, première, première idée qu'il faut se dire pour ce live. Ce sera peut-être pas un live où vous verrez 150 000 DVD Blu-ray à faire en 14 lives différents. Par contre, c'est vraiment mon univers, ce que j'aime. Et aussi dans l'univers des séries télé. Deuxième point. Euh, alors il y avait celui-ci. Euh, deuxième point, il y a beaucoup de choses que vous allez voir où moi je fonctionne comme ça. Je suis un défenseur du support physique, mais admettons que j'ai un film en DVD, à moins qu'il y ait une édition extraordinaire qui ressorte. Je ne vais pas forcément le racheter en Blu-ray ou en 4K derrière. Je prends l'exemple de Pulp Fiction par exemple qui est sorti il n'y a pas longtemps en Steelbook mais c'est pas terrible. Il est ressorti, par contre en version 4K euh, Fourreau. Le, le 4K est superbe. Je l'ai déjà en DVD, je me suis dit, je participe déjà en fait à l'envie d'avoir le, le, le support physique sur Pulp Fiction. Donc j'ai gardé mon DVD, mais je ne l'ai pas repris ensuite pour l'avoir en double. Simplement aussi parce que, bah, effectivement, si tu as envie de le voir aujourd'hui en 4K ou en Blu-ray, tu as tous les Netflix, Disney, les trucs, les machins, même le téléchargement, etc. Forcément, c'est plus simple de, de, de pouvoir les regarder en bonne qualité quand tu as envie de les voir en bonne qualité, si tu les as déjà au préalable en DVD qui est dans une qualité moindre mais que tu as déjà fait l'effort de te le procurer. Alors ça je parle pour les vieux, pour les tous les films récents, la plupart du temps, je les achète en steelbook ou 4K, je les achète toujours et de temps en temps en coffret. Si un jour, il y a par exemple Apple Fiction qui sort, euh, de la même manière que vous allez voir un coffret sur Apocalypse Now qui est incroyable, si un jour, voilà, il ressorte un truc là-dessus, là oui, je reprends parce que, euh, parce que le coffret euh, m'intéresse euh, vachement plus. Par contre, je suis du genre à collectionner, mais une fois que j'en ai un dans une édition différente, à moins, par exemple pour Jurassic World, qu'il y ait une statuette avec et qu'il y ait un coffret qui vaille vraiment le coup, je vais plutôt privilégier d'autres achats, c'est-à-dire pas racheter un truc que j'ai déjà deux ou trois fois euh, si je l'ai déjà en DVD ou en Blu-ray. Donc ça c'est la deuxième chose. Et le dernier point avant de commencer, et après je reviendrai sur le don du Félix. Euh, merci beaucoup pour le don, après je, je, lirai, euh, je lirai le don. Il euh, y a encore plein de films que j'attends d'avoir. Voilà, bah, par exemple c'est con de ne pas avoir la collection complète des Tarantino. Même si je crois que j'ai la collection complète des Tarantino maintenant avec Reservoir Dogs que j'ai reçu aujourd'hui, euh, donc c'est un mauvais exemple. Bon, enfin bref, y a, il doit y avoir à mon avis des films que j'ai pas encore, notamment du côté du cinéma coréen ou notamment du côté du cinéma français où il y en a que j'aimerais bien m'approprier. Euh, le fait est que c'est soit des questions financières, soit des questions de j'attends. Possiblement un steelbook où j'attends possiblement une arrivée là pour le coup en 4K, etc. Pour ne pas l'acheter uniquement en DVD ou en Blu-ray. Vous allez voir la version que j'ai de King Kong, par exemple. Je trouve que c'est catastrophique d'avoir une petite euh, version, euh, toute petite Blu-ray d'un film aussi grandiose que King Kong. Je l'ai revu hier, j'ai fini quasiment en larmes, je vous jure que c'est un putain de chef-d'œuvre ce film. Euh... Mais, euh... Mais euh, comment dire? Mais, mais sinon, voilà, j'achète en général dans, dans ces optiques-là. Il y a encore beaucoup de films que j'ai pas. C'est pour ça que j'essaierai peut-être de me faire une, une deuxième fournée l'année prochaine. Et merci donc, merci beaucoup, mon Félix, pour le don. Ça fait plaisir. Dans ces footballeurs de ces 20 dernières années, on a l'énigmatique Zlatan. Il a joué dans les plus grands clubs du monde, mais aucun ballon ni dit Coupe du Monde. Coupe du Monde avec l'équipe de Suède, ça aurait été compliqué. Même si je pense qu'ils auraient pu les porter un peu plus loin sur certaines compétitions, notamment l'Euro. Pas de ballon d'or parce que pas de trophée majeur malheureusement, même si ça a été un joueur extraordinaire. Après moi, Félix, si tu me demandes de citer les 20 plus grands joueurs de foot de tous les temps, il est dedans. Mais c'est parce que je suis pas objectif, tu sais à quel point j'aime Zlatan. Moi, je trouve que Zlatan, il n'y a pas eu d'autres joueurs comme ça. Si, si on compte aussi l'envers du décor et la personnalité, le personnage, les trucs, le, voilà tout le folklore qu'il y a autour, pour moi Zlatan est un immense joueur. Puis de toute façon, quand tu fais des saisons à 40 ou 50 buts. Euh, Enfin sur l'année, enfin je veux dire, ou, enfin pas sur l'année mais sur une saison en comptant aussi la Ligue des Champions. Là, là, là. Ouais, oui, forcément t'es une légende. C'est un des plus grands attaquants de tous les temps, Zlatan. C'est un des seuls à avoir fait ce qu'il a fait d'ailleurs. Donc on va commencer tout de suite avec. Euh, on va commencer. Je vais prendre petit à petit. Je commence avec les DVD. Alors évidemment je vais pas, je vais les ranger en même temps comme ça ça me fera gagner du temps. Je les range à chaque fois que j'en cite un ou deux. Le but n'est pas d'en faire une petite. Euh, d en, d en, d en, de, de juste de vous les montrer, de, de les présenter, de présenter les collections, euh, pas d'en faire des, des, des analyses, hein, parce que sinon ce serait un live qui durerait 1000 heures. On commence avec. Euh, et ça, par exemple, bah, je sais que mon père les a aussi pour coup. Je crois que mon père les a en Blu-ray. Avec les deux 300. En DVD, 300 et euh, 300, la naissance d'un empire. Euh, donc euh, le premier de ce bon vieux euh, Zack Snyder. Et euh, le deuxième est-il produit par Zack Snyder Le deuxième est quand même produit par Zack Snyder. Les deux films 300 euh, que j'ai en, en DVD, que j'ai eu euh, il y a très très longtemps, 300 qui a été... Euh, une de mes grosses claques cinématographiques. 300, c'était la première fois que je voyais vraiment un film dans ce délire-là au cinéma. Je sais que c'était. J'y étais allé avec pas euh, mal de gens qui étaient assez hermétiques au style. Et pourtant, je trouvais que le style visuel de. Euh, le style visuel de 300 était absolument extraordinaire. Euh, donc, euh, trois, voilà, de deux achats que j'avais pu faire. Euh, parce que c'était des, des, des films où. Euh, comment dire euh, avec, des films, euh, avec des films traditionnels. Maintenant, c'est vrai que celui-là est un peu plus décrié. Moi, je le trouve très intéressant, 300, la naissance d'un empire, notamment pour l'avènement un petit peu du personnage de... Euh, comment s'appelle-t-il, déjà euh, Rodrigo Santoro. C'est un acteur que j'aime bien, qui était dans Lost, notamment Roawin, si t'es là. Rodrigo Santoro, qui a fait euh, 4 épisodes dans Lost. Euh, euh, quel gâchis, ces deux personnages-là. Nick et je sais plus trop quoi, mais... Euh... Mais ouais, 300, donc les, 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 les deux films de, de Snyder. Et euh, on enchaîne avec. Euh, et Eva Green, ouais. Il y a Eva Green qui a un rôle extraordinaire dans 300, euh, Naissance d'un Empire. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien ce film-là. Hein, justement, je trouve décrié. Alors, bien moins supérieur que le premier, évidemment, mais ça aurait pu être bien pire. <laughs> on passe avec deux grands films. Ah ouais, là, c'est, euh, là, tu sens que. Bah, vivement qu'on arrive au steelbook, quoi. Deux films que j'ai défendus à tort et à travers. Dès que je peux les défendre, ces films-là, je les défends à gogo. -go. Je crois même. Je me demande si je les avais pas vus avec euh, Aurel. Putain, je m'en rappelle plus. Ou alors j'ai fait les re-regarder à Aurel. En tout cas, je sais que je les ai fait regarder à Rohawin. C'est Alien et Alien versus Predator Requiem. Vous voyez à peu près la gueule du live qu'on va avoir aujourd'hui. Hein. <laughs> Là, tu te dis ah ouais. Bon, euh, du coup, ce sera pas la plus grande collection qu'on ait vue de l'histoire, mais euh, pourquoi pas. Mais, euh, mais voilà, Alien vs Predator et Alien vs Predator Requiem, avec évidemment le meilleur des deux, qui est nul autre que Alien vs Predator Requiem. Je suis le seul à penser ça. Non, je crois qu'il y a peut-être Ice Moody aussi. Mais parce qu'avec Ice Moody, on est très, euh, voilà, on est très porté là-dessus. Mais, euh, mais je, je, voilà, c'est deux, deux plaisirs coupables. Avec une VF, ouais, non, globalement, dans ce film-là, la VF. C'est hallucinant. La VF d'Alien versus Predator et il y a absolument tout le L, le VF jeu là-dedans. Mais mais jusqu'à des Thierry Deros qui ont trois lignes de dialogue et des Arnaud Arbessier qui a une ligne de dialogue ennemie, etc. C'est un... enfin je ne comprends pas. Mais en tout cas ils sont dedans donc à la bonne heure. Mais j'aime beaucoup ces films-là moi. C'est des films avec pareil avec lesquels j'ai grandi et euh, que je continue à défendre, notamment le, le Requiem, parce que c'est bien de le défendre surtout quand tu es tout seul. Euh, et là, on enchaîne tout de suite avec voilà des films un petit peu plus. Euh... Ouais, là, on a deux films un petit peu plus intéressants quand même. American Gangster euh, qu'on m'a offert, euh, qu'on m'a offert. Euh, C'était un pote qui me l'avait offert pour mon anniversaire, je crois bien. American Gangster euh, en version longue, Ridley Scott, grand film avec un grand Denzel Washington, un néanmoins non moins plus grand Russell Crowe. Euh, je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Y aura-t-il Dragon Ball Evolution Alors je peux spoiler Non. <laughs> je, je peux spoiler euh, que il euh, y a de très peu de chances dans du euh, dans du Dragon Ball Evolution like. Euh... Non, je suis pas sûr qu'il y ait des trucs aussi, euh, aussi. Non, je suis pas sûr qu'il y ait des trucs aussi affreux que ça quand même. American Gangster, évidemment. Si vous ne l'avez pas vu, très bon film. Fait partie du haut du panier de de. de, de de Ridley Scott, et puis alors bah, celui-là, content de l'avoir, puisque euh, bah, maintenant, je sais que le patriarche en a plus besoin, Angel Hart, qui a un, Alors, qui est peut-être l'un des plus grands rôles de, de monsieur... Euh, euh, merde. Euh, Mickey Rourke. Euh, alors, Robert De Niro est fantastique aussi dedans, mais euh, Mickey Rourke dans Angel Hart, il est exceptionnel. À chaque fois que je vois Angel Hart, et à chaque fois que je vois les films de cette époque-là, je me rends compte à quel point, putain, Mickey Rourke, c'est du gâchis de malade. Euh... C'est un gâchis de malade. Si jamais tu sors un film dont j'ai fait une vidéo, je te super chatte la gueule. Ah, il faudrait tellement que je retrouve mon DVD de la couleur de l'argent du coup. Euh, juste histoire d'avoir le, juste histoire d'avoir le, le... le... le porte-monnaie qui frise. Je sais pas. Je... Honnêtement, j'en sais rien, mon capitaine. Je sais pas. Je sais que j'en ai beaucoup dans l'eau, c'est possible. Mais euh... est-ce que aura... je suis pas sûr? Je suis pas sûr. Et pourtant, je sais qu'il y a beaucoup de films que toi, t'as regardé et dont t'as discuté que j'aime bien aussi. Bah, notamment avec Samuel L. Jackson, La, la, la Couleur de l'Argent, qui est un film que je trouve trop trop cool. Un, un, un immense plaisir coupable que j'ai. C'est même pas un plaisir coupable parce que ce film est trop bien. Euh... Et alors, j'en ai fait une vidéo de ce film-là. Le prochain, c'est... Je, je l'adore, Arrakatak. Les monstres à huit pattes. Je, je, je vous un culte et je vous ma vie... Pour David Arquette dans Attack et pour les bruitages des araignées dans Attack. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris ce film-là. En mode euh, ouais euh, c'est un film qui est débile, c'est un film qui est drôle, on n'a pas peur et tout. C'est exactement le but. C'est produit par euh, Roland Emmerich en plus. Enfin je veux dire y a tous les producteurs qui ont fait Independence Day, Godzilla et tout. C'est la jaquette, c'est vraiment là les DVD à l'ancienne euh, où, où t'es vraiment tu dans un truc. Ça c'est vraiment les DVD à l'ancienne. C'est où tu les ouvrais comme ça. Et ça, en fait, c'est ce que je kiffe de ouf dans les DVD qu'on a plus maintenant. C'est qu'à l'époque, dans les DVD, t'avais les chapitres aussi. Et ça, c'était trop cool. C'était trop cool. D'avoir, en fait, tu sais, là, là, tout, tous les chapitres des trucs, tu savais exactement où est-ce que t'étais. Je les ai paumés, ces films-là, c'est dommage. J'avais les deux premières Harry Potter. Et Harry Potter 3 euh, dans des formats double DVD collector et tout. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Ils sont pas dans la collection parce que je sais plus ce que j'en ai foutu. Harry Potter, faudra que je les rachète à un moment donné. Mais c'est pareil. La version qui m'intéresse, c'est une version steelbook. Elle coûte 200 euros. C'est cher. C'est la version où t'as en gros les steelbooks de tous les méchants. Euh, et t'as Bellatrix, la femme de ma vie. Donc, euh, c'est la version que j'aimerais bien avoir de Harry Potter. Mais à 200 balles, les 8 Steelbooks, c'est excessivement cher. Donc, je les ai toujours pas, Harry Potter. C'est l'exemple de ce que je disais tout à l'heure. Harry Potter, j'achète pas tant que je trouve pas un truc qui me fasse vraiment kiffer au niveau de la collecte. Et euh, sachant qu'il est à 200 balles. Euh... Ah bah, merci, Captain, pour le don Angel Art, j'en ai parlé dans ma vidéo Rourke. Ah bah, tu vois, comme quoi. Bah, ça, ça m'étonne pas que tu l'aies bien aimé. Mais Angel Art, c'était ça. Sa... Angel Art, je sais plus si c'est à la même époque que 37 de le matin, je crois qu'il est dedans. Alors, je confonds sans arrêt 37 de le matin avec le. Avec un autre film, un film avec Béatrice Dalle. Il euh, n'y a pas un film avec Béatrice Dalle qui sonne un peu comme un nom de température Oh la, le mec, le gars est cinéphile. Hein. <laughs> le mec, il a une chaîne YouTube cinéma pour retrouver le film. Il est en train de vous dire, il n'y a pas un film avec Béatrice Dalle où en gros c'est un nom de température ou je sais plus ce que c'est, mais enfin je, je sais qu'il y a un film un petit peu. Non, c'est pas 37 de le matin avec avec Mickey Rourke. Je sais plus. Mais enfin, je sais que dans cette époque-là, il avait fait un film, 9 semaines et demie. Et bah, ben, 37 de le matin, c'est avec euh, Béatrice Dalle, alors. Et 9 semaines et demie n'a rien à voir, mais 9 semaines et demie, c'est avec Mickey Rook. Et je crois que les deux sont dans la même... Euh, dans la même temporalité. Je confonds toujours le titre des deux films. Mais euh, j'aime beaucoup les deux, en plus. Mais euh, le... Comment dire le... 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 Ce film-là, avec euh, Mickey Rook, la 9 semaines et demie, il est super, si c'est celui-là. Et, et il me semble qu'il n'est pas très très éloigné d'Angel que j'ai pas, du coup, en DVD, pour le coup, mais, euh, mais j comme j'ai un rakata, que ça compense, je crois. Mais euh, ouais, non, je, 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 confonds, je confonds souvent les 37 de le matin, 9 semaines et demie. Je vous dis, il y a un film, je crois, avec, euh, avec Béatrice Dalle, qui, qui a un nom un petit peu dans le même délire aussi, où Béatrice Dalle, c'est là qu'elle s'est fait connaître, euh, mais je me souviens plus le nom exact. Que des films que j'aime bien pourtant, hein. mais je les confonds assez, euh, assez régulièrement, il faudrait que je me les procure, comme ça ce serait réglé. On va enchaîner avec une autre plâtrée de DVD, euh, et on est sur Bienvenue à Zombieland, Béatrice Dalle dans À l'intérieur. Alors À l'intérieur, ça je me rappelle, c'est 37.2 avec Dalle, hein. c'est bien 37, 30... ah bah ben voilà, donc je suis pas si con que ça, alors c'est bien 37.2 le matin. Ok, d'accord. Bon, j'en confondais pas tant que ça non plus, alors. Donc, 37 de le matin, c'est bien avec bébé. C'est les deux que je confronterai régulièrement au niveau des titres, mais c'est deux films que j'ai adorés. Euh, et donc, 37 de le matin, il faudrait que j'essaie de me le procurer. Bienvenue à Zombieland euh, Le premier. J'ai pas le deuxième Si, j'ai le deuxième. Est-ce que j'ai le deuxième Si, j'ai le deuxième, bien sûr. On le verra dans la catégorie Steelbook après. Si, si, j'ai le deuxième. Bienvenue à Zombieland euh, Le premier... Assez euh, frais je trouve et assez original comme film puis moi, moi ça me fait toujours délirer. Euh, voilà, j'allais le dire Aurel, que ce soit David Kruger qui fasse la voix de Woody Harrelson, quand on sait que normalement Woody Harrelson c'est son, un de ses meilleurs potes c'est Jérôme Powell, ça me fait toujours super rire. Donald Renew évidemment sur euh, Jesse Eisenberg. Puis un film assez frais, enfin je trouve que l'univers est hyper intéressant. Pas trop gore, euh, mais relativement quand même suffisamment pour que euh, on ait pas non plus que de l'humour. Une petite relecture assez intéressante de, de du, 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 du film de zombies euh, comique. On est très loin de euh, on est très loin de de, de, de de Shaun of the Dead, qui est pour moi le, voilà, le Film parfait, dans l'humour euh, horrifique, mais, euh, mais il est très bien quand même. Euh, ah, bah si, tiens, vous allez voir que j'ai des doubles. Celui-là, je, je l'ai celui en double. Enfin, Celui que je vais vous montrer après, je l'ai en double. Euh, L'un des meilleurs rôles de Jim Carrey. Mais en même temps, Jim Carrey, quand je parlais par exemple de films que je devrais absolument me procurer prochainement, Eternal Sunshine of the Spotless Mind euh, et, et, et même euh, The Truman Show, j'en avais parlé, euh, comment dire. Euh, J'en avais parlé à Aurel il n'y a pas si longtemps que ça, que j'attendais avec impatience d'avoir le Truman Show en Blu-ray. Il était pas trop cher d'ailleurs euh, sur, sur Amazon. Il faudrait que je me le procure. Il y a plein de films que je n'ai pas de Jim Carrey, mais alors le film avec lequel j'ai grandi, c'était évidemment Bruce Tout-Puissant. Euh, comment ça, mon serial vlogger Même entre les fêtes, il est beau, classe et fringant. Ah, mais ça, c'est parce qu'en même temps, en même temps quand je vois les petites photos que tu as publiées là, sur Instagram, là, les petits trucs un petit peu sympathiques comme ça. Je me dis, il faut que je sois à la hauteur du vlogueur. Quoi. Bon, en général, quand j'essaie d'être classe, c'est quand je me dis, que ferait Eddie. Et, 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 et ça vient comme ça, de, de, de but en blanc, et c'est beau. Comment ça va, mon serial vlogueur Donc, euh, Bruce Tout-Puissant, alors, pour moi, ça fait partie de ses meilleurs. Je le trouve très, très drôle. Euh, depuis, mon avis a changé. Fou c'est mon préféré. Fou d'Irene, c'est vraiment la machine à punchline et vraiment la... la, la en termes d'humour, je le mets même devant Ace Ventura* etc. *Foudrière*, je trouve qu'il est exceptionnel. Mais euh, 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 je m'excuserai le jour où je chirerai un babouin. Et ben bah, ce jour-là, c'est aujourd'hui. <laughs> mais euh, ah ouais, non mais celui-là, ouais, tu peux m'appeler Bruce avec euh, Jennifer Aniston qui est absolument magnifique dans ce film-là. Morgan Freeman, il est très 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 drôle. Bruce Barabas, euh, comment il dit euh, Bruce Barabas, bâtard Baxter, je veux dire. Mais non, ouais, ce film-là, il est exceptionnel. Ce film-là, est exceptionnel. Bah, Steve Carell aussi, hein. T'as Steve Carell dedans. La suite est toute pétée, mais euh, Bruce Tout-Puissant était vraiment très bon. Euh, on change de, de, de registre tout de suite. On est beaucoup moins dans l'humour. Cloverfield. Ça, c'est un, un délire. Euh, c'est un putain de délire. Euh, Matt Reeves. Euh, vous l'avez vu pour The Batman. Vous l'avez vu pour... Euh, la planète des singes, c'est quand même Cloverfield. C'est Abrams qui le lance, hein, plus ou moins. Parce que j'ai encore le DVD, c'est bien ce qui me semblait absolument pas. Je ne sais plus, <laughs> je ne sais plus où est le DVD. J'ai la jaquette. Je m'en fous, je l'ai en blu-ray aussi. C'est là aussi, c'est peut-être important, peut-être des fois de racheter des doubles, parce que je, me... je viens de me rendre compte en faisant ça que j'ai plus du tout le film. J'ai juste la jaquette, mais regardez la jaquette est belle. Hein. La jaquette de Cloverfield est magnifique. Bon, heureusement que je l'ai racheté en blu-ray avec Ted Cloverfield Lane, vous le verrez tout à l'heure. Mais Cloverfield, grand, grand, grand film. Une des scènes qui m'a le plus traumatisé du cinéma de l'époque, c'est dans Cloverfield. Est-ce que vous allez être capable de la retrouver Quelle est selon vous la scène qui a pu me traumatiser dans Cloverfield Qui est une scène qui, je pense, a traumatisé beaucoup de gens de la même manière que quand dans King Kong euh, Andy Sarkis se fait bouffer, on se souvient tous de cette scène-là. Il y a une scène dans ce film-là qui, qui est violente. Cloverfield Paradox a évité... Ah oui, il est nul à chier, Cloverfield Paradox puis alors, la fin, elle est... Enfin, je, je vais même pas spoiler, mais la fin, elle est débile, parce que, genre, quand tu vois les proportions du monstre de celui-là, ça n'a aucun sens. Ça, vraiment, Cloverfield Paradoxe, c'est vraiment pas bon. C'est la scène dans le métro, quand la meuf explose, ouais. C'est trop dur. Surtout que, bon, bah, c'est... Euh, voilà, hein, c'est le, le petit crush du personnage principal. Oh, tu te dis qu'a priori, normalement, il y a peut-être des chances... Enfin, de toute façon, même quand tu vois la fin, ce film-là est pas drôle du tout, hein. Même la fin, elle est. Elle tu est... Wow, t'es là, tu fais. Bon, bah, tu sais. Tu... Es, c'est pas très joyeux, hein, Cloverfield. Mais cette scène-là m'avait vraiment marqué, ouais. Ça, je me souvenais. Alors aussi, je me souvenais que je l'avais. Euh... Des mineurs. Un des premiers Catherine Biglow. Enfin, je sais pas si c'est un des premiers Catherine Biglow, mais en tout cas, un des premiers Catherine Biglow qui a. Vraiment 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 fait parler multiple fois vainqueur aux, aux Oscars. Euh, il me semble que c'est Catherine Bigelow hein, qui a fait ça. Ouais, réalisatrice entre autres de zero dark Thirty, qui est absolument super, et de je crois que c'est elle qui a fait D3 aussi qui est fantastique. Euh, Jeremy Renner là-dedans il, il est exceptionnel. Alors, Evangeline Lilly je crois que c'est peut-être pour ça que je l'avais acheté à la base. Euh, parce que Evangeline Lilly, euh, bah voilà, je, je trouvais qu'elle est, enfin, est un, une actrice que j'adore. Euh, Guy Pierce, David Morse aussi qui était de, 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 prise, de, de, de paranoïaque. Donc ça fait plaisir. Il <laughs> bah, y a pas une break aussi. Oui, pas une break, ça a son statut de film culte. Donc ouais, effectivement. Mais euh, Des Mineurs, je me souviens que c'est vraiment le premier à, à mon, à de, de, de mon ressenti personnel. Euh, genre, j'ai connu Catherine Bigelow après avec Point Break, et je crois même qu'à l'époque où j'ai vu Point Break, je savais pas que c'était Catherine Bigelow. J'avais regardé quand j'étais petit. Non, j'aime bien Evangeline Lily, je trouve que c'est une bonne actrice. Euh, crush, pas particulièrement, assez étonnamment, mais je l'avais découvert dans Lost. Donc, forcément, derrière moi, j'ai tendance à beaucoup suivre ce que font les acteurs que j'aime bien. Et euh, bah du coup en fait Evangeline Lilly, euh, même si c'est pas le rôle c même si c'est pas un rôle hyper important là dedans, quand j'avais vu qu'elle était à l'affiche, naturellement je me suis dirigé vers ça comme euh, angle d'attaque. Voilà, il y avait euh, il Matthew Fox dedans, c'était Lost. Tu sais même si le temps il est chronométré et qu'elle est là euh, 3 minutes dans un film ou qu'il y en a un qui a là que, que 5 minutes, c'est bah, si à un moment donné je vais aller me diriger vers des films et découvrir des films par rapport aux acteurs qu'il y a dedans. Donc il euh, euh, y a il y, y a beaucoup d'acteurs hyper intéressants, Jeremy Renner aussi <laughs> évidemment. Et euh, et euh, du coup, ouais, non, à l'époque de, de, de Point Break, j'ai découvert Point Break euh, sur le tard, et sans forcément savoir que c'était... Euh, comment dire euh, Sans forcément savoir que c'était elle qui avait fait Point Break. Alors que des mineurs, justement, quand j'ai découvert des mineurs, là je savais que c'était Catherine Biglot, c'est là que j'ai commencé aussi à beaucoup m'y intéresser, et puis à découvrir bah, derrière Zero Dark Thirty, découvrir... Euh, euh, comment ça s'appelle euh, de Détroit, euh, redécouvrir Point Break, du coup. Et, euh, <laughs> et tous ces films-là, quoi. J'allais dire que ça avait un rapport avec l'un des films précédents, mais non, puisque ça n'a ça, ça pas grand chose à voir. Et pourtant, et pourtant ce film-là est superbe. District 9 de Neil Blobkamp. Qui nous manque. Neil Blobkamp. Qui mériterait de revenir euh, sur le devant de la scène. Neil Blobkamp, qui est l'une des raisons pour lesquelles je ne peux absolument plus blairer Ridley Scott. Puisque Ridley Scott a imposé son veto et que du coup on n'aura jamais le Alien 5 de Neil Blomkamp qui aurait pu être super. District 9, apparemment la suite est prévue. Ce serait District 10. C'est pas fait chier au niveau du nom mais au moins comme ça on verra à peu près où on en est. Moi, ça m'a fait découvrir l'acteur, justement tiens c'est intéressant. Mais l'acteur principal de, euh, de District 9 qui joue aussi dans Elysium, je l'ai revu dans le film avec Idris Elba sur les... les, 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 euh, les un lion tueur. C'était comment Beast Il était dans Beast, c'est le, le, le meilleur ami de euh, d'Idris Elba dans le film Beast et j'aime énormément euh, cet acteur de District 9 puis le film est absolument phénoménal. Ça c'est un film qui pour moi dans l'ère du temps va rester. C'est un ça a eu son statut de film culte. Et ça fait plaisir parce que euh, parce que quand tu vois la notoriété du réalisateur aujourd'hui, c'est hyper dommage qu'il l'ait pas plus que ça. J'adore du vers de Noël, as-tu vu ces trois courts-métrages sur Netflix, ils sont cools. Euh, de Blob Camp, tu veux dire oh, Parce que alors, au moment où tu écris le message peut-être que c'était sur un réalisateur d'avant si t'as repris le truc en cours. Meilleur film d'extraterrestre des 20 dernières années. Ah, meilleur je sais pas. Déjà tu peux prendre Cloverfield. Cloverfield pour moi c'est très bien, c'est à peu près du même niveau. Euh, ça, ça, ça dépend, il y en a eu énormément mais ça fait partie des meilleurs ouais. Ça fait partie des meilleurs. Un des films pareils euh, qu'il va falloir que je me reprocure parce que là ça c'est une tragédie que je remette plus le, la main dessus et pourtant je l'avais, je vous le montre quand même parce que je le racheterai dès que je peux. C'est mon, euh, mon film d'animation préféré. L'un de mes trois films d'animation préférés. Enfin, il y en a beaucoup en vrai. Mais j'ai tendance à vouloir assez spontanément retirer Pixar parce que Pixar, j'aime quasiment tout. Faudrait que je me fasse une collection un jour, justement, film Pixar, parce que ça, je ne suis, suis jamais allé dedans. Euh... C'est fourmise. Je, je suis en adoration devant ce film. Ce film, il est d'une intelligence euh, exceptionnelle. Il a un casting exceptionnel. Il est tellement bien fait, tellement riche, tellement adulte et tellement intelligent. Euh, et émouvant Il est notamment sur le personnage de... Euh, je crois que c'est euh, Stallone, hein euh, il me semble. Mais il est tellement, tellement émouvant, ce film. Si vous n'avez pas vu... Euh, comment dire euh, Si vous n'avez pas vu Fourmise, faut vraiment, vraiment le regarder. Pour moi, c'est spontanément, quand on me dit quels sont tes trois films d'animation préférés, il va y avoir Fourmise, il va y avoir Metal Hurlant, il va y avoir Dinosaur. Mais euh, inclure Dinosaur, ça voudrait dire que du coup... Je pourrais peut-être aussi inclure Pixar, et derrière, il y a tous les Toy Story, il y a Monstres et compagnie, il y a le monde, le monde de Nemo, le monde de Nemo, le monde de Nemo, c'est tellement, tellement parfait, il y a vice-versa, il y en a plein, il euh, y en a plein, mais Fourmise, je trouve que c'est exceptionnel, il euh, y a Mille et une Patte que j'adore aussi, ouais, mais euh, Fourmis ça se destine pas au même public, Mille et une Patte ça reste un public familial, Fourmis c'est pas un film pour enfants, hein. Fourmise, l'attaque des termites, elle me faisait méga flipper quand j'étais gamin. C'est pas du tout un film pour enfants. Ça, c'est un film pour adultes, avec des vrais raisonnements d'adultes, avec un vrai casting d'adultes, avec le... Je crois que le personnage principal, c'est Woody Allen. Il me semble. Faudrait que je regarde. Mais dans mes souvenirs, il me semble que le personnage principal, c'est Woody Allen. Et euh, bah, il se pose des questions à la Woody Allen. C'est genre pourquoi j'existe, pourquoi je suis là, les femmes, les trucs, les machins, le, le, le travail, qu'est-ce qu'une fourmi dans une fourmilière et tout. Enfin, en vrai, c'est trop drôle. Ce que tu te dis, mais pour comment tu peux te poser des questions comme ça bah, En gros, quand tu le donnes à Woody Allen, oui, quoi. Et, euh, et c'est trop cool, Fourmise. Faudrait que vous. S'il y en a qui sont curieux, euh, re-regardez-le aujourd'hui. Vous verrez à quel point c'est trop intelligent. C'est trop, trop, trop intelligent. Hop, et on va terminer avec la première partie des DVD. Il y aura à peu près la, 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 même, la même, quantité qui va arriver derrière. Les DVD, c'est ce que j'ai le plus. Après, il y aura les Blu-ray. Ah ouais, non. Après, il y a les Blu-ray. Ouais, bon, c'est vrai. Bon, on a du temps ce soir. Hein. J'espère que vous n'avez rien de prévu. <laughs> le live va durer littéralement trois heures parce que tiens, quand je vois tout ce qui reste et tout, je suis là, je fais bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Là, ça tombe bien, on peut les faire par deux. Deux grands films d'un grand réalisateur. Hellboy et Hellboy euh, les légions d'or maudites. Superbe, superbe. Euh, surtout, alors, je sais que les gens préfèrent le 2. Moi, le 1, je le trouve formidable. Le 2, j'aime bien. Hein. Le 2, il est très poétique, il est vachement beau. Il est peut-être visuellement, il est encore plus ambitieux. Mais hé, hey, wow, Hellboy 1, hein, putain, il est tellement bien. Ron Perlman, les gars, juste Ron Perlman et Selma Blair dans ce film, c'est exceptionnel. Tout l'univers un peu euh, Rasputin, etc. Oh, c'est pas Rasputin, je crois. Ah, oh, je sais plus. Mais enfin, un peu dans ce délire-là, semi ruskov semi-nazi et tout. Mais bah, les l'univers d'Hellboy qui est exceptionnel, puis juste Guillermo del Toro derrière la caméra, t'es bah, bah vas-y, let's go quoi. Tu sais environ combien de DVD tu as Non. Bah, euh, DVD ou Blu-ray, tout compris DVD, je dirais là comme ça, peut-être une quarantaine, peut-être un peu plus, une cinquantaine. Mais comme je dis, hein, moi, je collectionne vraiment ce que j'aime. Par contre, si tu comptes en tout, genre 300, 400. Mais 300, 400, je dis, je compte le coffret Game of Thrones où il y en a déjà 15 à l'intérieur. Donc, ça compte que pour un, quoi. moreau est excellent dans ce rôle. Ah non, mais Ron Perlman, mais enfin voilà, quand t'as aimé Sons of, et puis quand derrière, en plus, tu vas découvrir Hellboy et tout... Euh... C'est du grand cinéma. Et je suis content que euh, Guillermo del Toro lui fasse confiance et euh, qu'il le rappelle derrière, notamment sur des Pacific Rim et tout, parce que c'est un acteur exceptionnel. Independence Day, qui n'a jamais eu de suite, c'est une, une illusion d'optique. Il n'y a pas eu de suite à Independence Day. Hein. Tous ceux qui pensent qu'il y a eu Independence Day 2 et que le nom ça aurait pu être Résurgence, mais je dis ça vraiment au hasard, se plantent, parce qu'il n'y a pas de suite à Independence Day. Il euh, n'y a que celui-là. J'aurais bien aimé qu'ils en fassent une suite parce que je pense qu'il y a du potentiel. C'est dommage quand même qu'il n'y ait pas eu de numéro 2. Mais il est... Euh, voilà, Independence of Un de mes films cultes. Hein. Genre vraiment un, un de mes films cultes quoi. De ne pas fumer le cigare avant le grand air de la diva, etc. T'as trop, trop trop de répliques incroyables. Bienvenue sur la Terre, c'est ce que j'appelle une rencontre du troisième type. On reste dans le Will Smith Verse, j'en ai parlé tout à l'heure. Itch, avec le, le, le DVD, ah, le, le, le DVD à Fourreau, ah, de, de la belle époque, euh, j'ai envie de dire. C'est grave si je vous dis que j'ai pas détesté le reboot de Hellboy. Le reboot de Hellboy, il est pas détestable en soi. Et je le trouve vraiment pas bon et j'ai eu souffert pour David Arber qui en fait des caisses, pas dans le mauvais sens, mais qui essaie de sauver à fond le truc alors que c'est pas sauvable. Mais il est pas détestable en soi. C'est pas un film que j'ai pas aimé du tout. Hein, mais je trouve pas que ce soit un film qui soit foncièrement détestable. Donc, each expert en séduction. Euh, là, ça, c'est typiquement pour les gens de ma génération, je pense. Avec le, la fameuse scène où, en gros, euh, ça, c'est genre le truc qui marche que si tu t'appelles Will Smith et que si t'es aux États-Unis à l'époque de Will Smith. Mais la scène où il va voir une nana super bien roulée, entourée de 10 mecs, et que, euh, il lui donne un billet de 10 dollars en mode Eh, rapporte-moi un jus de fruits, s'il te plaît, une tequila, et s'il te plaît, oublie pas les glaçons. Et puis la nana, elle lui court après en mode eh, je bosse pas là, ouais, je sais, c'était pour t'attirer loin des mecs et tout, vas-y, viens, on sort, machin. Ça, ça ne marche pas les gars. J'ai jamais essayé, j'essayerai jamais, mais ça ne marche pas. Enfin, faut pas essayer ces trucs-là. Ça marche que quand t'es Will Smith. La plupart du temps, soit la nana, elle va penser juste encore plus en 2022 bah, que c'est du sexisme, elle va, tu vas te faire sortir. Ou alors, elle va garder la thune. Logique. <laughs> elle va la garder pour elle en mode bon, ben, bah, let's go. Donc ça, ça ne marche pas. Par contre, le reste, Itch euh, », le film est vraiment très rigolo. Euh, et, euh, et puis c'est la belle époque des, 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 des comédies un peu romantiques des années 2000. Euh, assez euh, assez sympa petit film dont j'ai rarement parlé ah non j'ai jamais essayé d'ex mais en vrai à chaque fois que je vois la scène je me dis bah j'ai bien fait parce que ça ne marche ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher petit film euh, dont j'ai rarement parlé alors je sais pas si du coup ça à vous dire un truc parce que je pense qu'a priori euh, c'est pas très connu et ai, je crois même que ça doit être un des rares films où j'ai quasiment jamais parlé de, de dans l'ensemble le, dans de, de, de tous les trucs qu'il y a là, parce qu'il y en a plein que j'ai au moins cité. Lui, je crois ne, ne jamais l'avoir cité. <laughs> Jared, la fin de l'innocence. Je sais pas si ça vous dit un truc. Je sais pas comme ça, tu as de nom avec Jake Gyllenhaal et Peter sasgard et Chris Cooper et 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 Jamie et, et Jamie Fox. Jared, mon film préféré. De tous les temps. J'ai encore le DVD sur celui-là, forcément. Mais euh... putain, quel film, quel régal ça. Oh là là là. là. Celui-là, lui, si un jour. Euh, T'en as parlé une fois, non Cette semaine, tu veux dire Ouais, peut-être une fois, une fois, peut-être pas plus, mais juste cette semaine. Si tu comptes les deux dernières semaines, on arrive à 14. Mais euh, non, ouais, ce, ce film-là, c'est une, une merveille absolue. Faut pas regarder les suites. Déjà, les suites, pareil, n'existent pas. Enfin, C'est débile au possible, mais. Jared est phénoménal. Euh, lui si un jour il sort en 4K, je sais pas s'il est déjà sorti. J'espère qu'il aura droit euh, peut-être pour les 20 ans, ou je sais pas quand est-ce que ce sera les 20 ans. 2006, putain faut que j'attende encore 4 ans. Peut-être pour les 20 ans, il aura droit à une version remasterisée, 4K ou autre. Il existe en Blu-ray, mais c'est pareil, pourquoi je l'achète pas euh, Parce que... Euh, comment dire euh, J'ai... comment dire je, je, voilà, je, je trouve que la version Blu-ray elle est vraiment pas terrible visuellement. J'attends mieux. <laughs> pour mon film préféré. Pour l'instant je m'en réduis à... Je, en plus la pochette du DVD est superbe, donc je m'en réduis à cette version-là de Jared. Mais j'essaierai peut-être un jour de le retrouver. Putain, là, là on est dans le Will Smith <laughs> à gogo. Comme quoi j'aimais vraiment bien à l'époque. Je suis une légende Si jamais un jour vous re regardez je suis une légende, la version euh, comment dire euh, si vous avez l'occasion de regarder plusieurs versions, choisissez la fin alternative. Vous vous arrêtez euh, au moment où ça commence à puer vraiment du cul pour Will Smith, et ensuite vous allez chercher sur YouTube la version alternative et vous terminez le film comme ça. La fin de Je suis une légende est ignoble. Euh, la fin alternative de Je suis une légende est tellement mieux et plus raccord avec le livre de Richard Matheson qui est trop cool. Donc, euh, Je suis une légende, voilà, vous le savez, c'est la version alternative qu'il faut voir. Pas la version où Will Smith se sacrifie. Euh, euh, parce que lol, c'est Will Smith. La chute du faucon noir. Ça c'est exceptionnel aussi. Hein. Encore Ridley Scott. Là putain, en vrai, il euh, y a des films, ils sont lourds. mec, hein. <laughs> dit-il. Ça ouais, il y a des films, putain, ils sont bien. La chute du faucon noir en DVD. Non mais là, je suis en mode putain, c'est vrai que ce truc-là, ça mériterait de l'avoir de, de, de en meilleure condition. Mais, euh... mais au moins je les ai, tu vois. Donc c'est cool. C'est cool. Il est un peu pété celui-là au niveau du bas. Mais la, ouais, la chute du Faucon Noir est, est super, je l'ai en collector. Et eh ben je crois que mon père l'a aussi en collector. Il me semble que celui-là ça faisait partie des films que j'avais vu où lui il avait une édition double DVD ou une connerie comme ça. Mais de euh, bah, toute façon tout ce qui est possible et imaginable en film de guerre, mon père l'a donc euh, c'est pas compliqué. Mais euh, ouais, la chute du faucon noir avec entre autres Ewan et McGregor, etc. Enfin, est fabuleux. Tom Sizemore dedans. Euh, je crois hein, qu'il y a Tom Sizemore dedans. C'est bien lui, oui, c'est Tom Sizemore. Qui, euh, bah, après, euh, le soldat Ryan replonge dans les films de guerre avec euh, la chute du faucon noir. Trop sous-côté Tom Sizemore, mais super film. Super, super film. Euh... Ouais, j'en suis, c'est... Ok, tac, la lettre L avec... Bon là, j'en parlais tout à l'heure, la forme de l'eau. Euh, que je m'étais récupéré, je l'avais vu à 2 deux... 1 ou 2 euros je crois, euh, en... et euh, bah, 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 il n'a jamais baissé en Blu-ray. Mais et puis je trouve que le, le, le DVD est beau. Ce que vous allez voir tout à l'heure, il y a des DVD que j'ai racheté euh, je les ai rachetés parce qu'ils sont pas sortis du tout en Blu-ray ou parce que j'ai eu l'occasion d'avoir des collecteurs pour 1 euro, celui-là c'était pareil, je suis tombé dessus et euh, let's go. Mais euh, la forme de l'eau, bon, c'est un film qui est exceptionnel, bah, pareil, un hein, del Toro euh, grand 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 film avec euh, Michael Shannon dans le, dans le rôle de l'antagoniste principal mais celui-là est superbe si vous avez, euh, si avez l'occasion de le voir allez-y parce que celui-là est vraiment exceptionnel c'est un film à voir pour moi euh, à, à 2000% hein, la forme de l'eau un de mes films cultes dont j'ai fait une vidéo avec sa suite euh, dans les deux mêmes versions parce que les deux versions sont sorties comme ça c'est la mouche et La mouche 2. Euh, donc évidemment La mouche avec Jeff Goldblum euh, et La mouche 2 avec Eric euh, Stols. Eric Stols, Stals, Eric Stoltz. Euh, Le premier très 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 fort. Enfin, pour, pour moi c'est un des plus grands films de tous les temps. Hein. Le, la mouche c'est un, un, clairement un des plus grands films de, de tous les temps. Cronenberg, fin, de la passion romantique scientifique etc. Elle est in, in, insane. <laughs> le 2 mérite d'être vu. Le 2, personne. Bah, vois, on voit Rowan par exemple qui dit il y a eu mouche 2. Le 2 euh, mérite d'être vu. Il est loin d'être mauvais. Il est moins bon. Et, et la créature ressemble à un lézard. C'est vrai que pour un truc qui, qui s'appelle la mouche 2, c'est chiant. Mais c'est vraiment deux petits défauts. Peut-être un petit peu plus dans le gore euh, gratuit sur certaines scènes. Mais hyper intéressant sur le traitement du fils de cette bande. Hyper intéressant sur le retour des autres personnages. C'est écrit par Franck Darabon. Donc le scénario est foncièrement évidemment pas mauvais. Euh, beaucoup plus glauque, et beaucoup plus triste. Euh, alors, enfin, non, c'est difficile de faire plus triste que ça, mais triste aussi euh, sur plein de points différents et un film qui est hyper intéressant. Hein. Quand tu te souviens de la sortie de la bouche de je devrais être pote avec ton père en fait. Euh, ouais, vous avez, ah, il y a quand même encore peut-être une petite génération d'écart entre vous deux. Mais si tu t'en rappelles, ouais, je pense que tu dois avoir des tas de goûts similaires avec lui, ouais. Il y a au moins une petite génération d'écart entre vous deux, je pense quand même. Mais euh, ouais, la mouche quand c'est sorti, bah, il, ça sortit pas mal d'années plus tard, je crois. Ah, euh... oh, ils me disent 2001, mais là, 2001, c'est l'année du format du DVD. C'est 89, la mouche 2. 86, le premier, bah, tu vois, il y a que 3 ans d'écart. Moi, je voyais celui-là euh, début des années 90, un petit peu après quand même. Ça reste un produit des années 80. Moi, j'ai brisé Nice. Comment ça va, Si non, mais toi, de toute façon. Ah, ben non, mais j'allais dire, toi, t'as l'édition collector de Last of Us, mais même pas. C'est une fraude. C'est si ça fraude. Comment c'est. C'est si ça fraude, la SNCF. C'est vraiment, il a tout. Il a t... Tu pourrais faire une phrase avec tous ses pseudos, si ça va. Comment ça va, mon si J'en parlais! Alors là, attendez, parce qu'il y, 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 y a Captain. Il euh, y a le Captain. J'allais faire la référence, justement, le Captain Blum Il y a le Captain Crochet qui est là, qui est là dédicace à Mathieu Blum euh, sur l'un de ses films préférés, et je l'adore aussi. La plage. Celui-là, c'est celui-là dont je vous parlais, par exemple, dans les films. Euh, qui sont sortis euh, en Blu-ray, mais que en import, des trucs euh, quasi introuvables, et jamais de Blu-ray n'est sorti français de la plage. Donc je l'ai racheté il n'y a pas longtemps en DVD, donc j'achète encore des DVD. Euh, mais ouais, la plage, euh, la plage est sortie euh, en DVD, j'ai eu l'occasion de me le procurer bah, il y a quelques semaines de ça, c'était pour les fêtes, je le trouvais à 1€ euro ou 2 euros sur Amazon. Ce film exceptionnel, c'est vraiment un film exceptionnel. Alors il est hyper sous-côté. Il est euh, ultra sous-estimé. Euh, même Danny Boyle le renie et ça y a rien qui me gonfle le plus quand t'aimes bien des films en fait que les réalisateurs que tu kiffes les renient. Mais euh, La Plage a été reniée. Je trouve ça hyper dommage parce qu'il est super ce film. Il est vraiment trop cool. Euh, pas le même délire, mais euh, ça, c'est raccord avec, euh, raccord avec euh, avec le, le, comment dire, euh, la vidéo que je vais faire prochainement sur euh, King Kong, le pianiste. Le pianiste euh... avec euh... Adrien Brody et Thomas Kirchman, qui est fantastique. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. J'adore Thomas Kirchman. J'aime je, 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 tellement Thomas Kirchman. Euh, faut que tu le vois, oui, le pianiste. C'est un must -see. Tu vois, il y, avait, il y avait pendant un temps un truc genre t'as pas vu le parrain, t'es pas cinéphile. En vrai, t'as pas vu le pianiste. Bah, t'es cinéphile quand même, mais faut que tu vois le pianiste. Il est exceptionnel ce film. Il est exceptionnel. Il est tellement fort sur le fond, tellement triste, tellement émouvant. Puis putain, Adrian Brody là-dedans, il est, il est monumental. Adrian Brody, c'est un de mes acteurs cult all time. Hein. Il est dans mon top 10. Et j'adore ce mec. Et putain, dans ce film-là, il est exceptionnel. Si vous n'avez pas vu le pianiste, allez-y, parce que c'est euh, phénoménal. L'étrange histoire de Benjamin Button. Avec ce bon vieux Brad. Brad Pett. Euh, qui, qui, qui a un film formidable aussi. Hein. Euh, tout, hyper connu, euh, avec Kate Blanchette aussi. Euh, hyper. Euh, comment dire Hyper intéressant. Enfin, euh, c'est une histoire euh, fabuleuse, très poétique. Et euh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'étrange histoire de Benjamin Button, l'un des grands films de Brad Pitt. Si tant est que, de, de toute façon, euh, en vrai, il a fait quasi que des grands films. Donc. Euh... Qu'est-ce que c'est, ça Ah ouais, j'ai ça aussi, c'est vrai. Ok, ok. Tac. Men in Black. Je sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de cette collection, la collection science-fiction, où t'avais tous les plus grands films de science-fiction dans une collection inédite chaque semaine chez ton marchand, chez ton libraire. La collection science-fiction. Ça au moins t'es sûr de pas te planter, tu vois. tu vas pas trouver, euh, tu trouveras pas Brise nice là-dedans. Mais euh, j'avais le premier Men in Black et, euh, et bah du coup j'ai pas le 2, ni le 3. j'ai juste le premier. Ça c'est pareil, ça tu as par exemple un film comme ça. Euh, je le rache très bien. Euh, mais le problème, c'est que j'aime pas le 3. Euh, j'aime pas le 4. Enfin, le 4. Le reboot. J'aime que le 1 et le 2. Enfin, Peut-être que je, si, quand le jour où le 2 sortira en steelbook, euh, je pense que je prendrai le 1 et le 2 en steelbook. Le steelbook du premier, il est superbe. Faudrait que le 2 sorte en steelbook seul. Mais j'aime pas le 3 et j'aime pas le reboot, alors. Euh... Voilà pourquoi, jusque maintenant, je m'obstine sur celui-là. Minority Report On passe du côté de chez... Euh, de, 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 le côté de Monsieur Spielberg, du côté de chez Steven. Euh, avec Minority Report, l'un des grands rôles de Tom Cruise. Colin Farrell aussi dedans, qui est super. Un Très bon film, ça. Très très bon film. Le troisième est cool, le deuxième, bof. Moi, je trouve que c'est l'inverse. J'ai du mal avec... Euh, j'ai du mal avec le... J'aime bien le 2, j'ai beaucoup de mal avec le 3. Et puis, euh, le 3 a drame de ne pas avoir de musique de Will Smith dedans, donc... Euh... Euh, tiens, on va parler au rappeur, là. Je me souviens que j'avais fait un live, je ne sais pas s'il si est encore là, un live spécial hip-hop, euh, et alors c'était rap français pour le coup, je crois, avec l'ami Serial Vlogger, qui a peut-être vu ce film, Notorious. Peut-être que si ça m'a a vu aussi, là, peut-être que ça a parlé à certaines personnes, le film Notorious, euh... Avec une bande-son euh, exceptionnelle, enfin c'était produit par Puff Daddy, euh, forcément, hein, c'était toute la clique de B.I.G. Mais euh, le film Notorious que j'avais eu, euh, eu en DVD, je me souviens... Je l'ai vu une seule fois, je crois. Je l'ai vu euh, à l'époque où on me l'a offert. Euh, je n'ai plus trop de souvenirs du film. Je me souviens plus de sa qualité. Dans mes souvenirs, c'était sympa sans plus. Dans mes souvenirs. C'était sympa sans être un chef doeuvre Disons que par rapport à tous les autres films qui étaient sortis dans le genre, c'était euh, pas le meilleur. Mais euh, bah, si t'aimes bien la musique, il y avait beaucoup de bons sons. Puis t'apprenais pas mal de trucs quand même sur B.I.G. Donc. Euh... Ah, celui-là, j'aimerais bien qu'Ace qu Moody soit là ce soir. Paranoïaque, évidemment, petite dédicace au Ace Moody qui a la même fascination pour ce film que moi. Chaya LaBeouf, le voilà l'un de mes euh, trois films préférés. Vraiment. Euh, c'est beaucoup moins bien que Et Mile, mais c'est cool. Ouais, bah dans, dans mes souvenirs, c'était ça. C'était moins bien qu'Et Miles, c'était moins bien que Réussir ou Mourir. À ah, des années-lumière de Straight Dog* a Compton, mais Straight Dog* a Compton, c'est vachement plus récent. Mais euh, à voir quand même. Paranoïaque, exceptionnel. Euh, bah, David Morse qu'on retrouve, Shia LaBeouf, voilà, c'est un de mes films préférés all-time. Euh, Celui-là, je m'en passerai jamais. Le DVD, évidemment, est toujours là. Et euh, j'espère peut-être un jour pouvoir me le procurer en 4K. J'ai mon Zvek qui est là. Je sais pas si Zvec pourrait me dire si Paranoïa a eu droit à son édition 4K. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Mais alors, pareil, Roa Win, celui-là, il faut absolument que tu le vois. Hein. C'est le genre de film. Roa je la connais. C'est le genre de film que ça, tu kifferais de ouf. Euh, bah, tiens, si, euh, si Eddie est encore là. Fun Game, euh, dont j'avais fait la vidéo, un de mes films préférés. Euh, Eric Arson Macarel. Eric putain d'Erson Macarel. La voix française de, Donald de, de Kiefer Sutherland. Extraordinaire dans ce film. Extraordinaire dans ce film. Ce film est à voir absolument en VF. C'est à voir en VO aussi. Mais regardez-le en VF. C'est Boris Rélinger, je crois, qui est euh, sur Colin Farrell comme d'habitude. Forrest Whitaker est phénoménal. Et, euh, et, et le travail d'Eric Arson Macarel. Je trouve est supérieur, mais alors là, on les voit pas les mecs en fait, ils sont au téléphone donc forcément à un moment donné, tu vois, on les voit pas euh, à la caméra. Mais le, 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 je trouve que le travail d'Eric Erson-Macarel, donc le comédien français, est meilleur que le travail de Kiefer Sutherland. Tu ressens plus le truc, c'est plus incisif, hein. c'est super, c'est super. Tu vas te taper tout l'alphabet, super. Ah ouais, non, mais je te jure, il y a des phrases, il y a des trucs de légende dans Fun Game, C'est c'est formidable, c'est formidable, Fun Game. Euh, ah, alors, alors, alors attendez, là, euh, là, là s'il y a quelqu'un qui a vu ce film, ça ça fait partie de, voilà, de ma passion pour les films de monstres. Et en vrai, ce film est exactement ce que Rogue n'est pas, le film avec Megan Fox, j'avais dit que c'était à chier. Primval, avec Dominic Purcell, notre, notre bon vieux, euh, comment il s'appelle déjà, euh, Lincoln Burrows, vous savez, le, le, le gros abruti, là de, 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 de Prison Break. Enfin, il est gentil, hein, mais c'est vrai qu'il n'a pas inventé l'eau chaude, hein, Lincoln Burrows dans Prison Break. Euh, Orlando Jones. L'un de mes acteurs préférés. Euh, T'as Brooke Langton aussi, euh, Jürgen prochnau qui est un acteur qui est assez connu euh, à l'ancienne. Et euh, ça, c'est trop bien. Anaclusmos vous dit que c'est génial. Pour tous ceux qui connaissent, n'écoutez pas. C'est pas parce que. Anaclusmos a aimé, il, de, de temps en temps, il aime bien des trucs bien. Ça ne veut pas dire que c'est foncièrement mauvais, que Anaclusmos a dit que c'était génial. Vraiment, ça veut pas dire que c'est mauvais. Hein, que que ça ça veut, non, Pour le coup, je suis d'accord avec lui, c'est bien. Mais euh, non, 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 c'est euh, un vrai bon film, euh, Primval. Ça parle de Gustave, donc le, le, le mangeur d'hommes, le crocodile mangeur d'hommes. Mais en toile de fond, tu tout ce qui se passe au Burundi, la guerre, la, la, la pauvreté, ces trucs-là. Le fait de se servir du crocodile à des fins personnelles... Enfin à des fins euh, politiques, clairement. Et c'est vraiment bien foutu, c'est un vrai bon film. C'est un vrai bon film. Alors, personne l'a vu, hein, mais... Euh, à part, bah, du coup, c'est cool, à part Adaclusmos qui l'a vu, mais... Euh... Pulp Fiction. Bon, forcément, hein, le DVD de Pulp Fiction. Ah, vous voyez pourquoi Alors, je dis ça, mais... Euh, en vrai, euh, euh, comment dire le, 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 Cette jaquette est belle, j'allais dire. Quand on une jaquette comme ça, t'achètes pas le reste, enfin, je veux dire... <laughs> Cette version-là en DVD est fantastique. Quand tu vois la version qu'ils ont sorti en 4K fourreau, elle est magnifique. Mais euh, *Pulp Fiction*, un classique immense, ce sera l'occasion de regarder si j'ai bien effectivement tous les. Euh, euh, ce sera l'occasion de vérifier si j'ai bien tous les. Comment Tous les, tous les, tous les, tous les Tarantino en DVD, en Blu-ray, mais je crois bien. Je crois bien. *Pulp Fiction* qui est là, et on continue avec. Plus que deux petites fournées. On va essayer d'aller vite. Il est déjà 22h. On va essayer d'aller vite parce que, vra vraiment, en vrai, sinon ça va durer jusqu'à 1h du matin. J'aimerais bien finir à minuit. Minuit, ce serait bien, ce serait raisonnable. Mais euh, là, faut qu'on avance. Réussir ou mourir. Euh, le film sur Curtis Sisama Jackson. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est exceptionnel. C'est Gork qui joue le personnage principal. D'ailleurs, si vous le reconnaissez, là, c'est notre point G. Hein. Euh, Jim Sheridan. Film formidable. Euh, Réussir ou mourir. J'adore Adewale Akinuye euh, Akbaye de euh, Lost, là-dedans, j'adore Bill Duke, euh, j'adore Terence Howard, j'adore la BO, euh, je, je trouve que euh, Réussir ou Mourir est un très 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 bon film, dans le genre, euh, film euh, un petit peu euh, bling bling, mais euh, euh, inspiration, euh, comme il y en avait beaucoup à l'époque de Het Mile, etc., euh, de, 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 <coughs> des biopics, et euh, c'est trop cool. C'est trop cool dans le genre de biopic euh, US. Est-ce que quelqu'un a vu Shaft avec Samuel L. Jackson Ça, 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 euh, je suis sûr que euh, Captain il l'a vu. En vrai, je suis sûr que Captain il a vu Shaft. J'ai croisé 50 il y a 10 ans, cette star sympa. Et bah, tu sais que je l'ai croisé il y a 8 ans, moi, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Il avait même signé un de mes casques et tout. Euh, bon, j'avais payé en même temps, mais euh, mais j'étais grave content. Euh, je l'avais vu, euh, je l'avais vu. Je sais plus trop où exactement. Enfin, c'était dans un endroit où euh, c'est dans un endroit où en gros il faisait une vente de de, 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 de casques. Et euh, bah, c'était trop cool de le rencontrer. C'était vraiment trop cool de le rencontrer. Et euh, et ouais, il est adorable. Il est adorable, Fifty. Donc euh, Shaft. Un film exceptionnel avec Samuel L. Jackson. Je me crois qu'il y a Christian Bale aussi. Oui, il y a Christian Bale aussi dans ce film-là. Il y a un joli casting. Hein. Il y a un joli casting. On en parle assez peu parce que forcément, bon bah le, le, le shaft original est. Euh, comment dire, est nettement plus connu, mais je crois même qu'il y a une suite à Shaft. Il me semble. Bon, et alors là, on va en faire 6 d'un coup. Putain, on va en faire 6 d'un coup. Euh, comme ça, on va pas perdre de temps. Je vous les montre, en, même en comme ça, limite, parce que du coup, là, c'est toute la collection. Les Starship Troopers Oui, j'ai tous les Starship Troopers. Starship Troopers 1, le classique de tous les classiques, de tous les classiques. J'ose le dire, peut-être. Il oh, faudrait retirer Star Wars, mais Star Wars, c'est une licence. Si tu retires Star Wars, le plus grand film de science-fiction est ici c'est Starship Troopers, pour moi. Il y a pas mieux. Il y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Y a pas mieux. Que Starship Troopers, qui est extraordinaire. Euh, et puis après, vous allez voir que euh... Ah, euh... Ça, ça va sombrer, mais petit à petit. Euh, dans, dans, dans le très bon Starship Troopers, Opération Pluton, qui était une série animée, euh, qui a été récompensée au Golden Globe, qui a eu droit à plusieurs euh, épisodes. Celui-là, c'est le premier, Opération Pluton, de durer une heure, une heure et demie. Enfin, c'était. Euh chapitré en une dizaine de chapitres de 6 minutes, etc. C'était euh, diffusé je sais plus trop où. C'était très sympa. Et là, après, euh... Et là, après, bon, voilà, Starship Troopers 2, Alors, hein, on tombe déjà sur le direct ou DVD, avec ce bon vieux Richard Burgi, ici, euh, que vous avez pu voir dans Desperados wife et les Kelly Carlson, euh, que vous avez pu voir pour son physique, essentiellement, hein, euh... et aussi dans Nip Tuck, euh, qui jouait la... l'actrice la, la, porno, euh, qui joue la femme de, de, de Christian Troy. Euh... Bizarrement, celui-là, je le déteste pas. Je sais que plein de gens le haient, ce film, et que tout le monde trouve que c'est le pire. Euh... Je le déteste pas. Euh... Je le déteste pas. Au contraire, je le trouve assez intéressant, même si lamentable dans son acting et dans sa mise en scène, mais il y a des tas d'idées sympas réalisées par Phil Tippett, celui qui a fait notamment... Et puis ça se voit, parce que les effets spéciaux, pour le coup, sont très 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 bons dans le 2, au contraire de la purge qui arrive après. Euh, et euh, et euh, c'est celui qui avait fait les effets spéciaux de Jurassic Park, entre autres. Voilà, celui-là c'est le pire. Starship Troopers 3 Marauder, celui-là il est pitoyable. Celui-là, celui-là, c'est. Je... Enfin, franchement, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. J'étais dans mon cycle Starship, j'en ai même parlé aux sveg. Je me suis refait les Starship Troopers. Je comprends pas pourquoi celui-là, à chaque fois, je le regarde et j'essaie de me dire Ah, tiens, peut-être que ça va changer. Mais c'est lamentable. Starship Troopers 3, <laughs> c'est lamentable. On nous dit que tu as. Euh... Euh, comment dire que c'est produit par, euh, comment, euh, c'est présenté par Paul Verhoeven, euh, produit par Verhoeven, réalisé par Ed Neumer, celui qui a, fait, qui a écrit le premier, enfin, c'est bidon, c'est nul, 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 nul. Et ça c'est bien par contre, euh, c'est les deux films qui sont sortis après, Starship Troopers ne marchant plus trop, on est allé voir nos amis nippons, des mecs hyper connus du, 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 du cinéma nippon, et on a fait deux films d'animation qui sont très bons, Starship Troopers Invasion, le 4, euh, qui est celui-là, et le 5, Starship Troopers Traitor of Mars. Euh, qui sont les, les suites de Starship Troopers en format animé. Euh, et ceux-là valent le coup. Ceux-là, pour le coup, sont vraiment sympas et valent le coup. Donc, je vous conseille de les regarder euh, si vous en avez l'occasion. Parce que je trouve que c'est des films assez intéressants. Je trouve que c'est des films assez intéressants. Tac, euh, hop. Et on va euh, faire plaisir, je, me, je pense, à beaucoup de monde. Je ne sais pas si certains vont les connaître, mais... Ceux de ma génération auront forcément vu ça et ceux de ma génération qui aiment Star Wars vont se dire « Ah, let's go, ça fait plaisir !» Les deux Clone Wars de... Je crois que c'était Nickelodeon qui faisait ça, non Ou Cartoon Network Non, je crois que c'était Cartoon Network. Les deux Star Wars Clone Wars qu'on regardait le matin sur M6, le dimanche, euh, avec des petits épisodes de deux minutes et qui étaient, euh, qui étaient de, de... De Cartoon Network et c'est trop cool euh, je sais plus c'est lequel, je crois que ça doit être le premier. Je crois que c'est celui-là. Si vous voulez voir le général Grievous en mode je tue 8 Jedi sur 10 et j'en ai rien à foutre et je fais trop peur et je suis pas une blague, faut regarder ça. Grievous là-dedans, il est exceptionnel. Après, on en a fait un sketch, c'est hyper chiant. Mais par contre, dans ces films-là, il est monstrueux. Euh. Mais, euh, mais ouais, euh, Star, Wars, Star Wars, franchement, les, 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 les Clone noirs de ce style-là, n'hésitez pas à y aller parce que c'est euh, vraiment du, du, du collector et du, du très très lourd. Je trouve que les films sont, euh, sont super. Euh, et on arrive sur la dernière partie des DVD euh, où on va aller très très vite, puisqu'on a déjà fait plus d'une heure euh, là-dessus et il nous reste encore tellement de, tellement, tellement de choses. Euh, The Artist! Le film The Artist, le fourreau, je le trouve pas incroyable. Il faudrait que je le mette en juste comme ça. The Artist, voilà. Euh, avec Jean Dujardin, moi j'essaie en général de toujours me procurer les films de Jeannot. Et euh, The Artist, bah, évidemment, en faisait partie parce que c'est quand même un film oscarisé. Enfin, euh, je veux dire, ça a été le, le rat de marée absolu. Euh, L'un de mes films fétiches, The Mist, évidemment, euh, que je pense beaucoup de gens de chez vous ici ont vu. The Mist exceptionnel. Frank Darabon. Euh, L'un des grands films de Franck Darabon. Un des plus euh, sous-estimés, je trouve, euh, d'ailleurs, de, de Franck Darabon. Parce que ce film-là, euh, euh, on n'en parle pas beaucoup quand on parle de Franck Darabon. On parle plus de la ligne verte, on parle plus, de, euh, on parle plus des évadés, on parle de ces films-là. Mais putain, hey, The Mist, c'est extraordinaire. Franck Darabon, c'est un, un génie. Thomas Jane est formidable là-dedans. T'as quasi l'intégralité du casting de Walking Dead en plus, hein, si ça vous intéresse. Enfin, le mec a récupéré. Euh... Ah, il y a Jeffrey Dean il y a Laurie Holden, il y a Melissa McBride. Euh... C'est assez top. Puis le film est fantastique. Le film est vraiment fantastique. Hop. Euh... Alors, ça, je me rappelais même plus que je l'avais. The Spirit. The Spirit. Je crois que ça euh, ça devait être mon père qui me l'avait acheté à l'époque où on sortait de, du, du délire Sin City. Euh, parce que justement, bah, c'était fait par euh, le créateur de Sin City et 300. Est-ce que c'est lui qui le réalise Ouais, c'est réalisé par Frank Miller, ouais, The Spirit. Probablement basé d'un de, euh, de, de, de ses comics. Sympa, sans plus, euh, celui-là. Euh, ouais, ce, ce, un beau casting. Samuel l. Jackson, Scarlett Johansson, t'avais. Euh... Putain, il y avait Sarah Paulson qui était dedans, effectivement aussi. Eva Mendes, euh... Gabriel Match qui jouait le, le rôle principal. Donc, un film euh... à voir si vous aimez bien l'esprit. Euh... L'esprit Sin City. Pour moi, moins bon que Sin City, quand même, assez largement. Ah, l'un de, de mes films préférés. Là, j'en ai fait une vidéo aussi parce que j'étais obligé. Ce film est une merveille. Ce film est une pure merveille euh, tonnerre sous les tropiques ça c'est incroyable ça c'est incroyable j'adore tonnerre sous les tropiques genre c'est pour moi l'un des films les plus drôles que j'ai vu de ma vie hein. il y en a il y en a pas eu euh, 10 000. moi je suis pas trop comédie de base mais alors la, la comédie dans ce style là oh là là là, là. ben stiller euh, ben stiller il écrit trop bien alors dans la réal il est fort aussi mais ce qu'il fait là avec Jack Black avec euh... je me demande si Coup sur coup d'ailleurs, il est sorti en quelle année ce film là Si coup sur... 2008 Ah hein, ouais non, donc du coup Jack Black a eu le temps de faire deux trois trucs entre deux quand même je pense. The Mist en noir et blanc, tu l'as vu Ouais, Aurèle. Oui, The Mist en noir et blanc, bah, je crois que je l'ai euh, dans le DVD qui a là. Il me semble que c'est un double DVD où il y avait les versions noir et blanc ou alors je l'avais téléchargé pour ma vidéo sur euh, The Mist. En VF aussi, ouais, de ouf. De ouf. Ouais, celui-là, faut le voir en VF aussi parce que c'est une. Enfin, le casting s'éclate de ouf. Après, je pense que tu peux le voir aussi en VO, mais le travail de la VF est tellement culte, les, les, les voix sont tellement devenues iconiques et les punchlines folles que, ouais, faut le regarder en VF. Bah, de toute façon, moi, après, tu me connais, moi, la plupart des films, je les regarde aussi en VF, genre par exemple. Ça, c'est pareil, je le regarde en VF. Alors, ça, il ça, y aura une vidéo en 2023 dessus. Je vais être obligé de revenir sur Une Nuit en Enfer. Je suis obligé euh, de, de, de le voir, euh, d'en de, 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 faire une vidéo. Richard Darbois, qui est sur Georges Clooney, ça n'a pas de prix. Et euh, Une nuit en enfer, c'est exceptionnel. Une nuit en enfer, c'est le film qu'il faut montrer pour dire, euh, comment dire, « Ah euh, oh ouais, Robert Rodriguez, il s'est pas réalisé, en vrai, c'est un cuck, c'est un, un nul. » Tu lui montres ce film-là. Vraiment, hein il faut montrer Une nuit en enfer aux gens qui n'aiment pas Robert Rodriguez pour que les gens changent d'avis sur Robert Rodriguez. Euh, mais parce que Sin City, il a été aussi un peu orchestré par Tarantino. Il est aidé par Frank Miller. Bon, là, ça c'est écrit par Tarantino. Hein. Mais derrière, la réelle, c'est du Rodriguez pur. Et c'est trop, trop, trop bien. La scène avec Salma Hayek, c'est les émotions. Ah, non, mais de ouf. De ouf. Une nuit avec mon ex. Ah, bah après, si ton ex, a ressemblait à Salma Hayek, Captain. Euh... Même, même à Juliette Lewis. Hein. Enfin, euh, après, Juliette Lewis, elle est peut-être jeune dans ce film-là. Je sais plus quel âge elle a. Une vingtaine d'années, je crois, dans Une nuit en enfer. Mais elle joue une gamine beaucoup plus jeune. Euh, c'est juste que Tarantino a envie de la choper, mais Tarantino c'est un violeur pédophile, donc ça c'est pas forcément une référence. Mais Samuel L. Jackson dans, le, dans, dans, le, dans Une nuit en... euh, Samuel L. Jackson. Salma Hayek dans ce film là. Oh là là. Pff, ouais, putain. Ouais, quand même. Le fantasme de combien de générations et de générations et de générations. Après, Isa Gonzalez, elle a fait un truc sympa, je trouve, sur la reprise du personnage. Et euh, alors, juste avant, deux petits coffrets, les trois derniers. Une saga que j'aime beaucoup. Et là, là, justement, c'est pour vous montrer, dont je n'ai que trois films, puisque je trouve que les quatre... On va voir si vous êtes capable de trouver. C'est une saga de science-fiction. J'ai que les trois premiers films, parce que je trouve que le 4 et le 5, c'est de la merde. Mais de la merde, mais nul, 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 nul. Alors que pourtant, les trois premiers sont pour moi des œuvres cultes, et le 1 et le 3 surtout, avec le 3 qui est phénoménal. C'est de la SF... Euh, ah non, c'est du fantastique. C'est même pas de la SF, c'est du fantastique. C'est plus estampillé fantastique que science-fiction, parce que science-fiction, euh, c'est pas pareil. Non, c'est du fantastique. C'est du fantastique où on a le 1, le 2, le 3 qui sont... Euh, très bon, notamment le 1 et le 3 qui sont phénoménales, et euh, derrière les 4 et 5 qui sont à chier. Putain, Ace Moody, Ace Moody, il arrive maintenant. J'ai déjà montré Paranoïaque et j'ai montré Tonnerre sous les Tropiques, j'ai le Sum. J'ai montré Fun Game aussi, j'ai trop le Sum. J'ai parlé de toi, hein, et, ça j'ai dit putain, mais j'aurais tellement aimé qu'il soit là quand je monte Paranoïaque. Non, c'est. Euh, bah, c'est. C'est c'est, mon. Ah, c'est comme qui dirait mon amour au C'est, Il y en avait beaucoup qui avaient trouvé, mais la trilogie de Underworld. Qui, qui est une trilogie bébé pour moi. Genre, je, je l'aime cette trilogie. Ça aussi, ça fera partie, à mon avis, des vidéos dans lesquelles, euh, sur lesquelles vous pourrez compter euh, en 2023. J'ai pas encore 150 000 films à discuter en interlude, mais je pense que les Underworld, il faut que je les fasse. Euh, en vrai, je comprends, j'aime bien le premier. Ah, et moi, le 3, le Underworld 3, il est tellement sous-coté. C'est un exemple de préquel, en fait, ultra intéressant, qui termine avec euh, quand même Kate Beckinsale. Je trouve que euh, Rona Mitra, elle est géniale. Ah, moi, j'adore Michael Sheen. Euh, et Michael Sheen, dans celui-là, il est super. Enfin, est, Franchement, il tout, tout, tout est vachement cohérent pour amener ensuite à l'arrivée du premier. Euh, L'antagoniste principal, alors comment est-ce c'est Bill Nighy. Il est génial et tout. Euh, c'est Underworld. J'adore ces films. J'aime vraiment beaucoup ces films-là. J'aime vraiment beaucoup Underworld. Trois petits euh, coffrets DVD avant de passer au Blu-ray. On va enfin passer au Blu-ray et. Euh... et Blu-ray, il y en a pas mal aussi. Ouais, Blu-ray, il y en a moins. Ça, ça va aller plus vite après, je pense. Il y en a un petit peu moins, puis après, il y a tous les coffrets, etc. <laughs> puis on pourra passer au Steelbook et puis terminer avec les coffrets série. Euh, évidemment, les Gremlins en DVD. Euh, une obligation parce que les Gremlins, c'est trop bien. <laughs> je l'ai en, en coffret ou euh... Ah, tu peux l'ouvrir comme ça. Hop. Puis tu as, euh, les, les... as les deux films qui sont euh, à l'intérieur. Euh, J'aime beaucoup beaucoup le, le, les, les Gremlins. Moi je suis un fan des Gremlins. Je suis un, un fan des Gremlins et ce film là, il est superbe. Mon voilà avec le 3, c'est justement le remplacement de Kate Beckinsale bah, t'es un peu obligé pour expliquer la story avec Luciane, mais euh, en vrai, c'est tellement bien apporté sur tout ce qu'il y a à faire après, et je trouve que Rona Mitra, elle est douée dedans. On n'empathie on on pas trop de, euh, de, de l'absence, je trouve, de Kate Beckinsale. Après, euh, c'est vrai que bon, un film où t'as Kate Beckinsale, Kate Beckinsale reste le, le personnage phare d'Underworld, mais je trouvais que Ronamitra Mitra s'en sortait bien. Et alors là, c'est ma grande fierté, parce que j'en avais déjà un, mais l'autre, je l'ai eu à 1,50€ sur Amazon dans la même collection que le premier. C'est pour ça que je l'ai racheté en DVD. J'aurais pu le racheter en Blu-ray, mais alors je... pourquoi acheter un Blu-ray 10 balles quand tu peux avoir un collector aussi qualitatif C'est Planète Terreur et Boulevard de la Mort. Donc Boulevard de la Mort, je l'avais déjà. J'ai racheté Planète Terreur en édition DVD collector. Les éditions sont incroyables. Je trouve ces films incroyables. Genre vraiment. Euh, pour plan... Quand t'as des trucs comme ça et tout, moi je les trouve trop stylés. Hein mais les éditions que t'avais comme ça en DVD, elles étaient exceptionnelles, et euh, voilà, avoir le Grindhouse sentier avec en plus je crois à l'intérieur, t'as le, au début de Planète Terreur, t'as le petit sketch avec Machete, genre en mode il se paye les femmes du patron et tout, c'est trop bien, et euh, bah moi Boulevard de la Mort, je trouve que c'est un film hyper riche, c'est entre guillemets le film un peu, un, un peu, un peu sérieux des deux, parce que t'as quand même, euh, voilà, as quand même un fond, et puis euh, tu te rends compte que euh, c'est... Euh... Puis t'as les, toutes, les, toutes les petites pages, là, comme ça, que t'avais dans les, dans les trucs et tout, je trouve ça trop cool. Avec les chapitres, les trucs comme ça, ça c'était bien à l'époque. Aujourd'hui, on est tellement dans une société des maths, que même les Blu-ray, t'as plus rien à l'intérieur. Avant, t'avais les petits fascicules et tout, et là, Planète Terreur, pareil, enfin, je veux dire, c'est exactement la même édition, ils ont fait la même chose, et dedans, t'as les, euh, voilà, les, 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 les deux DVD qui sont dedans, avec tous les bonus... Avec Rose McGowan dans Planète Terreur. Rose McGowan dans Planète Terreur, c'est incroyable. Et euh, ouais, je suis trop content. Je suis trop content parce que euh, je pensais pas réussir à trouver la version de Planète Terreur pour 1,50€ après avoir eu celle-là. Et au moins, je peux avoir les deux. Et euh, genre, tellement content d'avoir les deux parce que c'est des films qui le méritent de fou. Je vais boire un coup. On se passerait pas sur les Blu-ray, messieurs, dames. Parce que 22h22, on peut finir, je pense, à minuit et demi. Si je suis relativement bien. A priori, je pense qu'à minuit et demi, on peut avoir terminé. Parce que là, ça va. comme les Blu-ray, c'est des formats qui sont plus petits, ça ira peut-être un petit peu plus vite. Euh... Premier film, donc, de ma collection, Blu-ray. Là, on est sur du Blu-ray traditionnel. Je, mettrai les... je vous mettrai les coffrets et les petites éditions limitées après. Là, on est sur du Blu-ray standard ou du Blu-ray fourreau. Euh, « 30 jours de nuit ». C'est sous-côté sa mère, ça. Euh... C'est trop bien, ça, 30 jours de nuit avec Joe Et c'est méga sous-côté, hein. Et c'est super flippant. Et en vrai, c'est parmi les vampires les plus flippants du cinéma, eux. Hein. Eux, ils, eux, ils sont pas là pour rigoler, hein. C'est trop cool, hein. Tu pourrais me dire, euh, tu l'avais eu à combien, le avatar Mon coffret d'avatar, euh... 20 balles, je dirais. Même pas, hein. Je l'ai <laughs> acheté tard. C'était une édition spéciale, je dirais 20 balles, à peu près. Mais 30 jours de nuit, si vous ne l'avez pas vu, allez-y, c'est super. Bon, bah ça, j'ai bi bien aimé Amsterdam. Du coup, je me suis pris récemment American Bluff, euh, du même réalisateur, je crois, hein, qui a fait Amsterdam avec euh, bah, aussi Christian Bale. Et euh, bon film aussi, American Bluff. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Bah, je, quand quand je n'ai pas d'argument, le reste c'est juste Jennifer Lawrence. Celui-là, je suis dégoûté, il faudra que je me le rachète parce que j'ai plus l'emballage le, 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 plastique, j'ai plus la jaquette. Enfin, j'ai la jaquette mais sans l'emballage, ou alors j'essaierai de me l'imprimer directement. Euh, ça fait chier, mais parce que c'est un de mes films préférés, c'est American Oni. Et euh, American Oni, bah, je vous en ai déjà parlé avec Shia LaBeouf, un film euh, incroyable et le comics ouais il y a le comics soit ouais, il y, y a le comics 30 jours de nuit mais qui est super aussi. Le comics 30 jours de nuit qui est super et tout ouais c'est inspiré d'un comics et c'est des films ils font pas semblant hein. On est vraiment sur du euh, sur du sur du gros délire. Hein. Alors là 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 je, là franchement Ace Moody Orel, et le Captain, ça c'est pour nous. Ça c'est pour, pour nous pour nous pour nous pour nous ce qui arrive. C'est pour nous musicalement c'est pour nous humoristiquement parlant, c'est pour nous stifleurement parlant, j'ai enfin réussi à avoir ce dernier putain de film. Je suis trop heureux. Regardez ça, putain. Regardez ça, bordel. Tous les American Pie. Qu'est-ce que j'en ai bouffé cet été du American Pie avec mes potes et avec Le Zweig et avec le Kenny et avec le, le, le Ace qui était là sur le live American Pie d'ailleurs, où on avait mis Meute putain, de Blink. C'est pour ça que je pense au captain aussi, Blink 182, et, euh, et, et, et Sum 41, et tous ces trucs-là. Euh, le 4, le, attends, c'est lequel Oui, celui-là est encore sous Blister, parce que je l'ai reçu dans la semaine. Les autres, non, parce que les autres, je les ai depuis un petit moment. Donc American Pie 2, American Pie, euh, voilà, volume 2, le volume 3, Marion Lay, et le volume 4, qui est trop bien. Le meilleur, pour moi, le 4. Vraiment... Euh, il est d'une richesse de fou, le quatrième. Euh, trop content de les avoir. Donc, le premier, je l'ai reçu. Et alors, chose intéressante. Il faut savoir que si vous voulez le 2, le 3, le 4, vous pouvez vous en sortir. Le 3, je crois qu'aujourd'hui, il vaut 5 euros pièce sur Amazon. Le 4, il doit être à 9 euros. Le 2, il est peut-être à 12, 13 euros. C'est vraiment pas cher. Par contre, celui-là, c'est 65 euros, la version française. 65 euros, la version française. Je l'ai pris dans une version allemande qui n'a que les langages allemand et anglais. <laughs> Donc, c'est un peu con, mais bon, au moins je l'ai. J'ai quand même payé 30 boules. Hein. J'ai quand même payé 30 boules pour le premier American Pie. Euh, sinon, pour les prix, c'est incroyable. Tu passes de 9 euros de 9€ pour le 3 à 70 euros pour celui-ci. Donc, j'allais pas mettre 70 balles. J'ai mis 20 balles euh, pour le, le premier American Pie pour l'avoir en édition allemande. Tant pis, c'est pas grave. Je vais même le déballer devant vous. Comme ça, au moins, j'aurai un petit souvenir de ce live où j'aurai déballé mon American Pie euh, avec les internautes. Mais euh, ouais, non. Le 2, cher. Le 2, je crois que je l'avais eu pour à peu près 15 balles. Environ 15. Ouais, 15, à peu près 15 balles. Pas si cher que ça. Euh, pas si cher que ça. Juste, euh, voilà, derrière. Euh, le 3, il vaut rien. Le 4, il vaut rien. Ils sont facilement trouvables. C'est le, 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 le premier. C'est le premier qui est excessif. Le 2, tu peux t'en tirer pour. Je pense que le 2, tu peux t'en tirer pour pas trop, trop cher. Parce qu'aucun éditeur français prend soin de la licence American Pie. Parce que c'est des films pour les débiles. Non mais personne. Non mais c'est parce que les gens qui ne le comprennent pas ça. American Pie, moi j'en avais fait un live, j'en avais fait une vidéo. Je pense même rebooter ma vidéo. Pour en faire une vraie dessus. Parce que la vidéo que j'avais fait pour moi, elle n'est pas à la hauteur de la, du talent de la saga. Le... Ah oh, tiens. Hop, alors remettre là-dedans. Euh, c'est tellement des films trop 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 euh, intelligents American Pie. On croit que c'est débile. Parce que les situations sont débiles, mais par rapport à la nostalgie, par rapport au, justement, quand tu regardes toute la saga, au fait de devenir adulte, euh, aux responsabilités de la paternité, à l'amitié, à euh, ces symboles là très puritains, l'Amérique, etc. Enfin, il y a tellement des choses qui sont super intelligentes. Je peux pas laisser dire que les films sont dé sont débiles. Après, si les éditeurs le comprennent pas, bah, tant pis. Mais, euh... mais, euh... mais voilà. Salut, c'est Peter, Rock'n'roll Roll. Ah, ouais, non. Et moi, je m'appelle Peter the Trombonator. Et j'ai une énorme paire de couilles. Ah je te jure. American Pie 2, moi je l'aime beaucoup. Dans l'ordre, j'aurais mis 4 2 3 1. J'ai revalorisé le 3. Je dirais 4 2 3 1 dans l'ordre de mes préférés. Mais euh, pff, ah, ça se vaut hein, ça se vaut parce que enfin c'est des films qui sont formidables donc dans tous les cas. Apollo 11, un film offert par le Bloom. Euh, par la communauté blomiste la dernière fois qu'il est venu. Euh, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, euh, mais euh, j'ai hâte de le voir parce que je, je, je peux le blinder de travail. Mais euh, tout ce qui est sur l'univers spatial, etc., notamment sur ces missions-là, ça m'intéresse beaucoup. Faudrait que j'ai l'occasion de le voir la, la, la prochaine fois. Tu as eu le Steelbook Mondo qu'ils ont sorti pour Ragnarok Ouais, il est, trop, il est il est top, Yaya. Bah, ça, par exemple, le Steelbook Mondo de Ragnarok, je vais l'acheter. J'acheterai pas le Steelbook des quatre ensemble, mais le, le quand le, le Mondo Ragnarok, je vais l'acheter en espérant un jour qu'ils en fassent un sur Love and Thunder. Et comme ça, au moins, j'aurai les deux. Mais ça, tu vois, c'est le genre de truc que j'attends, quoi. Ça, putain. Ça, 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 c'est une merveille, ça. Ça, c'est une merveille, ça. Ça, putain, Spike Lee, je l'aime, ce mec. Spike Lee, je l'aime, ce mec. C'est un de mes réels préférés, Spike Lee, je l'aime d'amour, ce mec. Black Landsman, ce film est trop parfait. De la musique à Adam Driver, à Topper Grace, à, à un mec qui est devenu un de mes acteurs cultes, c'est John David Washington. Le, le propos, le truc et tout, c'est trop bien, Black Landsman. C'est trop bien, Black Landsman. La fin, elle te met une gifle extrême, mais Black Landsman, c'est inhumain, tellement c'est exceptionnel. Le film préféré de rowan à chaque fois je le dis, parce que voilà, mais... Brightburn, l'Enfant du Mal. Qui est cool aussi, en vrai Ce film-là, tout le monde dit que c'est de la merde En tête, t'as une communauté de gens euh, de, de, sur, euh, sur Brightburn, où, où ils sont trop, trop, trop au taquet dessus, et t'as plein de gens qui détestent ce film. Moi, je le trouve trop cool Parce que c'est un film qui va au bout de ce qui doit aller. C'est un Clark Kent fils de pute. Alors il s'appelle pas Clark Kent mais vraiment le l'idéologie de Clark Kent mais qui pète un câble et qui va jusqu'au bout du bout du bout d'être un putain d'enculé sans concession, sans rien et tout et c'est trop cool. En gros, ce film là, c'est tu prends c'est exactement le pareil. C'est un, tu prends Superman sauf qu'en fait, c'est un grand détraqué mental qui tue tout le monde et c'est un gamin qui est complètement pété. Ce qui pareil, il arrive, sur une, il arrive dans une ferme, euh, il est recueilli par des humains, il va aller, voilà, c'est dans un coin un peu isolé, euh, typiquement champ de blé américain et tout. C'est tout Superman, sauf que c'est une saloperie. Et c'est trop cool, et c'est produit par les guns. Donc rien que pour ça, ça mérite d'être vu. Euh, ah, ça aussi c'est bien. Black Swan, en Blu-ray édition Collector, euh, deux disques, euh, avec, euh, avec Nathalie, pff, Nathalie Portman. Avec Nathalie Portman. Euh, donc, le, le, je sais plus si c'est si c'est les bonus. Bonus plus euh, Blu-ray. Une belle édition pour Black, euh, Black Swan. Je sais pas quelles éditions ils ont fait sur, sur Black Swan. Moi, j'avais trouvé celle-là en occasion pour euh, 3 euros. Je me suis dit, vas-y, un hein, pour 3 euros. Encore plus quand c'est Black Swan. Ouais, bah, let's go, vas-y. Mais euh, Black Swan, super film, super super film. Je suis fan de ce que fait Darren Aronofsky. De Darren Aronofsky et ce que Gaspar Noé est à Luan par exemple. Je sais pas si vous connaissez mon pote Luan, euh, Luan N sur YouTube, qui est un youtubeur, hein, qui a fait euh, notamment un documentaire sur Gaspar Noé. Voilà, mon, 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 Darren, mon Aronofsky c'est son Gaspar Noé. Et euh, le, 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 le film, je l'adore, je l'adore. Putain, je suis vraiment. C'est là que vous voyez qu'au moins c'est un peu mon univers, tu vois. Parce que j'ai pas mille films, mais je pense que c'est des films que vous allez pas trouver dans beaucoup de DVD Tech. Charlie Countryman, que j'ai eu le bol de trouver à Sainte euh, pour 2€, euros, et parce que en fait tout le monde s'en bat les couilles de ce film, sauf que pour moi c'est genre un immense film. Euh... Euh, un peu barré européen avec un chien à la bœuf qui prend des risques et tout. Et c'est un film qui est trop intéressant à regarder avec Matt Mickelsen et. Euh... Bon, je l'aime pas du tout, mais Evan Rachel Wood, Et euh, ce film-là est hyper sympa. Ça a fait euh, zéro bruit. Il y a Rupert Grint aussi, il y a Ron Weasley dedans. C'était peut-être l'avantage en fait, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui y sont allés juste pour voir euh, Ron dans le film. Mais c'est trop bien. C'est très psychédélique. C'est très, très, très spécial. Mais euh, c'est super, Charlie Countryman. Il faut vraiment le voir. Et euh, bah voilà, je ne pensais pas que ce soit, ce soit des films que vous voyez dans beaucoup de DVD tech. Mais euh, moi, dès qu'il y a Charlie Nam. Euh, euh, dès qu'il y a. Euh, dès qu'il y a à la boeuf. Euh, je suis obligé. Le plus gros flop de l'histoire de ma chaîne <laughs> Collision en Director's Cut. Ce film qui a fait 1500 vues sur ma chaîne. Même pas 2000. Alors, je m'en doutais. Je vais même pas râler parce que, en vrai, je m'en doutais que personne allait regarder. Parce que personne ne connaît ce film. Parce qu'en général, les gens détestent ce film. Parce que Brockback Mountain de Vega. Bla, Blablabla. Bla, bla. Je trouve que c'est super, Collision. Euh, et je vous incite vraiment à le regarder. Même ma vidéo, on s'en fout si vous voulez pas la voir. Ou si ça vous intéresse pas parce que le film vous dit rien, je peux comprendre. Et je comprends vraiment parce que c'est un film qui est très 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 peu connu. Mais Collision, c'est formidable. C'est formidable. À la rigueur, regardez ma vidéo pour vous donner envie de voir le film. Si jamais vous avez des doutes. Mais euh, ça a quand même gagné l'Oscar du meilleur film. Et je vous le dis, hein, Sandra Bullock, Don schiedel Matt Dillon, Jennifer Esposito, Brendan Frazier, Terence Howard, Ludacris, Tandy Newton, Michael Peña... Enfin, je veux dire, il y a Daniel Dekim aussi dedans, de euh, Lost, qui n'apparaît sur qu'une qu scène, mais quand même. C'est un film qui est fabuleux. Bah, après, c'est... <laughs> je peux comprendre, Ace. En vrai, je peux comprendre parce que Collision, c'est pas une vidéo que tu vas avoir euh, envie d'aller voir. Euh, sauf si t'as vu le film. Et puis, que, ouais, dans ce cas-là, il t'a mis une gifle. Euh, bah, la vidéo, euh, je pense qu'elle te plairait vraiment. Mais sinon, je, je, je comprends que ce soit pas une vidéo que les gens aient foncièrement envie d'aller voir. Parce que Collision, personne n'en parle. Mais c'est comme Matt Dillon, qui est pour moi un des acteurs les plus sous cotés de la planète. Personne ne parle de Matt Dillon, alors que le mec est trop fort. Allez voir Collision, c'est super. Hein. C'est vraiment super. Si vous avez l'occasion, procurez-le vous, regardez-le en téléchargement, ou je sais pas, mais c'est. Euh, voilà. Hein. C'est trop fort, c'est trop fort. La vidéo sur Kong, peut-être, Ace Moody te plaira plus. Parce que Kong, King Kong, euh, c'est Peter Jackson, donc. Euh... Euh, euh, ouais, bon. J'étais dans l'euphorie du moment. Euh, pff, re regardez ce que je vais vous montrer maintenant, et chaud, parce que. Putain, quand tu vois ce qu'il est devenu, c'est dur de. Mais voilà, tant pis. Connor euh, McGregor, Notorious. Un documentaire de, de, de zinzin. Sur un mec de zinzin. Qui, à cette période-là, dans son prime, était tellement, tellement, tellement cool. Et ce qui est trop drôle, c'est que bah, Léa, que certains connaissent peut-être ici, euh, notamment, qui, 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 euh, qui vient régulièrement sur Twitch, c'est une fanatique absolue de Connor McGregor. Et elle, elle connaît Connor McGregor de, de, de long en large. Et On en a beaucoup discuté de Connor McGregor. Et elle, elle connaissait déjà. Le Connor qui gagnait ses titres en direct. Et forcément, elle est devenue dégoûtée de ce qui est devenu Connor McGregor après. Moi, je connaissais Connor McGregor que parce que de ce qu'elle m'en disait et de ce docu. Ce qui veut dire que j'ai regardé ça, je suis devenu fan de ce mec-là, mais en 2022. Ce qui veut dire que derrière, dans la continuité du temps présent, je me rendais compte que le mec était devenu complètement pété. Et c'est terrible de devenir fan d'un mec en me disant, bah en fait, t'es devenu fan d'un truc qui date d'il y a 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, le gars, il est déglingué à la coke et tout, c'est terrible. Mais par contre, ce documentaire-là est fabuleux. Et Conor McGregor, dans son prime, était un athlète, un sportif et un homme hors du commun. Vraiment hors du commun. Allez, ah, Kong, dis-toi, Ace Moody Kong, rien, je, je, je bosse dessus là en ce moment. Rien que la partie production, rétrospective des Kong, parce que je, je vais très très loin, hein. je reviens dans les années 30, je parle même du cinéma euh, japonais avec Kong quand il est interprété par Lato. Rien que le euh, comment dire euh, rien que la partie production de ma vidéo sur Kong fait 25 minutes. Imagine, le, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. Parce que la, la, la partie analytique, je vais la mettre en dualité entre le film de monstre et le film romantique. Et expliquer pourquoi si t'as pas l'un, tu peux pas avoir l'autre. En gros, ce sera une analyse en trois parties que j'ai pas commencé à écrire, par contre tout le reste est déjà écrit et en train d'être monté. La partie production sur comprendre comment, comment a été fait King Kong dure 25 minutes. Donc ça va être une vidéo euh, de peut-être même presque d'une heure. J'en sais rien. Je sais pas combien de temps je vais passer à l'analyser. temps, le film dure 3 heures, donc ça me paraît logique. Elle sort quand euh, Pas la semaine prochaine, début de semaine suivante, je pense. Comptez la deuxième semaine du mois de janvier. À peu près. À peu près. Peut-être fin de semaine prochaine, mais encore. Fin de, si c'est fin de semaine prochaine, ce sera une exclue sur Discord. Euh, toi tu es dedans, hein, Mr. Rider, donc. Euh, mais ce sera une exclue Discord. Ou une exclue peut-être pour euh, Twitch. Mais euh, ouais, pourquoi pas, une exclue Twitch, où je le balancerai sur Twitch en avant-première, mais oui, on, je, je vais peut-être même plus faire ça, euh, si elle est terminée la, le week-end prochain, mais sinon, je la sortirai le lundi ou le mardi, quoi. Parce que là, vu le travail, je peux pas me permettre de le sortir le samedi à 18h, en mode, je m'en bats les couilles, quoi. Crawl, d'Alexandra Ja très 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 bon film, bah, à l'un des rares, euh, parce qu'il y en a pas beaucoup, des bons films de Crocodile. Ça se compte sur les doigts d'un chibre. Un chibre qui, paradoxalement, n'a qu'un doigt, donc c'est qu'il n'y en a pas vraiment pas beaucoup. Mais Crawl est un très 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 bon film. Alexandra Ja, et j'ai une mise en scène là-dedans, franchement, t'as des plans qui jouent sur toutes les profondeurs de champ, etc. t'as des choses à voir sur quatre ou cinq perspectives de plans différentes. Enfin, c'est superbe. Et ce film est superbe. <laughs> Ce film est vraiment cool. Allez le voir. Euh, Procurez-vous-le si jamais. Il y a une très belle version euh, de Crawl euh, qui est sortie il y a pas longtemps. Une version collector avec euh, même une, une comment ça s'appelle Un, Une sorte de, euh, de panneau d'immatriculation Crawl. Merci de pas nourrir les alligators et tout qui est génial. Enfin, euh, j'aime beaucoup. Deux films cultes et dont j'ai euh, le coffret de la saga originale. Ne vous inquiétez pas, qui arrivera après. Hein. Creed Et Creed 2 L'héritage de Rocky Balboa et euh, la suite donc Creed, euh, oui, Creed 2 où euh, on retrouve euh, Dolph Lundgren et puis euh, toute la dynastie. D'une manière globale, gl Blu-ray ou 4K oh, bah, D'une manière globale, si tu peux avoir du 4K, euh, prends du 4K. La plupart du temps, en général, dans des coffrets 4K, tu un Blu-ray qui va avec. Maintenant, c'est plus cher. <laughs> Ça dépend. Ça dépend des films. Moi, ça se joue beaucoup aussi à la jaquette. Hein. Ça se joue beaucoup à comment je regarde les trucs, etc. <laughs> Par exemple, le premier Creed, je l'ai en, en normal. Donc, du coup, pour avoir la continuité, j'ai pas pris le Steelbook 4 4 Creed 2, j'ai juste pris le Blu-ray. Mais avec une jaquette qui est très belle, etc. Comme ça, j'ai les deux dans, le dans la même qualité euh, euh, <laughs> directement. Et je ferai pareil pour le 3. Si le 3 me plaît, a priori, je pense que ça devrait le faire, surtout que c'est. Euh, <coughs> le, premier, euh, le premier film réalisé par Michael B. Jordan, enfin je crois, en tout cas je sais qu'il est réalisé par Michael B. Jordan. Bon, il y a des chances que je me, le, je me le procure, mais ils sont très bons les Creed. Ils sont très très cool les Creed. Ah, puis Creed, là on est dans le euh, euh, là on est dans l'univers dans de, 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 du Captain en plus avec les Creed. Ça, je pense que Ace Moody il doit kiffer. Je sais pas pourquoi, mais je pense que oui. Des hommes sans loi. Avec encore, putain mais je vous jure, je suis, il y a un, euh, comment dire, il y a un truc en, en moi qui fait que tu sais très bien, <laughs> tu, tu, pourrais deviner les films que je vais proposer après, parce qu'il y a encore Shia La euh... Shia La euh... Gary Oldman, Tom Hardy, Jessica Chastain. Euh... Ah, voilà, je l'ai eu. Et alors, attendez, je vais vous montrer quand même. Parce que des hommes sans loi pour 3 euros. Hein. Allez chiner, hein. Allez chiner, peu importe les endroits où vous pouvez aller chiner. Le film en Blu-ray, une belle qualité Blu-ray. En plus, je crois que c'est un double Blu-ray. Ouais, parce qu'il y a tous les bonus, etc. Double Blu-ray, 3 euros. Hein. Faut pas hésiter à aller chiner dans les trucs d'occasion, etc. C'est là où tu fais les meilleures affaires. Dans les grandes villes, les petits magasins d'occasion, les trucs comme ça, de temps en temps, c'est là où j'ai trouvé Dog Pound, c'est là où j'ai trouvé Des Hommes Sans Loi, c'est là où j'ai trouvé tellement de mes films cultes. Il faut y aller, il hein, faut y aller dans ces trucs-là. Là. Des Hommes Sans Loi, je le récupère pour 3 balles, j'étais tellement heureux. Ça, c'est pareil, ça, je l'ai eu à gibert avec l'ami Orel Zweig. Le dernier roi d'Écosse, un hein, de mes films cultes. De toute façon, il n'y a que mes films cul, puisqu'il n'y a que des films, je vous ai dit tout à l'heure, que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je les achète. Forest Whitaker dans ce film-là, les gars. Oh. Putain. Quel, quel acteur, lui Quel acteur, lui Quel acteur, lui Franchement, hein. Avec ce bon vieux James... Ah ouais, mais James McAvoy, tu l'oublies vite. Il... C'est... Voilà. Quand t'as Forest en face... C'est comment... C'est avec... qui déjà qui joue sa femme elle est connue, euh, Kerry Washington, qui était aussi dans Django, euh, qui joue la l'une des femmes de, 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 de ce bon vieux, euh, comment il s'appelle déjà, lui euh, Amin, Amin Dada, voilà, c'est ça. T'as vu Zulu avec ce gars Il me semble bien, ouais, il me semble bien. Et qui était pas mal non plus, hein, qui était pas mal non plus. L'un des pires dictateurs de l'histoire. Ah bah c'était, ouais, 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 c'était horrible, hein. C'était horrible. Et le film est hyper puissant, hyper violent là-dessus. Il y, y, y a des scènes in, 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 inhumaines et, euh, qui, qui sont trop intéressantes. Pareil, pour 3,99€. Acheté au même endroit que Des Hommes Sans loi. Et si on parlait du meilleur film de cet acteur Je balance les bails. C'est pour moi l'un des meilleurs rôles de cet acteur. Et quand vous allez voir l'acteur, vous allez vous, vous dire « Ah mais le mec, il a fait trop de trucs. » Et pourtant, je pense que celui-là, c'est un de ses meilleurs. Le dernier samouraï. Avec Tom Cruise. Tom Cruise dans le dernier samouraï. Hiroyuki Sanada. Juste Hiroyuki Sanada dans le dernier samouraï. Trop fort. Et ce film est une beauté extraordinaire. 3 euros. Franchement, tu te dis. Collectionner, c'est beau. quand Le dernier samouraï pour 3 euros. Dans, dans Collateral, Ah oh bah ben il y a Collateral, il y a Minority Report, il y a La Guerre des Mondes, il y a Top Gun, il y en a plein avec Tom Cruise où il est trop fort. Il y a Vanilla Sky. Vanilla Sky, Tom Cruise, il est super dedans. Ben, il y a les tonnerres sous les tropiques. Mais le dernier samouraï... Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. J'en parlais tout à l'heure. Détroit. Catherine Biglow, Will Poulter. Will Poulter. Alors, John Boyega est très fort dans Détroit. Euh, mais Will Poulter... Will Poulter oh là 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 là, là. quel acteur lui et eh, quand on va jouer je pense à notamment Yaya ou Félix ils sont encore dans le chat qui aiment bien mais euh, quand lui on va le voir jouer Adam Warlock dans les gardiens <laughs> D3 c'est en solo j'étais pas bien ah bah euh, moi je crois que je l'ai vu avec mon D3 D3 Détroit. Détroit et Black Landsman il me semble qu'on est allé le je suis allé le voir avec mon père pareil on était mal hein. Black Landsman en plus p'tain, 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 la chute est hyper violente D3 l'ensemble est violent donc tu respires pas tu respires pas, mais quel film, quel film, quel film. Bon, oui, je, ouais, oui, je l'ai. Euh, oui, je l'ai, parce qu'il y a une scène que j'aime bien avec biddy Wong. Euh, je me souviens plus non plus de Rodrigo Santoro là-dedans, c'est terrible. Rodrigo Santoro, franchement, c'est le mec, qui a, tu l'as vu partout, puis tu te souviens plus de ce qu'il fait. Diversion C'est pas le meilleur film que j'ai dans ma liste des DVD. Hein. Euh, mais c'est un film que je défends parce que je le trouve assez sympathique. Pas compris pourquoi il s'était fait démonter à ce point-là et pourquoi il avait fait un flop à ce point-là, diversion, avec euh, Margot Robbie, l'un des nombreux films avec Will Smith et Margot Robbie. Euh, mais la scène avec BD Wong est hyper intéressante. C'est un film qui est plutôt pas mal monté, plutôt pas mal ficelé, euh, qui reste pas dans les annales, mais, euh, mais qui, qui reste assez, assez intéressant, je trouve, en tout cas. Hop, avant-dernière rangée de Blu-ray. Ça commence un petit peu, voilà. on commence à en avoir fait déjà quelques-uns, ça fait plaisir. Euh, mention à, à, à Aurel Zweig sur ce film, je sais qu'il l'adore, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Django Unchained en Blu-ray, dans une belle version, j'ai une belle version du Blu-ray de Django, que j'avais acheté euh, en occasion aussi. Django, je me l'étais procuré en occasion pour euh, 3 euros ou 4 euros ou quelque chose comme ça. Et pareil, bon bah voilà, quand tu vois la qualité du film. Euh, et oui, les Jackie. Ah non, mais Jackie Brown, je l'ai en Blu-ray. J'étais en train de me dire, mais putain, où est Jackie Brown Mais Jackie Brown, je l'ai en Blu-ray aussi. Ce qui veut donc dire que je crois que si on considère les steelbooks, je dois tous les avoir. Non Il m'en manque un de. Il, il m'en manque un que je cherche à tort et à travers. Mais j'attends une version en particulier, c'est pour ça. Mais euh, je, il m'en manque un de... de Tarantino. Il me manque bien effectivement un Tarantino. Ah bah ça c'est pour Ace. Ça c'est pour Ace, Il est encore là, obligatoire. Euh, 4,99€ je l'avais eu. Et putain j'étais heureux. Hein. Je ne savais même pas qu'il l'avait fait en Blu-ray. Je ne pensais même pas ça possible qu'un jour je puisse trouver Doc Pound dans Blu-ray. Doc Pound l'un des plus grands films de tous les temps. Kim Chapiron un, un héros. Euh, Shane Keeple un héros. Des, voilà, ce film est pour moi extraordinaire. Euh, l'une des, Je pense l'une des meilleures vidéos que j'ai faites parce que l'une de celles euh, qui m'a le plus touché à faire. Euh, enfin, je sais pas. Pour ceux qui ont vu, pour ceux qui sont des habitués de mes vidéos, parce qu'il y en a peut-être dans le chat qui en regarde qu'une de temps en temps. Les interludes, je sais, c'est pas ce que regardent le plus les gens. Mais j'en avais un bon souvenir de cette vidéo-là. Il me semble qu'elle était pas mal parce que j'avais foutu toutes mes tripes dedans. Euh, tellement euh, Dog Pound, c'était, euh, c'était, euh, voilà, c'est un film qui m'a bercé, euh, qui, qui, qui m'a fait une culture ciné, quoi. <laughs> Jamais dans le top des passionnés de cinéma français pourtant. Allez ah toi dans ce moment en plus le cinéma français... Se... <laughs> J'ai eu l'occasion de voir sur Twitter que le cinéma français et toi en ce moment, et surtout les twittos FR, t'étais pas en ordre de sainteté avec eux. Bon, je suis d'accord avec toi mais... Euh... Mm. Je suis d'accord avec toi. Je dirais que le cinéma français aujourd'hui, pour moi il y a du cinéma français qui a de l'ambition, euh... et il y a du bon cinéma français. Le problème, en fait, c'est qu'on va pas le voir, quoi. On est, on est trop feignant et on le regarde pas. Il y en a plein, hein, du très bon cinéma français, notamment le cinéma de genre, mais c'est tellement pas connu que... Euh, bah, moi, j'ai envie de dire que le cinéma français est ambitieux, mais que le cinéma français ambitieux, on le voit pas. Le cinéma français, en fait, euh, de surface, c'est celui qu'on voit le plus, c'est celui qui vend le plus, et ce cinéma-là est catastrophique. Mais du cinéma ambitieux, il y en a quand même pas mal en France. Juste, on le repère jamais, quoi. On le repère jamais. Fury avec Brad Pitt, chef d'œuvre absolu. Euh... C'est <coughs> euh... forcément, je pense que bah ici, vous l'avez vu, hein? à la boeuf. Encore Shy à la boeuf. John Bernthal, bah oui. <coughs> je serais allé le voir quand même, même s'ils n'étaient pas là. Mais quand j'ai vu, je me souviens qu'au ciné, j'y suis allé avec deux potes de la fac. Putain, il y, y avait une pote en plus. Euh... C'était une crush de l'époque. C'était un de mes gros crushs de l'époque. Et euh... c'était une fan de John Bernthal aussi, de Shy à la boeuf. Et en vrai. Coup sur coup, quand les deux meurent, on s'est regardé en mode, bon bah, ben, ben heureusement que le film est bien, hein, parce que putain, remboursé, mais euh, quel gifle, ça je suis allé le voir, quel gifle, quel gifle ce film, exceptionnel. Hein. Alors quand je vous dis ça, Fury, euh, c'était un crush euh, qui date de euh, 2013, 2014, 2015, je sais plus. 2014 2015, j'étais revenu de Los Angeles, mais ça remonte à il y a très longtemps. Et euh, je crois que l'année suivante, elle n'était plus à la fac, et puis on s'est plus jamais revu. Donc tu vois, comme quoi. Mais, euh, mais le, le, le Fury, euh, superbe. C'est 2014 un hein, Fury, je crois. Hein, parce que c'était quand je revenais de Los Angeles que je suis allé le voir. Et ça remonte à ma L2, et c'était fin 2014. El Camino! Un film, Breaking Bad. Euh, les fans qui se respectent doivent avoir El Camino, même si euh, ils ont aimé ou non. Euh, rien que pour le principe de l'avoir, étant donné que ça fait partie du, du cursus euh, Breaking Bad. Il que je me prenne un de ces quatre euh, Better Call Saul, mais j'attends qu'il sorte en, en Blu-ray. J'ai pas envie de prendre le coffret DVD, je préférerais attendre qu'il sorte en Blu-ray. Mais euh, El Camino, bon, bah forcément à avoir. Alors je sais que c'est un film qui a fait beaucoup parler et qu'il y a beaucoup de gens qui le trouvent très moyen. Moi j'ai bien aimé. Et puis euh, bah voilà, dans la DVD Tech qui... Ils... Il, est, euh, il a sa place hein, quand je commençais, que je, je suis un gros, gros connaisseur et puis un, surtout un gros fan de, de, des séries télévisées. Euh, parmi les films, y a, on cite souvent trois films qui ont gagné l'Oscar et soi-disant c'est une arnaque. Je suis d'accord avec aucun des trois parce que pour moi c'est trois bons films, même s'il y en a un que j'aime pas, mais je reconnais qu'il est bien. Il y a Collision, dont j'ai parlé il y a Slumdog Millionnaire, dont je ne suis pas spécialement fan et il y a Green Book sur les routes du Sud, mais euh, que je trouve super. Et en fait, il s'est fait démonter, ce film, parce qu'il a gagné l'Oscar, alors qu'avant, tout le monde l'avait apprécié. Euh, cinq nominations au Golden Globe, trois Oscars, dont l'Oscar du meilleur film. Il est super, Green Book. Et il y a plein de gens qui n'ont pas aimé, hein. Mais putain, hein, je trouve, dans les thèmes qu'il propose, et, dans, euh, et dans, le, 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 comment dire, dans le road trip que ça véhicule, et puis cette représentation de cette Amérique de cette époque-là... à moi, l'Amérique des années 60, je pourrais en bouffer à gogo, ouais. Donc, euh, tu me mets Maher Ali et Viggo Mortensen, enfin, bon, moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Ah là, là 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 Bah oui, forcément. Hein. Putain. King Kong. J'en ai chialé hier tellement j'étais pas bien de le revoir. En vrai, hein, c'est tellement. La, pff, la, la, le passage où arrives à New York, dès le moment où Kong se fait attraper, jusqu'à la fin. Que ce soit sur le, le, Naomi Watts ou Kong, ou le, les, les jeux de regard, les trucs, les. C'est tel... tellement, tellement dur. Ah, moi, je voyais... Quand j'étais gamin, je voyais que l'aventure. Enfin, c'était l'aventure, Skull Island, les trucs. Les... T'en prenais plein la gueule, c'était super. Mais... Euh, King Kong, c'est que le deuxième film où j'y suis allé plusieurs fois. King Kong, c'est le, euh, hein. le premier film de ma vie que je suis allé voir trois fois. Vraiment. C'est le premier film de ma vie que je suis allé voir trois fois. J'avais... Fait deux séances à Star Wars 3 la même année. C'était la première année où j'allais voir plusieurs fois un film au cinéma. Star Wars 3 j'y étais allé deux fois. King Kong, j'ai fait trois séances. Et j'ai acheté le jeu Peter Jackson's King Kong sur PS2 dans la foulée. Je passais mes journées à jouer à ce jeu tellement j'étais tense que Island c'est une de mes plus grandes gifles. Attendez la vidéo, parce que dans la vidéo je vais beaucoup en parler. Euh, mais euh, la vidéo risque d'être longue. Ce sera l'une des plus longues de la chaîne. Je pense même que ce sera l'interlude le plus long. En termes d'analyse, mais je suis obligé tellement il y a des trucs à dire sur ce film. C'est exceptionnel. C'est franchement. Et putain, personne n'en parle quoi. Personne n'en parle de King Kong. Ça a été oublié. C'est une merveille oubliée, King Kong. Mais c'est exceptionnel. Faut que je fasse un tweet pour que les gens le voient en mode. Ah putain, c'est vrai que c'était trop bien, mais. Les brasiers de la colère! Super les bras... Enfin voilà, après ça vous le savez parce que de toute façon j'en ai, euh, ai fait une vidéo dessus. C'est là que je me rends compte qu'au final, euh, la majorité des films qui m'ont vraiment touché, je les ai déjà plus ou moins abordés ou je les aborderai par la suite. Genre euh, Underworld euh, et Starship Troopers, il faudra que j'en fasse une vidéo un jour. Euh, mais il euh, y aura Jared forcément. Mais il y a beaucoup de films dans ce genre-là où... Euh... Et pour moi King Kong s'est infusé dans la nouvelle trilogie de la planète des singes. Euh, C'est à dire euh, Ace. Mais ouais, enfin super, euh, les brasiers de la colère. La meilleure trilogie de blockbuster des années 2010. Ah ouais, tu veux dire dans ce genre là Bah, il, euh, le. Comment dire euh, King Kong a été méga important hein, dans son temps. King Kong et Star Wars 3, les deux la même année, quasiment que sur fond vert et sur fond bleu, les deux ont été révolutionnaires. Hein. Et puis dans la technique, ouais, mais ça venait de Gollum déjà, ça, tu vois, tu peux inclure aussi le Seigneur des Anneaux. En fait, tout ce qui concerne Andy Serkis. Voilà, c'est. Instant survie, très très bon film de genre. Bon film de requin. Je suis comme salutation à, à l'ami euh... la fuite en vidéo euh, Alex euh, qui est un gros fan des films de requin aussi. Et euh, en vrai, en vrai, je pense que si un jour on faisait un live, si un jour je dis ça, je dis rien, Captain mais si un jour, captain, t'as envie de faire un live sur les films d'animaux tueurs ou sur les films de requins tueurs, invite-nous, Alex et moi, je pense qu'on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Si t'aimes bien les films de requins, ça peut être une idée de live cinéma, captain. Mais ouais, Blake Lively porte le film et le le suspense, la réalisation, le huis clos en extérieur et puis ce côté oppressant est vraiment sympa. Et puis c'est un vrai film, quoi. C'est un vrai film. Ça me fait penser qu'il faudrait que je me procure Peur Bleu à l'occasion aussi. J'avais une petite liste de films qu'il me fallait. Alors, un film qui est globalement détesté. C'est un de mes films préférés all time. Et pourtant, ce film-là est détesté du plus grand nombre. Euh... Ça m'étonne. Non, en même temps, ça m'étonne pas parce que c'est des mecs qu'on aime bien détester. C'est des gens euh, c'est des gens que le, 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 le cinéma français n'aime pas. C'est justement pour ça que c'est mes préférés, mais tant pis. Moi, je trouve que ce film est d'une intelligence extraordinaire. C'est Les Infidèles. J'adore les Infidèles. Alors, personne ne l'aime. Hein. Personne n'aime les Infidèles à part moi. Euh, je, je connais personne qui n'aime bien. Le film s'est fait démolir euh, à l'époque où j'étais à la fac. Euh, alors, attention. Hein. Attention, hein, tu fallait parler de cinéma français. Euh, moi, j'arrivais avec Les Infidèles et puis la filmote genre du jardin. Euh, J'ai réussi à avoir une bonne note parce que c'était pertinent, mais on me regardait genre en mode, t'as rien compris au cinéma français. Elle est où la nouvelle vague dans Les Infidèles, quoi S'il te plaît, elle est où la nouvelle vague Il est où Godard là-dedans Enfin, tu des trucs à la con hein parce que, hey, sans déconner, quand t'es à la fac de cinéma, ah, oh, ça se... Pignol à mort, mais sur tout ce qui est ce genre-là, tu peux citer n'importe quoi, t'arrives avec Jean du Jardin, ça peut être le meilleur Jean du Jardin de ta vie. Ouais, putain, Jour du Jardin, il sait ce que c'est que l'expressionnisme allemand Non, je crois pas, ferme ta gueule, ok, putain, qu'est-ce que tu fais là C'est mon retour de jeu au basket. Alors évidemment, je les humiliais après au basket. <laughs> c'est aussi pour ça qu'ils m'aimaient pas au basket, c'était un petit peu ma vengeance personnelle. Mais les infidèles, c'est trop bien. Les infidèles, c'est trop bien. Et vous savez quoi, si c'est validé par Luan, dont j'ai parlé tout à l'heure, comment ça va, Luan Je parlais d'Aronovski. je disais qu'Aronowski était à moi, ce que Gaspar Noé était à toi, Luan. Je pense que je suis pas trop loin de la vérité, et encore, Aronovski, je suis sûr que tu kiffes. Euh, je montrais euh, mon DVD. De mon Blu-ray de Black Swan. Il faut que je prenne Moser. Il faut absolument que je prenne Moser. Mais les infidèles, c'est tellement intelligent. Puis dans le genre de film à sketch, des films à sketch de cette ampleur-là, genre c'est un des rares films où globalement j'arrive à reconnaître l'écriture des mecs qui les ont écrits en fonction des sketchs. Le sketch de Bedos avec Alexandra Lamy et Jean Dujardin tu sais que c'est lui. Et euh, le fait d'avoir mis du jardin et Lamy là-dedans sur un truc hyper difficile, tu vois, mais qui prend au trip, voilà ah, les acteurs ils sont trop forts. Vraiment, hein. j'aime Aronofsky, mais je ne supporte pas Mother, qui est un bon film. Ah bah, euh, moi j'aurais du mal à le regarder, si je l'achète, je t'avoue que je peux pas le revoir. Hein. Globalement, je ne le regarderai pas, mais c'est pour ma collection, il faudrait que je l'aie, tu vois. Mais je sais que ce serait compliqué pour moi de l'avoir. Jackie, j'ai spoil, Brown, je l'avais dit de toute façon, je l'avais en Blu-ray, perd le sous-côté, ça, de l'univers de Tarantino. Tar c'est l'œuvre oubliée de Tarantino, ça. C'est là, quand tu, quand, quand tu parles aux gens pour Tarantino, ils vont te citer ses œuvres actuelles, euh, ils vont te citer, euh, ils vont te citer les œuvres à l'ancienne. Si t'as quelques audacieux, ils vont te dire que Boulevard de la Mort, c'est bien, personne va te citer Jackie Brown. Alors que Jackie Brown, oh là 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 là, il est tellement, tellement riche musicalement parlant déjà c'est exceptionnel Pam Greer elle est fabuleuse dans ce film là T'as un Robert de, Robert de Niro euh, différent de ce qu'il propose d'habitude Samuel L. Jackson qui est toujours là etc euh, euh, Bridget Fonda aussi enfin, j'adore j'adore Jackie Brown et euh, bah, moi c'est un de mes sous graves sous-côtés je trouve de l'univers de Tarantino oh merde y a encore le prix sur celui là c'est pas sérieux c'est pas sérieux c'est pour bien. Seul Tarantino avec Chris Tucker. Euh, il rentre donc dans le top de Tarantino, obligé. Ah, non, non, mais moi, j'aime bien. Hein, sur, sur tout cet univers-là et tout, euh, il est particulier. Quand j'ai entendu que euh, Better Call Saul avait réutilisé Street Life, par exemple, la musique dans une de ses scènes, j'étais comme un gosse. Je me suis dit, mais ça, c'est Jackie Brown, tu vois. Euh, Chef-d'œuvre absolu. Ça me fait mal au cul de citer si Meret. Mais enfin, bon, d'un autre côté, là, la ligne verte, ça l'est. Donc, euh, on va réutiliser l'appellation. La ligne verte. On reparlait tout à l'heure de Darabon hein, avec The Mist. Euh, il manque Les Évadés, mais Les Évadés j'aimerais bien me le procurer en Steelbook. Euh, mais euh, mais euh, la, ligne verte, la ligne verte est absolument exceptionnelle. Le plus grand rôle de Michael Clark Duncan, sans aucun souci. Euh, telle émotion là-dedans Tu retrouves hein, encore des, des Des têtes connues euh, Jeffrey Damon qui est là encore euh, qui, était, qui faisait partie justement de De, de l'univers de Walking Dead derrière David Morse, encore lui, David Morse qui est là On a déjà parlé sur Paranoiac, sur euh, La chute du Faucon Noir Gros casting Film que, alors, est Ouf, non personne l'aura vu Il euh, y a des fans de Linkin Park ici Et là je te parle De vrais gros fans hardcore Je te parle de gars de fans euh, que, qui, qui limite ont acheté des, des, euh, des, des, des imports euh, lors, de, euh, lors de concerts, tellement euh, ce, ce, ce film est peu connu. Euh, Mole le film réalisé par Johan, le DJ euh, de Linkin Park, euh, avec l'ABO de Mike Shinoda, Chester Bennington, Brad Delson et euh, Phoenix, euh, je crois. Me semble-t-il, euh, musicalité exceptionnelle, euh, et Vincent D'Onofrio qui produit quand même, et puis euh, un rôle principal, Cameron Monaghan que vous avez vu ensuite dans les jeux Star Wars Jedi Fallen Order et euh, que vous avez vu dans Shameless et que vous avez vu dans Malcolm, puisqu'il n'avait pas le droit, euh, il avait pas le droit de mordre les gens dans Malcolm, et bien il était déjà là-dedans. Vincent D'Onofrio, Peter Stormare est dedans aussi. Euh, Peter Stormare aussi est dedans et c'est trop bien. Réalisé donc par le DJ de Linkin Park, produit et musicalement euh, manœuvré par les gars de Linkin Park. N'hésitez pas à le voir si jamais. Je sais plus comment il s'appelle en français. Euh, c'est euh, a day to kill, je crois, parce que c'est logique. Voilà, on le sait qu'en France, on aime bien euh, de, 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 de traduire des films anglais par des noms anglais. On est fort pour ça. Euh, je crois que c'est Day to Kill, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Euh, A Day to Kill, ça ne s'appelle pas comme ça. Ouais, voilà, c'est Day to Kill. Mais le nom original, c'est Maul, Alors moi, je l'appelle toujours Maul, euh, Mais uh, Day to Kill, c'est le nom qu'ils ont donné en France. Pff, aucun intérêt. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller le voir. Le Mans 66, ça, je suis deg, Parce que putain, si j'avais pu prendre ce film en steelbook, le steelbook était tellement parfait. Et j'ai pas pu, je <laughs> suis dégoûté. Mais euh, Le Mans 66, grand, grand film du grand James Mangold euh, post-Logan. Euh, et puis alors christian bale john John Berntal, Matt Damon enfin c'est votre manière de réaliser le manque est exceptionnel euh, très fidèle euh, à ce qui s'était passé à cette époque là euh, des acteurs qui euh, se donnent à 100% pour les rôles notamment John Bernthal qui était hyper investi dans le, le rôle qu'il a fait vraiment du, 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 du bon euh, du, du, du bon 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 cinéma euh, l'un des films aussi que j'ai alors je crois que mon père il l'a en coffret collector lui. Si je dis pas de conneries, il me semble qu'il doit l'avoir en double Blu-ray. Il a même la suite, moi je l'ai qu'en simple. C'est Monster, le premier film de Gareth Edwards. Qui est trop fort. Qui est trop bien. Si vous, compre si vous voulez comprendre le cinéma de Gareth Edwards, il n'y a rien de plus simple, vous regardez Monsters. Et vous allez comprendre tout Gareth Edwards. Le gigantisme, la poésie, l'émotion, les créatures qui ne sont pas les monstres finalement des films en question. C'est trop fort. Euh... Monsters. Et euh, hésitez pas, à, Hésitez pas à y aller. Merci de payer les royalties. Ah putain, c'est vrai que tu l'as toi, Aurel, ouais. Euh, ouais, mais Aurel, t'as tout aussi, toi, t'es chiant, toi. T'as tout. Mais t'as pas The Mall. <laughs> tu n'as pas le film euh, produit par, euh, par Johan. Réalisé par Johan. Hésitez pas à regarder Monster si jamais, c'est de la, de la très très bonne SF. Et euh, ça va vous mettre un premier pied euh, au cinéma de. de, de, de Gareth Edwards. Alors eux ils disent que c'est dans la même lignée de District 9 ou Cloverfield, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, c'est vrai qu'on voilà, est à peu près dans la même, dans la même mouvance. Sauf qu'on a juste Gareth Edwards à la Real. Et là, on se rend compte que Gareth Edwards, il est trop fort. Euh, L'un des films. Alors, si je vous donne comme indice un des, plus, un des films les plus tristes de l'histoire. Avec. Ah, mais en même temps, si je vous dis avec, vous allez trouver tout de suite. En voici, si, bah allez. Un des films les plus tristes de l'histoire avec Tom Hanks. Normalement, c'est bon. À moins que vous hésitiez avec un ou deux. Ah ouais, mais oui, mais j'ai déjà mis la, la ligne verte. Ça aurait été plus dur si j'avais déjà pas cité la ligne verte. Mais la ligne verte, je l'ai déjà dit. Et au final, ça se plante. Ça se plante plus, c'est bon, ça a été trouvé. Il y a pire que Forrest Gump et Seul au Monde, ouais. Il y a Philadelphia. Ah, c'est. Ça, euh... oula. Le... Oui, il y a le soldat Ryan aussi. Mais alors, Philadelphia. Waouh, seigneur. Seigneur, quel film Mais alors dès le début avec Bruce Prince et tout, et là tu... Ouh, ouais, ça va... je sens que ça va être long. Euh, mais, mais ce film là est tu, de, de, un chef-d'oeuvre immense. Mais alors... Putain, faut s'accrocher. Hein. faut s'accrocher. C'est euh, très 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 dur émotionnellement parlant. là. Alors après, il était Forrest Gump... Euh... T as, t as, tu peux compter aussi... Seul au monde. Euh, le soldat Ryan. Mais alors ça... Pff, putain. C'est violent. C'est violent. J'en ai parlé sur Twitter il n'y a pas longtemps. Deux films méga sous-cotés. Avec, je pense, euh, l'un des plus grands héros de l'histoire de la SF. Euh, que de, personne ne retient. C'est-à-dire que quand vous parlez de science-fiction, et quand on cite les plus grands personnages de science-fiction, je ne vois jamais personne citer ce monstre sacré. Qui est... ridique Avec... Oh putain, puis alors, les, les, les éditions, là, elles sont incroyables Pitch Black et euh, les Chroniques de Riddick, qui sont des, des éditions que je trouve trop belles. Mais vraiment trop belles. Alors, c'est des éditions entièrement cartonnées, hein, euh, où tu as euh, directement voilà, les, 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 les deux films à l'intérieur. Et puis, euh, le, 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 le fourreau qui est comme ça. Mais les éditions sont magnifiques. Euh, dans l'ordre, Pitch Black. Euh... Euh, Pitch Black, les chroniques de Riddick et Riddick euh, Le 3 arrive, euh, Captain, je ne l'ai pas dans cette édition-là Parce qu'il n'est pas sorti là-dessus Il arrive dans les Steelbooks Riddick, le 3ème Mais je l'ai, Riddick, hein, en, en Steelbook euh, D'ailleurs, le, le Riddick, je l'avais de base Et je l'ai revendu et je l'ai racheté après Je l'avais revendu parce que j'attendais que cette version-là le fasse, le 3ème mais euh, le, 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 troisième, euh, le troisième, malheureusement, n'est pas dans cette édition. Mais euh, voilà, Pitch Black, les chroniques de Riddick et Riddick, à voir dans cet ordre, évidemment, ben, dans l'ordre de sortie, finalement. Euh, et c'est trop, trop bien. C'est vraiment trop, trop bien. Alors, j'aurais dû mettre, mettre Pitch Black dans les T, parce qu'ils sont mis en. en... Enfin, j'aurais dû mettre non, les chroniques de Riddick dans les C ou alors dans les R. Euh, mais, euh, mais je l'ai mis dans l'épée parce que bon bah il était à la suite de Pitch Black et que c'était vraiment la, la suite 1 et 2. Prisoners en Blu-ray, quel film aussi ça! Quel film aussi ça! Prisoners avec euh, Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman, euh, l'un des grands Denis Villeneuve, euh, Denis Villeneuve réaliste, mais l'un des grands, grands, grands Denis Villeneuve. Alors oh, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres et il y en aura encore d'autres, je pense. Mais euh, pas loin d'être mon préféré, celui-là. Moi, je suis d'accord, Captain. Je pense que... Enfin, Prisoner c'est mon Denis Vinaf préféré. Peut-être un jour, je ferai une petite vidéo dessus. Même si je me demande pas si j'en ai... Non, je, c'était trop tôt pour que j'en fasse une critique. Mais j'aurais pu. J'aurais pu. Dans le genre biopic musical, on en parle moins aujourd'hui, mais, euh, mais, mais Ray est super avec Jamie Foxx. Jamie Foxx, qui a une carrière musicale, une carrière cinématographique aussi plus qu'intéressante. Aujourd'hui, Jamie Foxx, on en parle beaucoup moins, mais il faut pas oublier que c'est quand même un mec qui a fait des films d'une ampleur de Ray, qui est exceptionnel. Euh, il est incroyable dans ce film-là. Euh, moi, pour moi, Ray, c'est à peu près à mettre au même niveau. Enfin, c'est dans les, les mêmes lignées des films un petit peu comme. Euh... Get on up euh, avec euh, Chadwick Bosman qui jouait James Brown, films dont on parle plus beaucoup aujourd'hui, mais qui sont pourtant, euh, qui sont pourtant euh, incroyables. Et euh, j'adore, j'adorerais. Quelle heure il est 23h06, oh, seigneur. Après, ça va en vrai, c'est beaucoup de coffrets, il y aura moins de trucs. Je pense qu'après, on va voir le jour. Il y aura surtout la collection Steelbook. On pourra terminer à minuit et demi, je pense. Ça devrait être jouable pour finir à minuit et demi. Euh, J'ai pris le 2 il n'y a pas longtemps, sans un bruit et sans un bruit 2, euh, sans un bruit 2 que j'avais eu en bonus dans un truc de acheter hein, 1 offert, donc du coup je crois que celui-là je l'avais pas payé, je m'étais pris deux, deux films en 4K euh, que je vais vous montrer après, hyper important pour moi, ah non, non même pas, non, ah non, 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 celui-là, non, je l'avais eu au Black Friday euh, sans un bruit 2, je l'avais au Black Friday à euh, 6 euros au lieu de 12 euros ou 14 euros, je crois. Il était à plus de 50%. Comme j'ai le premier, j'ai pris le deuxième. Le premier est au-dessus. Premier est au-dessus du deuxième. Euh, mais le deuxième reste quand même très sympa. Euh, sans un bruit. Il y a la, là, la critique, pour le coup, je sais que je l'ai faite. Euh, ça, c'est ma mère qui me l'a offert. Shutter Island. Qui est euh, bah, un film culte. Hein. Film culte, que ce soit de, de son réalisateur. C'est du grand, grand, grand. Euh, du grand Scorsese, euh, et puis euh, DiCaprio, enfin, euh, euh, tout, tout le, le, le panel d'acteurs de, de, classiques pour un film euh, non moins classique. Très très bon, Shutter Island. J'en ai parlé tout à l'heure. Le, le duo qui fait plaisir Sin City, Sin City 2. Alors ça c'est pareil, c'est un peu comme, euh, comment dire, euh, c'est un peu comme 300 et 302, hein. c'est le, le même constat, c'est-à-dire le premier est considéré comme un chef-d'oeuvre, le deuxième comme un film pas nécessaire, voire mauvais. Quand vous voyez la scène avec Joseph Gordon-Levitt dans Science in City 2, c'est impossible de dire que ce film est mauvais. Impossible de dire que Sin City 2 est mauvais quand tu vois la scène avec Joseph Gordon Lewitt qui est incroyable. Même Mickey Rourke qui est encore très bon, Rosario Dawson, Bruce Willis, Jessica Alba, tu retrouves un petit peu les mêmes codes. Euh, c'est. Euh, ouais, 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 les, les, ces deux films-là sont vraiment très très bons. Ouais, Sin City c'est un de mes films cultes. Pareil, Sin City, un jour j'en parlerai, je peux déjà vous le teaser, ça arrivera l'été prochain, il y aura une vidéo sur Robert Rodriguez qui retracera bah, tous les films que j'aime bien de lui. Euh, et euh, bah du coup on aura l'occasion de parler de pas mal de choses euh, chez Rodriguez et, euh, et ça en fera partie. La très très bonne pioche que j'ai eue euh, pour 7,99€, notamment parce que c'est une édition limitée qui est sortie euh, euh, pour les euh, X, pour X anniversaire du film. Euh, qui a, qu a dû avoir sa version 4K derrière, etc. Moi j'ai mais la version Blu-ray est tellement belle que j'ai gardé celle-là. Euh, d'un film monstrueux. Là, là aussi, hein, on est sur du Martin Scorsese. Et c'est euh, absolument fantastique. Et quand tu sais que je l'ai eu pour 7 euros, je suis ravi. Regardez ça, c'est Taxi Driver. Cette édition euh, magnifique hein, de, 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 de Taxi Driver avec euh, Robert De Niro qui est euh, absolument superbe. Euh, film à avoir absolument. Je me demande si c'est pas un, un import. Je pense que c'est un import. Euh, mais euh, je l'avais eu en je l'avais eu en comment dire pareil dans un dans un truc de stand de d'occasion de, 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 et, euh... et ouais ouais, ouais le, le, le visuel est super mais je l'avais eu en occasion, celui là Aurel. et je l'avais eu en occasion en royant, tu vois sur un truc où je suis tombé dessus puis alors je regarde tous les trucs et puis après ils mettent toujours trois quatre dvd en Enfin, 3-4 Blu-ray ou des petits coffrets ou des, euh, ou des trucs en mode « Ah bah tiens, regarde celui-là, celui-là, c'est un peu nos têtes de gondole des films d'Occas, tu vois. » Et alors j'ai vu celui-là, bah j'ai pas hésité. C'était le jour où je suis parti avec celui-là et Doc Pound en même temps. Autant me dire que j'avais aimé ma journée. Hein. J'avais aimé ma journée. Euh, film très très peu connu euh, pour finir. Enfin, pour finir, il en reste encore deux, puis après, il y a les coffrets. Euh, The Kid, avec Chris Pratt. Euh, film de, bah, de Vincent D'Onofrio, non un film de Vincent DiOnofrio avec Ethan Hawke, toute la bande de potes des Sept mercenaires en fait, hein, tous ceux qui avaient joué dans les 7 mercenaires. Ethan Hawke, Vincent DiOnofrio, donc tu retrouves Chris Pratt, euh, euh, Dane Diane aussi est dedans. Euh, Chris Pratt qui joue le rôle du méchant et qui est exceptionnel dans The Kid. Vraiment, hein, il a le rôle de l'antagoniste et il est, euh, il est exceptionnel. Alors c'est vrai que malheureusement c'est pas David Kruger qui le fait, ça fait chier parce que David Kruger il aurait pris un plaisir monstre là-dessus. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, pas très rigolote, c'est moi qui après David Kruger qui ferait pas la, la VF de ce film, parce que en gros, euh, bah, j'avais parlé de The Kid parce que je faisais mon documentaire sur Chris Pratt et j'avais vu The Kid et je m'étais procuré The Kid et je l'avais vu en, euh, dans le film et je lui avais dit, euh, ah, bah, tiens, il y a le DVD qui sort tel jour, etc. Est-ce que tu vas être à la VF Ah bah non. Et je savais pas qu'il allait sortir. Je lui dis, ah bon, es... Bah, parce que là, il sort maintenant. Ah bah non, mais alors dans ce cas-là, s'il sort dans telle date, c'est sûr que c'est pas moi et ça me fait chier. Parce que j'aurais bien aimé le faire, j'étais au courant. Mais s'il sort telle date, ça veut dire que c'est déjà fixé pour la VF et ce ne sera pas moi. Du coup, j'étais là, genre, ah. Il <laughs> euh, y a le Giro qui passe, si tu veux, le tour d'Italie, tu veux qu'on regarde du vélo. Mais euh, donc, du coup, moi, j'étais dégoûté parce que, pareil, je veux dire, euh... ah bah il a tous. Bah, c'est pour ça que j'ai déménagé d'ailleurs, J'ai plus eu d'appart après. Il m'a soulevé mon appart comme un beau diable. Mais euh, ouais, The Kid est super. Ça aurait été encore mieux avec un David Kruger qui fait la voix de Chris Pratt. Mais euh, le film est très très bon. Et donc, euh, pour terminer la collection petite de Blu-ray avant de passer sur bah, les éditions un petit peu plus luxe. Même si bon, bah, voilà, c'est pas non plus euh, The Wessler. Bah, encore du Aronofsky. Hein. The Wessler avec Mickey Rourke. <laughs> le grand retour de Mickey Rourke euh, qui est dans un rôle exceptionnel. Salut mon Merci d'être passé à la prochaine! Gros bisous et bon, euh, bon 31! Profite bien! J'espère que le réveillon avec euh, avec le, le piti s'est bien passé et puis que tu l'as offert beaucoup de cadeaux à l'effigie de Jurassic World, évidemment. Euh, parce que, bah. Parce que Jurassic World, quoi. Tu connais. The Wrestler, donc, euh, qui est très 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 bon. Et on termine avec, j'en avais parlé justement tout à l'heure, Zero Dark Sortie Autre Catherine Biglow, avec euh, là aussi euh, Jessica Chastain, avec Chris Pratt. Dedans, euh, Chris Pratt qui est l'homme qui tue Ben Laden dans Zero Dark Sortie, mais le film est exceptionnel euh, et, euh, et vraiment il est, euh, est d'une puissance assez, euh, assez énorme. Alors, euh, hop, ça je vais les pousser parce que c'est pour après. Ça aussi, euh, on va commencer avec euh, ces films là, même si globalement je ne sais pas exactement ce que j'ai là-dedans. Alors il va falloir que je vois parce que là on est plus du côté des coffrets. Euh, tac euh, Donc là on va passer sur Tout ce qui va être euh, Alors là c'est un peu estampillé euh, Blu-ray 4K hein. euh... Salut vidéo. comment ça va Là c'est plus estampillé Blu-ray 4K C'est à dire qu'il y a un petit peu de tout Mais, euh... mais je vais vous les faire pêle-mêle Parce que pour moi c'est Bon bah des équivalents de coffrets Où on a des versions un petit peu plus sympas euh, On commence avec le Hobbit J'adore ces versions là Alors le Hobbit pour le coup euh, Je les ai eu parce que ils n'étaient pas chers, ces versions-là, vous pouvez les avoir partout. Hein. Globalement, ces versions-là, je pense que ça a un peu bidé euh, les, 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 films, euh, les, les, les films Le Hobbit, mais pour le coup, les versions sont vraiment belles. Euh, j'aime beaucoup le premier, euh, Un Voyage Inattendu, j'aime assez euh, le deuxième, euh, pour certaines séquences, le 3 est immonde, le 3 est vraiment immonde, mais d'un autre côté, bon bah... Euh... Quand tu vois le, le, la, qualité du, la qualité des, 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 des films qu'il y a là, bon bah tu es un petit peu obligé quand même de les, de, de, de les avoir. Hein. Je veux dire, ça reste du Peter Jackson. Et puis, c'est des très belles éditions. J'en parlais tout à l'heure, Avatar, dans une édition euh, peu prestige, je ne sais pas trop quoi. Enfin, c'est vrai qu'il y a 2000 fourreaux. Hein. Alors que si tu vas par là, etc., tu as 160 000 designs différents. Tu as 100, 127 CD. Euh, je pense que tu dois avoir la... peut-être euh, édition collector version longue. T'as la version normale, t'as les bonus, t'as. Euh... Ouais, t'as les bonus C'est t'as la BO, je crois même aussi. Euh, C'est l'édition en version longue d'Avatar, ouais. Euh, donc de, 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 bah de quasi 3 heures, hein. euh, je crois. Peut-être même un petit peu plus. Je me souviens plus combien de temps elle dure. Disque 1, euh, voilà, version cinéma d'origine, version édition spéciale, version longue inédite. Et après, t'as deux disques bonus carrément. Mais le, le coffret est sympa, ouais. Et alors ça, c'est justement ce qui va me permettre de, bah, de voir un peu où est-ce que je vais aller derrière. C'est, est-ce que euh, ce film-là aura le droit à une version similaire Et est-ce que je pourrais avoir un coffret à peu près similaire pour Avatar 2 Ou est-ce qu'il faudra que je choisisse autre chose Ça, j'en ai aucune idée pour l'instant. Euh, puis alors là, on va rentrer après dans les trucs un petit peu plus beaux. Parce que globalement, là, il y a quelques très belles éditions. Le loup de Wall Street que j'avais notamment fait gagner à l'époque de mon documentaire sur John Berntal, euh, que moi j'avais acheté Day One. Donc euh, ouais, alors, regarde ça. Là, là, là tu es sur une édition, euh, une édition insane euh, du, euh, du Lood Wall Street. Mais euh, vraie question existentielle. Ah, on se pose des vraies questions. C'est quand on est arrivé, quand on est là à te dire, j'espère que euh, Avatar y aura une version qui collera avec celle que j'ai actuellement. C'est que tu sens que t'as des gros problèmes dans la vie et que t'as pas d'autres questions. <laughs> Tant que c'est les pires questions que tu dois te poser, a priori, ça va. Euh, mais ouais, cette version-là est exceptionnelle du loot Wall Street. Bon, tu retrouves voilà, hein, tous les acteurs euh, principaux. La scène, avec, euh, la scène culte avec Margot Robbie qui fait du rende-dedans à Léo. Euh, voilà pour le, le, le Loot Wall Street. Mais c'est vraiment une édition à avoir. Dans les autres superbes éditions que j'ai, où je crois que là j'ai carrément du 4K. Ouais, là j'ai carrément du 4K. Je pense que c'est une, une des plus belles pièces de ma collection que je vais vous montrer là. Sans commune mesure et sans aucun problème. Euh, c'est Once Upon a Time in Hollywood. Ah là, là, on arrive sur les choses. Là, on, on a fait dans l'ordre du mieux, au, du, du moins bien au mieux, hein, en termes de qualité, en termes de prestige. Euh, là, ça, c'est énorme. Il y a même le, le 33 tours à l'intérieur. C'est un 33 tours, ça Ou c'est un. Non, je sais plus. J'en sais rien. De toute façon, j'ai pas de laser 10, mais je suis content d'avoir la... ça quand même, même si j'ai pas de... de quoi le faire tenir avec le, 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 le petit 1969. On retient ce chiffre, hein, le 69, qui est le chiffre béni des dieux. Euh, ça, c'était une édition spéciale Fnac. Euh, donc t'as tout le voilà tout le tout, tout le tout le coffret avec le blu-ray le 4K le... t'as mm, une petite bande dessinée avec Rick Dalton à l'intérieur aussi qui est, euh, qui est assez cool et puis les posters des films avec Rick Dalton euh, genre euh, Rick Dalton etc dans Opération Dynamite et euh, franchement c'est c'est trop cool c'est trop cool il y a celui là et il oh, y en a deux il y a deux posters, euh, il y a Opération Dynamite et ah bah non il y en a deux, bah, il y en a deux c'est les mêmes. Il y a deux posters mais c'est les deux mêmes. Faudrait que j'essaie d'en accrocher un pour le décor à l'occasion, sachant que j'ai les deux mêmes posters. Ouais, il y a deux posters de Rick Dalton identiques. Et puis la petite bande dessinée, c'est voilà, je me suis quand j'ai vu que ça sortait, je me suis rué dessus. Hein. Euh, je, je vous cache pas que ça a été instantané en mode bon d'accord, je vois que ça ça sort. C'était une édition spéciale sur la Fnac. Est-ce qu'elle est encore disponible J'aimerais vous dire que oui, j'en suis pas sûr. N'hésitez pas à aller voir à l'occasion si jamais, hein, mais euh, je suis pas sûr qu'elles sont encore dispo. C'est possible, c'est possible, mais je suis pas euh, convaincu. Euh, parmi les films que j'ai en double, mais en même temps j'étais obligé parce que bah, cette version est exceptionnelle. L'un de mes films préférés de tous les temps. Alien, édition euh, 30e anniversaire. 35e, édition 35e anniversaire. J'imagine même pas l'édition qu'ils feront pour le 50e anniversaire, sachant que le 50e anniversaire, c'est dans euh, moins de 5-6 ans. Hein. Euh, mais euh, Alien est là, donc t'avais une version avec à l'intérieur euh, bah, le, le, le bouquin, euh, l'histoire illustrée. Du, 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 du film, hein, avec euh, tous les, tout ce qui se passe à l'intérieur, etc. Voilà, le, le vaisseau des ingénieurs, euh, le Nostromo. Euh, je vais essayer de vous montrer peut-être voilà, la, la, la scène où Dallas se fait choper, par exemple. Euh, qui était dans le, euh, dans le, dans le premier livre. Euh, salut, premier live de toi que je regarde. Et désolé, j'ai pris le live en cours. Il y aura une rediff pour que je puisse rattraper le début. Salut, Anto zéro Oui, bien sûr, euh, la rediff sera là, je pense, dès demain sur euh, ma chaîne secondaire. Euh, c'est Valou les VOD. Tu tapes Valou les VOD, normalement tu devrais trouver ton bonheur dessus. Euh, ce, sera, euh, euh, ce, sera, euh, ce sera largement disponible. Et euh, ouais, tu pourras regarder le début là pour l'instant. Mais on a fait les DVD, les Blu-ray. Là, il nous reste les collectors Blu-ray. Euh, et après, les Steelbook et les séries télé. Les Steelbook que je vais garder pour la fin parce que je pense que c'est ce que les gens attendent le plus. Mais euh, les steelbooks. Euh les steelbooks, il y en a des très beaux. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je garde les steelbooks pour la fin. Parce que les steelbooks, c'est quand même le truc vachement prestige. Où as envie de te... En plus, j'en ai beaucoup. Donc, je pense que je vais les garder pour le, pour le final. Mais, euh, mais ouais, les steelbooks ne sont pas encore passés. Donc, ça va, t'arrives relativement bien. Dans le sens où le, le meilleur est encore à venir. Quoi. Voilà, on tape déjà dans de la belle, on tape déjà dans de la belle collection. Hein, parce que elle, ce, cette alien-là, euh, la, la collection est magnifique. Même si je l'ai en, en, en double. Puisque j'ai un coffret euh, Blu-ray de l'intégrale d'Alien. Euh, tac, qui est celui-ci où il y a euh, l'intégralité de tous les aliens, c'est-à-dire Alien, Aliens, Alien 3 et Alien la résurrection. Euh, Prometheus et Alien Covenant étant dehors accrochés à des petits cintres pour éloigner les oiseaux, hein, puisque j'ai pas d'épouvantail, donc j'utilise les fameux disques pour éloigner les oiseaux. C'est la meilleure utilisation que j'ai pu faire de Prometheus et d'Alien Covenant. Non, en vrai, Prometheus ça va, Alien Covenant, c'est vrai que si euh, je pouvais l'écraser en mille morceaux, je le ferais, mais on n'écrase pas... Hein. On n'écrase pas un, une édition collector. On n'est pas non plus des, euh, on n'est pas non plus des sauvages. Euh, alors on va prendre ça et ça pour la suite des euh, des coffrets. Tu as les quatre premiers du coup. Non en vrai je les ai tous. Je les ai tous, mais euh, voilà je sais que je ne regarderai quasiment jamais Alien Covenant. Trouvaille exceptionnelle. Je l'avais, je crois que je l'ai toujours. Je ne sais plus si je l'ai. Je sais plus si je l'ai, et Aurel, il va peut-être être dégoûté parce que je sais qu'il est rare. Je pense que je l'ai vendu. J'avais Passengers en Steelbook et je sais qu'il est rare et je crois l'avoir revendu pour cette version. Parce que cette version, je suis tombé amoureux du truc en mode c'est la version de Passengers où à l'intérieur. Euh, alors, t'as des, euh, des petites cartes euh, de, de, de ce que tu peux trouver à l'intérieur de la Valonne. T'as évidemment euh, le Blu-ray 4K, etc. Mais t'as surtout ce que j'adore c'est le script original. Le script original du film. Genre, t'as tout le script de. C'est une édition limitée. C'est une édition euh, très, très, très rare, celle-là, que j'ai payé 4 euros. Alors, je suis, enfin, je suis refait, hein, mais euh, 4 euros. Et euh, putain, 4€ euros pour avoir le script, etc. Alors c'est vrai que du coup, tu vois, j'ai plus le Steelbook euh, parce que j'ai dû le revendre euh, dans la foulée en me disant, bah, j'en ai plus besoin. Mais, euh, mais je regrette pas. En vrai, je regrette pas parce que c'est cette, cette version-là, je la préfère. Elle est peut-être moins clinquante que le Steelbook et peut-être que les fans, euh, euh, que les fans de Steelbook vont se dire, ah merde, ça fait chier. Mais alors cette édition-là, moi, je la trouve exceptionnelle. Et je, comme dit Aurel, je pense qu'elle est encore plus rare. Et pour 4 euros, bah, j'étais obligé. Une, euh, voilà un, un de mes plus gros coups euh, pareil euh, sur un coup de bol mais euh, immense fan de passengers j'étais obligé dans la dans une collection assez particulière parce que c'est une collection bouquin où l'intérieur t'as un, un propos du réalisateur the tree of life euh, de Terrence Malick avec euh, bah, ce bon vieux Brad encore qu'un film magnifique euh, et dedans en fait c'est une version où t'as euh, un petit bouquin euh, avec le propos du réalisateur, la filmographie, euh, les des deux, deux trois pistes d'analyse, etc. Euh, une, une belle version. Alors pareil, ça je l'avais eu en Occas, euh, The Tree of Life. Je devais l'avoir eu pour euh, 3 ou 4 euros. Donc euh, pareil. Enfin pour moi c'est donné. C'est trop cool d'avoir des, 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 des trucs pour si peu cher. Le classique, c'est pas du tout la plus belle version. Enfin la version est, en soi la version est belle. Mais euh, quelqu'un qui me dit qu'il aime les Steelbooks par exemple, bah, il ferait la gueule, tu vois. Mais moi, j'adore cette saga, mais pas au point de la prendre en, à plusieurs reprises, notamment en Steelbook. C'est Retour vers le futur. Euh, bon, qui est une édition que moi je trouve quand même hyper belle, notamment dans le début, hein, où tu as les trois, euh, allez, les trois affiches originales, etc. Dans des... Quand même, je trouve... Une édition qui est plus que satisfaisante, hein. je veux dire, le coffret est quand même beau. Là, vous allez demander à Aurel, Aurel, il doit péter un câble en mode, « Mais putain, mais quand les steelbooks existent, pourquoi prendre ça ?» Au moins, j'ai les trois, ça fait partie de la collection. Moi, j'aime beaucoup Retour vers le futur, sans dire que ça fait partie de mes films préférés, parce que ce n'est pas ceux avec lesquels j'ai le plus grandi. Euh, mais euh, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup quand même. Et puis moi, je trouvais que cette édition était intéressante, je crois que je l'avais payé 10 balles en plus à l'époque du Black Friday. Donc euh, ça reste hyper abordable. Pour euh, l'importance, c'est de les avoir. Un hein, retour vers le futur. Bon, on penser pensé au Captain, forcément. Il y aura la Rediff. Euh, ouais, ouais, ouais. Il y aura la Rediff euh, dès demain, je pense. Euh, Rocky. Le coffret Rocky avec l'anthologie Rocky, donc tous les films qui sont euh, dispatchés en, en, en... Bon, alors c'est très 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 sommaire à l'intérieur, mais au moins ça me permet de tous les avoir. Donc t'as les, les Rocky 4, Rocky 5, Rocky 1, Rocky 2, II, Rocky 3 en Blu-ray, etc. Euh, avec tous les... Euh, là, voilà, ils ont mis les, les... Ils ont mis les... Comment dire Des... Euh, des, des... Au moins l'avantage c'est que les, tous les, tous les Blu-rays se ressemblent, donc t'as as une, une vraie continuité vis-à-vis -vis du truc. T'as quel âge J'ai 29. J'ai 29. Et euh, bah, tous ces, tous ces Blu-ray là aussi sont, euh, sont plutôt intéressants à avoir. Parce que même si c'est pas forcément les meilleures éditions, encore est-il que euh, les Rocky, je sais pas si on a eu des éditions bien plus intéressantes que ça. Euh, je pense que ça va sortir à mon avis au fur et à mesure. Puisqu'ils ont sorti un Rambo là en 4K, Steelbook. Mais au moins ça vaut le coup. Euh, dans la catégorie pareil des coffrets. Avec à l'intérieur des petits bonus, mais je me souviens plus que c'est quoi. Ça doit être des cartes ou un fascicule. Ready Player One. Euh, Ready Player One, qui est un film que j'ai énormément apprécié. YouTube, c'est ton job Oui, ouais, ouais. YouTube et Twitch, euh, c'est euh, ce, qui, ce qui me fait vivre pour l'instant. Je suis très content d'ailleurs. Pour encore au moins un an, puisque euh, l'année prochaine, euh, je partirai vers euh, d'autres travaux, puisque j'irai, j'espère, vivre à l'étranger. Donc YouTube s'arrêtera parce que je pas envie de refaire à l'étranger ce que je fais ici. Mais, euh, mais, mais en tout cas, pour l'instant, oui, c'est mon métier. J'en suis, euh, j'en suis euh, bah, plutôt content, plutôt content. Hein, mon métier consiste quand même à vous montrer des lives, des, des collection de Blu-ray, DVD, et puis de vous inciter à acheter du support physique. Donc, euh, donc, ça fait quand même, ça fait quand même plaisir. Ready Player One. Euh... Ah putain, j'avais oublié que j'avais ça aussi. Je me suis toujours demandé pourquoi l'édition était aussi grosse, mais c'est parce qu'il y a des cartes aussi à l'intérieur et un fascicule. Euh, une édition qui est vachement belle, euh, alors que euh, techniquement, elle, le, elle est assez peu connue, cette édition-là. C'était une édition spéciale Leclerc, où il y avait des po il y avait posters aussi à l'intérieur. Alors le truc est hyper massif, alors que techniquement, c'est juste, euh, juste un petit livret à l'intérieur. C'est Premier Contact. Et alors ça, je l'ai acheté dans cette édition-là pour euros. Tu continueras Twitch Twitch, oui. Ouais, ouais, Twitch, je continuerai, ouais. Ça demande euh, moins de temps que de, de faire des vidéos. Ça marche, euh, Skedra, arti Skedra Artist. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Mes premiers contacts, voilà une belle édition où tu as pas mal de choses à l'intérieur dans un petit coffret aussi. On retrouve aussi du Denis Villeneuve. Hein. Euh, pris totalement au hasard celui-là pour le coup. Hein. Premier contact, je l'ai vu. Euh, je me suis dit, eh, allez, pourquoi pas Il était à 9 euros. C'était euh, intéressant de le choper, donc euh, allons-y. Allons-y. Alors ça j'en ai parlé tout à l'heure, Bon, bon j'étais obligé, hein, mais euh, Cloverfield, au moins j'ai pas le somme de ne pas retrouver le, DVD, le CD de Cloverfield. Euh, donc Cloverfield et 10 Cloverfield Lane, tu as continué les lives sur YouTube Non. Si je fais des lives euh, c -c cinéma ou séries télé euh, aux états unis ce sera sur Twitch aussi. YouTube, ça s'arrêtera définitivement. La seule chose que je ferai peut-être sur YouTube une fois que j'aurai arrêté... Mais c'est une fois ou deux par an, c'est si jamais j'ai l'occasion, pendant mes trips aux états unis ou ailleurs, de faire des tournages d'endroits de, de, de séries télé, et donc du coup de, de, de monter ça, et puis de faire des vlogs comme j'avais fait à, à, à Atlanta pour Walking Dead. Mais c'est tout. Je ne ferai rien de plus que ça. Dans YouTube, ça se terminera définitivement. Donc 10 Cloverfield Lade et Cloverfield en coffret 2 euh, Blu-ray, que d'habitude je n'achète pas, puisque je déteste euh, quand c'est des sagas que j'aime bien, ne pas avoir l'ensemble, mais là d'un autre côté, Cloverfield 3 était tellement à chier, euh, que bon, dans tous les cas, je ne l'aurais pas pris. Je crois qu'il existe hein, en format, des... en format euh, comme ça, mais euh, dans tous les cas, ça ne m'aurait pas plu. Euh, mon bébé, mon trésor, vraiment, dans un coffret 2, parce que le troisième, je l'ai pris en steelbook, mais euh, obligé OSS 117, avec à l'intérieur. Le Caire, Ni d'espion, et évidemment, Rio ne répond plus. Incroyable. Euh, des films exceptionnels, même si, euh, on le sait, hein, si c'est des chinois de Chine, ça ne marche plus. Chou Blanc, donc, Harvey Zen, mais euh, le Goat, euh, Ultime, Jean du Jardin, dans SS117, qui est euh, probablement bah, l'un voilà, des, euh, des plus grands films français humoristiques, je trouve, de l'histoire, OSS. SS. Le troisième, il est en steelbook. Euh, vous verrez, mais euh, le, 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 le steelbook, je l'ai ensuite en... Pour SS117.3. Euh, hop, il nous en reste quelques-uns à euh, ouvrir. Là, on tombe dans le très 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 gros et dans le très très très, très lourd. Euh, avec Apocalypse Now en version euh, Golden, Golden, Golden Prestige. Alors là, 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 c'est du lourd. Là, c'est du très très lourd. Je l'avais eu pour le Black Friday de celui que j'avais fait avec le Svex, c'était quand Quand c'était fait un Black Friday, il euh, y avait aussi Wendy, on avait beaucoup parlé Black Friday, ça devait être l'année dernière, ou l'année d'encore avant, je crois. Euh, avec Apocalypse Now, alors le bouquin Apocalypse Now, donc t'as le DVD, le Blu-ray, le 4K, euh, à l'intérieur, euh, tout un bouquin de je sais pas combien de pages, qui discute du film, etc. T'as aussi... Euh... Ça c'est quoi Ça c'est les DVD, t'as aussi le DVD... Et tu as, et tu as, et tu... Oh, oui putain, c'est vrai que ce truc-là était fort. Hein. Et tu as euh, le livre de, euh, sur Coppola, donc le journal complet euh, d'Apocalypse Now à l'intérieur. Mais vraiment un truc, euh, c'est un vrai bouquin, quoi. Tu vois, le truc, il fait, euh, il fait, il fait euh, pas loin de 300 pages. Donc euh, un coffret euh, extraordinaire. Euh, masterclass absolu hein, que ce coffret-là. J'ai pas hésité une seule seconde euh, et euh, c'était, ouais, il me semble bien que c'était il y a deux ans. l'une des, des plus belles pièces que j'ai, celui-là, parce que c'est un coffret Apocalypse Now. En plus, c'est un film qui est extraordinaire. Moi, j'adore les films de guerre. Euh, et euh, voilà, j'ai voulu pas trop tricher euh, en vous montrant pas non plus euh, de films bah, qui sont pas à moi, mais qui sont à mon Daron, parce qu'il y a une grosse partie de la, une partie de la collection de mon qui est encore ici. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, donc, du coup là j'ai montré vraiment que les miens, sauf celui-là que je vais vous montrer quand même parce qu'il est trop beau. Celui-là il appartient à mon père, euh, c'est le coffret Clint Eastwood. Mais je suis un fan de Clint Eastwood, alors comme ça ça me permet de vous le montrer. Avec alors, dedans, t'as Cantorino, Invictus, Mystic River, etc. Le tout euh, ah, dans des belles éditions, tu sais, où t'avais l'avant-propos total, c'est que du DVD. Mais euh, les éditions sont sublimes. Euh, puis moi, j'adore euh, Clint Eastwood. Donc celui-là, il est, euh, il est dans la, il est dans la collection de que des, des, des films que mon père a, ici. Euh... Mais, euh, mais a laissé ici. Mais mais c'est une édition qui est absolument superbe et que je mets de temps en temps. En... Comment dire Que je mets de temps en temps en, en... putain. En avant, parce que c'est une vraie, vraie belle édition. Et puis Clint Eastwood, c'est euh, voilà, un de mes réals que, que j'aime vraiment dedans. T'as euh, Bird dedans Attends, je vais te dire. Euh, il ouais, y a Bird, Un monde parfait sur la route de Madison. J'adore sur la route de Madison. Minuit dans le jardin du bien et du mal, Mystic River, Grand Torino, Invictus et au-delà. Euh, c'était à l'époque où il euh, y avait ces films-là qui étaient sortis, les autres pas encore. Et je pense qu'ils avaient fait un very best-of, tu vois. Et c'était la collection, euh, c'était ce, ce coffret-là qui était magnifique. Et euh, que, que je mets de temps en temps. Autre coffret, t'arrives à la fin En vrai, non, ça va, Rivenat, et au trois quarts. En plus, tu vas kiffer, il reste les séries et les steelbooks. Donc, t'arrives limite au bon moment. En vrai, t'arrives limite au bon moment, parce qu'il reste les steelbooks et tous les coffrets séries. Alors, les deux qui arrivent là... Euh... Je vais commencer par celui-là, parce que celui-là, je sais que je me ferai moins engueuler. Mais encore que l'autre, je vais le défendre, j'en ai rien à foutre. Black Panther le coffret Black Panther avec à l'intérieur euh, une bande dessinée euh, Black Panther. Euh, qui, est, euh, qui, est, qui est vraiment sympa. Et puis le 4K. Le, 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 voilà, un, lui, il est en 4K ultra, hein, littéralement, à l'intérieur euh, de, de, de Black Panther. Alors vous savez que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Black Panther. Donc je me suis un peu rué sur l'édition. C'est une belle 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 édition hein, de, euh, de, de, de de Black Panther. Il y avait pas la BO à l'intérieur. C'est hyper dommage parce que la BO est folle. Mais euh, mais voilà, le, 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 le coffret est magnifique. Puis il est euh, il est vraiment très 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 imposant. Et, euh, et je pense qu'il mérite d'être d'être montré et d'être vu. Et un film que je suis bah, probablement le dernier à défendre. Et puis c'est à peu, peu près logique. Euh, à l'époque, c'était un de mes immenses coups de cœur. Depuis, quand je le regarde, je prends conscience que la fin est nulle à chier, mais je reste un fervent défenseur du début et de son Joker. C'est Suicide Squad que j'ai dans une super belle version aussi et qui a eu le, le mérite, avant de râler et de vous dire ah il a pris Suicide Squad machin, mais qu'est-ce que c'est que ce délire Sachez quand même que dans ce collecteur-là, il y avait euh, des euh, comics. Suicide Squad. Euh, alors il y en avait qu'un sur les deux. Il hein. y avait, je crois que c'était celui-là. Le deuxième je l'ai acheté parce que les comics Suicide Squad ils sont très bons. Et J'adorais les, les, les bouquinets. Donc je les j'ai mis les deux ensemble. Et puis il y avait euh, la bande originale, alors qui est pas dans le coffret là parce que je l'ai mis dans mes, je l'ai rangé avec mes CD. Mais il y avait le steelbook Suicide Squad en 3D. Un très très beau steelbook à l'intérieur. Euh, et moi c'est un film que j'aime bien. Euh, ça vaut combien ce genre de coffret En vrai c'est cher. Le, le coffret Black Panther, je devais l'avoir eu à 70 ou 80 euros. Le coffret Suicide Squad, un petit peu au-dessus de 100 euros, parce que tu avais le Steelbook 3D, plus Blu-ray, plus euh, DVD, plus euh, une bande dessinée, plus la bande originale. Donc ça valait assez cher. Le euh, Black Panther, c'était euh, Leclerc, et euh, ça, c'était la FNAC qui le faisait. Et en très peu d'éditions. Mais Suicide Squad, moi, j'adorais ce film quand je suis allé le voir. Et vraiment, euh, bah, je défends la première partie. Euh, parce que la première partie, je la trouve vachement bien, jusqu'à ce que Deadshot se décide à ne pas tuer euh, Harley Quinn, alors qu'il peut sauver sa fille, ce qui pour moi n'a aucun sens. Après ça devient vraiment le monde des bisounours et c'est super chiant. Euh, mais je trouve que le début est, euh, est vraiment sympa. Et, euh, et donc du coup je le, je le défends pas mal. Et t'as. Euh, et puis tu as euh, Comment dire euh, T'as le Joker, que je trouve hyper, hyper sympa aussi. Hein. Hop. Dans les euh, 4K, avant de commencer les coffrets série télé, voir si j'ai rien oublié. Ah si, bah si, quand même... Ça tiens. <laughs> tiens, serait con de pas le, ce serait ne pas le citer, celui-là, c'est parce que d'habitude il est derrière. Le Seigneur des Anneaux. Salut Walking, comment ça va Hâte de voir tes collecteurs série, j'en ai quelques-uns également. Ouais, les séries, elles sont toutes de l'autre côté, là, je vais vous les montrer après, il y en a, a quelques-unes, ouais. La trilogie du Seigneur des Anneaux, euh, bah voilà, dans son édition, euh, dans, dans une belle édition qui était euh, qui était sortie il y a déjà quelques temps. Donc tout en version longue, c'est du Blu-ray, c'est pas du 4K, mais t'as vraiment, enfin voilà, t'as quand même un truc qui est assez soigné. Alors le truc, c'est qu'en fait le Seigneur des Anneaux, chaque année, ils sortent euh, une nouvelle édition. Et chaque année, t'as envie de te dire, ah oh, putain, il y a une édition 4K qui est sortie, j'ai trop envie. Euh, oh putain, euh, tu te rends compte? Là, ils ont sorti ça plus le Hobbit dans un coffret immense qui est magnifique, mais alors qu'il coûte 200 ou 300 balles. Donc, bon, forcément, c'est euh, une galère. Après, voilà, moi je trouve que cette édition là est quand même magnifique. L'important c'est de les avoir surtout en version longue et puis en Blu-ray. Voilà, bon, c'est du, du 1080p, tu vois la différence par rapport à du 4K, mais c'est pas non plus euh, infâme. Donc, c'est euh, hyper euh, plaisant de l'avoir. La trilogie. De Spider-Man en 4K. Euh, et alors, celle-là, regardez-la bien. Parce que celle-là ne restera pas longtemps chez moi. Celle-là, ce sera un giveaway qu'il y aura à gagner. Euh, J'avais dit que je ferais deux giveaways euh, euh, pour fêter la fin d'année. Il euh, y aura un giveaway d'un Blu-ray euh, qui arrivera euh, sur mon live Twitch. Et il y aura ce, euh, ce truc-là. Donc, la trilogie Spider-Man en 4K qui sera probablement à gagner sur Twitter. Je vais le faire sur Twitter pour dispatcher les deux. J'avais dit que je ferai les deux sur Twitch, mais l'avantage de Twitter, c'est que beaucoup de gens peuvent jouer, y compris des gens qui ont un Twitter et qui sont sur Twitch. Et il y aura un Blu-ray de Il faut sauver le soldat Ryan qui sera à gagner aussi sur, euh, sur Twitch, mais là exclusivement pour les gens sur Twitch. Donc, du coup, il y aura deux, euh, y aura deux euh, giveaways que je vais faire en, en séparé. Je l'avais dit, hein, c'était normalement si le Beats Goal était fait, mais. Dans tous les cas, je me suis dit, allez, vas-y, faisons le live quand même et faisons les giveaways quand même. C'est pas souvent que c'est Noël, etc. Puis, euh, que ce soit ici en live euh, sur le chat ou que ce soit euh, euh, sur, euh, sur Twitch, vous êtes toujours hyper généreux avec les dons, etc. à soutenir la chaîne. Euh, Captain ce soir et euh, Félix qui ont fait des dons, par exemple. Donc, euh, donc, euh, donc du coup, ça me paraît logique que je puisse vous les faire gagner. Donc ça, ce sera à faire gagner sur euh, Twitter, euh, puisque ce n'est pas la version que je voulais à la base. Euh, c'est une version, alors c'est une très belle version, hein, c'est des films en 4K de, de Spider-Man, etc. Mais ce n'est pas la version que je voulais à la base. Je l'ai pris pour le Black Friday, et puis finalement, je me suis planté de version. Euh, donc du coup, bah, celle-là, je vais pouvoir vous l'offrir. Et puis il y a le Blu-ray aussi de, euh, il faut sauver le soldat Ryan. <laughs> Mais qui, il faut sauver le soldat Ryan, qui sera à faire gagner. Euh, il est que en 4K, celui-là, ouais. Il est que en 4K. Le, bl <coughs> le Blu-ray d'Il faut sauver le soldat Ryan qui sera gagné sur Twitch. Là, pour le coup, ce sera vraiment exclusivement sur Twitch. Euh, où euh, je ferai euh, repartir, je ferai un petit concours dans mon live de samedi. Et puis comme ça, il y aura euh, quelqu'un qui aura la chance de repartir avec le Blu-ray d'Il faut sauver le soldat Ryan. On me posait beaucoup la question. Il y a eu le coffret avec euh, la figurine à l'intérieur. Jurassic World, évidemment. L'intégrale. Euh, Jurassic Park, Jurassic, Le Monde Perdu, Jurassic Park 3, les 3 en 4K et en Blu-ray, plus Jurassic World, Jurassic World Fallen Kingdom et Jurassic World Dominion, les 3 en 4K et en Blu-ray. Euh, ça fait que Jurassic World, je l'ai en. Bah, les 3 Jurassic World, je les ai en double, euh, puisque Jurassic World, je l'avais en Blu-ray, Fallen Kingdom en 4K, Dominion en 4K. Euh, donc euh, du coup euh, ça fait que tous les Jurassic World je les ai en double mais j'avais pas les Jurassic Park Donc c'est toujours intéressant d'avoir les Jurassic Park aussi en... en... comment dire c'est toujours intéressant <laughs> d'avoir les, les, les Jurassic Park en... en 4K Sachant que je les avais pas. Je, je, je les avais que en DVD, donc là maintenant au moins c'est chose faite. <laughs> Ce qui fait qu'on va pouvoir arriver, je vais boire un petit coup vite fait, il me reste un peu de Pepsi là, euh, on va pouvoir arriver sur les séries télé. Donc là il nous reste une heure pour faire le reste. Après il y aura... Ah non, j'ai encore, encore du 4K là, putain c'est vrai que j'ai encore du 4K. Mais ça va. Le 4K va aller vite, vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que j'en ai pas non plus 50 000. Ça c'est vrai que la collection est vaste. La collection préférée d'Orellsweg. On est sur la collection préférée d'Orellsweg. Euh, il me les fallait tous. Hop. Bim. Star Wars. La menace fantôme. L'attaque des clones. La revanche des sites. Un nouvel espoir. Le retour du Jedi. L'Empire contre-attaque. Il faut mettre celui-là au-dessus de l'autre. Euh, moi c'est des éditions que j'aime beaucoup. Alors je sais que... Euh... Je vous les montre hein, comme ça. Je sais que. Euh, comment dire. Euh, Aurel n'aime pas du tout ces versions-là. Euh, moi, je, je, les, je les adore. Je les adore. Je trouve que le visuel est super beau. J'aime beaucoup les posters. Le plaisir aussi de revoir du fourreau. J'aime bien avoir les, 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 les collections en fourreau. Donc, euh, franchement, bah euh, je prends un malin plaisir, comme un petit salopio, à euh, me, euh, me, me délecter de, de ces versions-là. J'ai mis. Euh, comment dire euh, énormément de temps à retrouver avec Fourreau les trois premiers Star Wars euh, j'avais euh, toujours le 6 où je trouvais jamais de Fourreau là où il était euh, là où il était euh, disponible là au moins c'est chose faite avec donc bah, Star Wars épisode 4, 5 et 6 moi c'est c'est des versions que j'aime vraiment bien donc je suis content de les avoir à peu près tous dans le même délire euh, un, un film dont j'avais beaucoup parlé pareil en 4K avec Fourreau et heavy Metal. Metal Hurlant, qui est un chef d'œuvre. Voilà, pour moi c'est un chef d'œuvre absolu, euh, dans, dans l'univers d'animation, j'en ai parlé tout à l'heure, puis j'en ai déjà parlé souvent, et alors là, là où je suis très content, un 2 égale 3 des familles, où euh, j'ai pu euh, en acheter deux pour un offert, et c'est trois films que j'adore, Forrest Gump, en 4K, je trouve que l'édition elle est magnifique en noir et blanc comme ça, enfin tu sais en blanc mais avec le 4K noir et tout, tu sais, enfin, je trouve que le design de, de, du, du 4K est fabuleux. Alors celui-là, j'en parle même pas parce qu'il est exceptionnel. Est Il faut sauver le soldat Ryan justement en 4K euh, que j'ai réussi à choper en 4K euh, euh, et qui est, euh, qui est absolument, euh, absolument phénoménal. Donc, euh, donc voilà, ça c'est des éditions qui sont superbes et un film que j'adore aussi qui a été le troisième de mon 2 égale 3 en fourreau. C'est Easy Rider 50. Je suppose que du coup, c'est l'édition peut-être 50e anniversaire. Je ne sais pas, il date de quand euh, 1969 Eh si, alors 2019, ça faisait déjà 50 ans. Donc si, ça doit être l'édition 50e anniversaire qui est sortie il y a 3 ans. Mais pareil, avec le fourreau, etc. Enfin, des éditions, euh, euh, des éditions que je trouve superbes. Donc euh, Easy Rider avec euh, Forrest Gump et. Il faut sauver le soldat Ryan, qui était trois, euh, trois films que j'avais réussi à avoir grâce à une opération euh, 2 égale 3. Donc euh, pareil, de temps en temps aller chiner un petit peu à droite à gauche, bah ça fait plaisir. Surtout quand tu te trouves des, des choses de cette qualité quoi. Tu as présenté tes jeux PS4 Non. Non non, parce que ça j'en ai pas, j'en ai pas non plus, euh, j'en ai pas non plus des mille et des cents donc euh, donc c'est pas prévu. On passe aux séries ou pas messieurs dames Il y en a beaucoup. Euh, oh putain, il ouais, y en a plein. Donc il va falloir que je vois en fonction de où est-ce que je les range. Je me souviens même plus où est-ce que je suis censé les ranger. Mais il y en a beaucoup. Euh, donc là, on passe sur les séries et on terminera évidemment par les steelbooks ensuite. Euh, les, les, voilà, les, les, les plus gros morceaux. Je pense qu'on peut dire qu'on terminera à 1h du matin. A <laughs> mon avis, euh, ça va peut-être être un petit peu plus long que prévu. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Tac, tac. Euh, il, il me reste encore 1h32 de musique, donc euh, ça va à peu près. Le premier, c'est évidemment Banshee, le coffret euh, Blu-ray hein, pour, pour Banshee, me semble-t-il. Avec l'intégrale des 4 euh, saisons euh, qui, sont, euh, qui sont juste là. Voilà, donc là, pour les, pour les connaisseurs de séries télé, ça, vous, allez, vous allez prendre un, un malin plaisir, à mon avis, à, à regarder cette petite collection, mais. Est-ce que c'est toi qui as acheté le coffret hausse qu'il y avait au Leclerc de Royan? Je le cherche depuis non, hyper longtemps, c'était introuvable, et une semaine après, il était plus... Ah non, c'est pas moi, Rivna. On vient de la même ville avec Rivna, on est de Royan, euh, on est... mais je crois qu'on s'était même rencontrés à Leclerc, non? Il me semble bien qu'on s'est à Leclerc quand on s'était rencontré. Non, moi je... Alors à Leclerc, j'ai pris beaucoup de choses. Du Sons of, du. Il euh, ah, y, y a beaucoup de choses que j'ai que, que chopé. Banshee, je crois aussi, on faisait partie. C'était pendant un Black Friday, il était à moitié prix. Il était encore à moitié prix cette année. Mais Banshee c'est exceptionnel avec Anthony Starr. Mais euh, non, alors là pour le coup, c'est pas moi. C'est pas moi. Euh, on enchaîne avec La bête. Euh... Game of Thrones. Le coffret que tout le monde a, hein, voilà, quand t'aimes bien Game of Thrones, l'intégrale des saisons 1 à 8, avec euh, pff, un, un coffret Mastoc, sa mère. Mais vraiment, hein, là, c'est du beau, 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 c'est du truc de qualité. Hein, parce que t'as tous les Blu-ray à l'intérieur, avec tous les motifs de toutes les saisons. Tac. Donc, euh, le premier euh, Game of Thrones. Euh, puis après, tu as euh, voilà, les, 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 toutes les saisons, etc. Intégrale saison 1, saison 2, euh, pour aller jusqu'à cette fantastique saison 8 que la France entière nous envie. Hein, L'intégrale voilà. de la 8 euh, saison qui est ici. Bon, qui est loin d'être la meilleure, effectivement, mais, euh, mais, 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 mais qui se prend quand même quand tu as envie d'avoir l'ensemble. Mais, euh, mais bon, voilà, je pense que Game of Thrones, c'est le coffret. Que euh, tu as euh, si t'aimes la série. Après il y a des coffrets vachement plus ambitieux. Il y a un coffret avec que des steelbooks qui est hyper beau. Mais euh, celui-là est quand même déjà pas mal. Et puis c'est du coffret Game of Thrones, quoi. Donc ça reste de la série, euh, ça reste de la série euh, bien quali. En DVD, que j'ai euh, récupéré récemment d'ailleurs. Euh, et c'est euh, pour moi un immense plaisir. De l'avoir récupéré, vous allez vite comprendre pourquoi. Même si c'est du DVD, c'était à 19 euros, et puis j'ai regardé. Ça, par exemple, ça n'a jamais été édité en Blu-ray. Quand vous allez voir ce que c'est, vous allez comprendre pourquoi. Là, je vais parler aux audacieux. Sur la terre des dinosaures, les mecs. Sur la terre des putains de dinosaures. Avec ce putain d'André Dussolier qui fait la voix de, 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 du narrateur. Super sur la terre des dinosaures. Ça, c'est un putain de banger. Un putain de banger pour tous les gens de ma génération, les générations d'au-dessus, qui ont grandi avec ça en mode Ah, c'est superbe. Ce bon vieux Nigel. Il n'y a pas Nigel là-dedans. Nigel Marvin, c'était Préhistorique Park sur la Terre des monstres disparus et dans le Terreur des océans ou un truc comme ça. Mais je ne crois pas qu'il y ait Nigel Marvin sur la Terre des dinosaures. En tout cas, pas dans cela. Là, cela, c'est ceux qui sont narrés par André Dussolier. Donc c'est c'est ce enfin à peu près pareil, c'est la BBC qui les a fait, etc. Et euh, le, ça en gros c'est le, c'est le l'ancêtre le, 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 de Prehistoric Planet, ce qui est sorti il y a pas longtemps. Prehistoric Park, je l'avais en DVD, je le regardais en boucle quand j'étais petit. Ah Prehistoric Park, c'était trop bien, c'était trop bien. Mais ça c'est pareil, enfin je veux dire ouais, ça, ça c'est vraiment le, c'est la série où tu te souviens toujours des images, des T-Rex. De la maman T-Rex qui meurt, des deux petits bébés T-Rex au moment où il y a la météorite qui arrive, etc. Enfin, c'est des... Ouais, c'est des belles versions. Et puis, c'est globalement des, 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 très beaux, des très, très beaux produits. Hein. Des très beaux produits. Euh, on enchaîne avec... Si j'arrive à tous les récupérer, parce que là, il y a du... Oh, putain, là, il y, a, là, il y a du stock. Quand on me disait combien t'as de Blu-ray ou de DVD en tout, bah, là, comptez déjà qu'il y en a... Euh... Comptez déjà que par, par truc, qu il y en a combien Un hein Bon, bah, à de 2, 3, 4, 5, 6, 7, multiplié par 7 x 6, voilà, ça fait déjà beaucoup. Euh, je sais pas si Win est encore là, mais ça, c'est pour elle. Hein. Lost, l'intégrale. Lost saison 1. Donc, alors, je vais vous tous, tous vous les montrer, hein, mais euh, on a du Lost saison 1. On a Lost saison 2. C'est les anciens coffrets en plus, ça, avec les, vraiment les, le, le, le relief sur les coffrets, DVD, le 4, 8, 15, 16, là, etc. Qui était quasiment introuvable parce que maintenant il les sortent plus, ou alors il les sort en petit. Et plus le temps passait, plus, plus la série perdait un petit peu de, 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 de saveur, et plus euh, bah, pareil, hein, les coffrets euh, redevenaient un petit peu plus, j'ai envie de te dire, normaux. C'est-à-dire un petit peu plus petits, etc. Ah, les derniers, tu peux les prendre sur les, les, les doigts d'une main, hein. c'est surtout, surtout le cinquième qui est vraiment ridicule. Euh, mais euh, les saisons 4, 5 et 6. Parce que c'est quand même important de tous les avoir, euh, même si ça, voilà, je ne suis plus trop fan après de Lost euh, de, la de, de, de la fin de la série. Mais, euh, mais c'est quand même important de les avoir, parce que c'est une série moi, qui m'a bercé, qui était cultissime. Et, euh, et je crois qu'ils les ont jamais fait en Blu-ray. Hein. Je ne suis pas sûr, Aurel, que ça existe en Blu-ray. Hein. Moi, je les ai en DVD, tu peux les trouver encore de temps en temps. J'ai essayé de retirer le 15€ et je vois que c'est ignoble, donc je comprends pourquoi je ne l'ai jamais retiré. Mais euh, Lost, ouais, c'est ma saison préférée. C'est la 1 et la 2. Je dirais même la 2, en vrai. La 2, je la trouve incroyable. Et, euh, bah, gros fan. Donc, euh, un petit peu... Euh... si et 6 en Blu-ray FR, mais très rare. D'accord, ok, ouais. Ok, ok. Ouais, non, bah, moi, après, DVD, ça me va bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, bon, à partir du moment où tu les as, Blu-ray ou DVD, j'ai acheté le coffret de Sons of, par exemple, parce qu'il était très beau en DVD. Je sais que quand j'ai envie de les regarder, je vais aller les regarder sur une plateforme de, de, de streaming puisque je suis abonné à toutes les plateformes, donc je vais les regarder, je les aurai en meilleure qualité, mais c'est cool de l'avoir quand même pour la collection. Euh, petit indice sur la suite, une série sympa, mais euh, où globalement je n'ai acheté que deux coffrets. Voilà. Je, 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 je le dis très clairement, c'est une série où j'ai acheté que deux coffrets, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux saisons qui m'ont plu. Le reste, je n'achèterai pas parce que euh, c'est clairement pas au niveau et parce que ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai au moins deux saisons de cette série parce que euh, c'est quand même une série à avoir et puis parce que la première saison, surtout, est absolument légendaire et la deuxième est, très, pour moi, très très bonne. Euh, c'est à partir de la 3 où ça a un peu parti en couille. Il y en a deux qu'on trouvait, donc à partir du moment où les gens trouvent, je montre, bien joué, euh, Walking et Cachou. Prison Break, saison 1 et saison 2, l'évasion et la cavale euh, donc de, de, de Prison Break, euh, les deux premières saisons qui sont pour moi d'immenses masterclass. Pareil là, les coffrets étaient beaux. Hein. Franchement, on avait des coffrets euh, hyper qualitatifs à l'époque. Et ça, ça c'est marrant parce que maintenant, quand tu as des coffrets en 4K ou en Blu-ray ils font moins d'efforts, c'est souvent, bah, tu sais, un peu comme ce que je vous ai montré avec Game of Thrones. C'est quali, c'est beau à regarder parce que t'as l'ensemble. Ça reste des jaquettes de Blu-ray avec à l'intérieur les Blu-ray. Là, tu vois, t'avais quand même le petit fascicule, tu vois, avec les petits résumés. Ça, je kiffais de ouf, en vrai. Ça, c'est la pu pur esprit des années 2000. Mais t'avais le livret avec le petit fascicule et puis, tu sais, les, voilà, le. Le petit truc qui s'ouvre, le, le, le petit plaisir d'avoir tes euh, délires, d'avoir tes personnages principaux, là, avec ton putain de Théodore Bagwell, là, et ta putain de poche, <laughs> avec la poche du T-bag, là, putain, qui était. Euh, ah, c'était. Euh, Franchement, c'était le bon temps, hein. c'était les bons souvenirs, hein. En vrai, les deux premières saisons sont, mon Dieu, quel masterclass. Ah ouais, ah ouais, ouais, de ouf, de ouf. Moins, moins la suite, mais la 3 encore, je lui en veux pas, c'est la grève des scénaristes. Après, c'est vrai que la 4 est nulle et la 5. Elle est ce qu'elle est, elle n'est pas désagréable à regarder, mais moi, tu la regardes une fois, puis pas, tu vas pas la re regarder. Moi je sais que Prison Break, en général, je me faisais des méga bangers à re regarder euh, les deux premières saisons, rien que pour ce GOAT, rien que pour ce GOAT William Fitchner, quoi. Mais je prenais un malin plaisir à re regarder les deux premières saisons, parce que je trouvais ça incroyable. Incroyable, puis les coffrets étaient super beaux, quoi. Et pour la, pour la petite anecdote, la saison 2, je l'avais revendue. J'avais gardé que la première parce que je, je, la saison 2, je m'étais dit, vas-y, ça ne m'intéresse pas. Et au final, une fois, bah, c'était à Lille, dans, un maga bah, dans le magasin où on est allé, Aurel, à Lille, où euh, j'ai euh, gagné Edge of Tomorrow sur un Shifumi, euh, sans tricher, c'est juste toi qui a été de mauvaise foi. <laughs> mais euh, j'avais récupéré ce coffret-là pour 13 balles. Du coup, je l'ai repris. C'était pas le même jour, mais, euh, mais euh, j'avais décidé de le reprendre parce que je m'étais dit, bah, pourquoi pas en vrai. Pourquoi pas? J'en parlais tout à l'heure. La masterclass ultime. Alors la grosse dédicace à Rivna parce que je crois que Sons of il aime beaucoup. Euh, la 4 et les... ouais, elle est à chier. Rivna, ouais, de ouf. Sons of Anarchy, l'intégrale de la série. Euh, là, pareil. Alors là, voilà. Par exemple, par exemple. Bon, je trouve qu'à l'intérieur, voilà. Tu, tu pourrais faire Honnêtement, hein, l'intérieur, tu pourrais faire ça. Euh, tu pourrais imprimer une image avec plusieurs photos et c'est plié quoi. C'est pas incroyable, mais c'est pour le principe de l'avoir en collection. Et le problème, c'est que Sons of Anarchy n'a jamais eu le droit à des belles versions. Sons of Anarchy, aujourd'hui, quand tu vas dans, dans des marchands, etc., eh et bah, ben, euh, ce que tu vas trouver, c'est des, des tout petits coffrets, euh, tout petits comme ça, euh, où, en gros, euh, t'as tous les CD qui sont les uns sur les autres empilés, et c'est super moche. Alors que, bon... Là, c'est vrai qu'à l'intérieur, ça a un petit peu plus de gueule. Mais c'est pas non plus. Euh, voilà. C'est pas non plus un truc extraordinaire, quoi. Ça a un petit peu plus de gueule. Mais ils ont jamais fait des. Euh, euh, ils ont jamais fait des, des, des vraies belles versions. Et c'est dommage. Celle-là, c'est la version la plus jolie qu'il a. Et pourtant, bon, elle est propre, hein. Mais je veux dire, elle est pas non plus. Euh, voilà. T'es pas sur une recherche extraordinaire. Mais euh, la, la, <laughs> la version est pas mal. La version est. Enfin, le, le, le coffret en soi euh, est intéressant d'avoir. Parce que c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir le, le coffret de Sons of. Alors là, celui-là par contre est très beau. Pour les, les, les aficionados, euh, celui-là, je me le suis acheté euh, en période de Black Friday. Alors celui-là est magnifique. L'intégrale de Peaky Blinders. Je suis loin d'être le plus grand fan de Piki. J'aime bien les saisons euh, 4 et 5. J'ai pas vu la 6. Les 1, 2, 3, j'ai tendance à m'endormir devant. Mais alors quand j'ai vu le coffret, je me suis dit. C'est quand même une série qu'il faut avoir. Et euh, à l'intérieur, euh, c'est fait un petit peu comme des bouquins, où t'as vraiment tous les euh, toutes les saisons au fur et à mesure. Et à l'intérieur de euh, à l'intérieur des, des des trucs, enfin à l'intérieur des pochettes, tu as les deux euh, Blu-ray. Là, c'est du Blu-ray. Hein, parce que *Peaky Blinders*, je trouve que c'est pas forcément, euh, voilà, pas que c'est surcoté. Elle est belle, là. elle est vraiment belle cette version. Je dirais pas que c'est surcoté, je dirais que si c'est un peu surcoté, en vrai, c'est un peu surcoté. Mais 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 même si je trouve que c'est surcoté, que dans les trois premières saisons il se passe pas grand-chose, la 4 et 5 j'adore, ne hein. me faites pas dire le contraire. En termes de visuel et d'esthétique, c'est une des plus belles séries qu'on ait fait jusque maintenant. En termes d'un point de vue reconstitution visuelle, à... ça c'est à avoir en Blu-ray. Tu peux pas l'acheter en DVD. Acheter Peaky Blinders en DVD c'est inhumain. Enfin, je veux dire, c'est tellement beau visuellement, etc., que euh, ce serait vraiment du gâchis, quoi. Donc, euh, donc ouais, Piki, je l'ai et euh, c'est une de mes plus belles pièces. Euh, dans, mes, dans mes autres plus belles pièces. Alors, euh, pour le coup, un peu dégoûté que ce soit en DVD. Pourquoi Parce que les Blu-ray, c'est que en import et ils sont super moches. Le coffret Blu-ray de l'intégrale est très 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 laid. Et si je dois acheter de Blu saison par saison, j'en aurais eu pour 10 000 euros. Alors que là, ça m'a coûté 19 euros au lieu de 40 au Black Friday. C'est Mister Robot. Alors là, c'est que du DVD, et pareil, ça c'est une des séries esthétiquement les plus soignées de l'histoire, et en termes de réel, la meilleure série de l'histoire. Je trouve la série la mieux réalisée de tous les temps, c'est Mister Robot. Euh, le coffret est très beau, hein. le coffret est très beau, il n'y a pas de souci là-dessus, avec vraiment les petites images de, de, de toutes les saisons. Enfin, derrière, tu vois, c'est hyper soigné. Euh, T'as le, 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 le design est, est magnifique et donc la saison 4 qui est une saison bijou absolue. Par contre, bah, c'est super cher en, en Blu-ray et euh, malheureusement, c'est que des imports et, et l'import est vraiment pas beau. Euh, l'import impo, est vraiment pas beau. J'ai l'intégrale saison 1 à 3 et la saison 4 à part en Blu-ray. Ouais, j'aurais pu faire ça aussi, Mr. Rider, mais là après, c'était question de thunes, ça m'aurait coûté énormément d'argent. Ce qui coûte très cher maintenant. Euh, alors que euh, là, tu vois, j'en avais pour 19 euros, je me suis dit aussi. 20 balles au lieu de 40, moitié prix pour Mr. Robot, les 4 saisons. Bah vas-y, let's go. Let's go, faut se faire plaisir. Alors, alors, à regarder en VO. Parce que là, pour le coup, vous savez que moi, j'aime beaucoup la VF. La VF est ratée sur Mr. Robot, il faut le dire. Euh, J'ai vu 2-3 épisodes, notamment Rami Malek. Après, je dis pas que c'est parce que la VF est mauvaise. Je dis parce que Rami Malek, je ne peux pas le voir en VF. C'est un des seuls acteurs, Rami Malek, par rapport à sa voix et son style, que je ne peux regarder qu'en VO. Je n'arrive pas à le regarder en VF. Tu me mettrais même mon gars préféré en VF sur lui. Je n'y arrive pas. Faut que je le vois en VO parce qu'il a un style trop particulier. Donc, ouais, je trouve que la VF, c'est vraiment pas la meilleure VF qu'on ait eu hein, sur Mr. Robot. Par contre, euh... par contre. Euh... Par contre, faut le voir en VO. Et moi, c'est aussi parce que Rami Malek, quoi. Alors, dans les autres choses, il faudra que je le récupère ça. Je me suis toujours dit que j'allais l'acheter. Ça, c'est pas à moi non plus. Euh, la VF de Peaky Blinders, elle est bien. Bah, c'est la VF de Kylian Murphy. C'est euh, la VF de Joël dans Last of Us euh, qui fait... Euh, Cyril Monge qui fait Arthur. Oui, la VF de piki elle est très bien. Ça, c'est pas à moi, c'est à mon père. Mais le coffret est trop beau, donc j'avais envie de vous le montrer, parce que le coffret est magnifique. J'espère un jour réussir à pouvoir retrouver un coffret de cette qualité-là. Il y en a beaucoup qui se vendent, mais aucun qui est aussi beau que celui-là. C'est le coffret Ben of Brothers. Il n'y a que Ben of Brothers dedans, il n'y a même pas The Pacific. Euh, mais le coffret Ben of Brothers, il est magnifique. Et euh, en vrai, je suis grave jaloux parce que celui-là, si je réussissais à le retrouver, je le prendrais en DVD. Rien que parce que je le trouve extraordinaire. Mais euh, t'as... Euh, voilà, as tout le... Ah ouais, il est tellement classe. Avec tout le. tous les personnages là. Euh... Un truc qui se déplie comme ça, enfin c'est une fresque exceptionnelle. J'en fais tomber des DVD tellement c'est beau. Mais euh, ouais, cette, cette version-là est, est ultime. Je, je, honnêtement, je ne pense pas que ça se trouve encore. Je pense pas que tu puisses encore la trouver. Euh, mais euh, mais c'est une version qui est, qui est, qui est magnifique. Et euh, bah celle-là, pour le coup, elle n'est pas à moi. Hein. Je l'ai juste pris là parce que je voulais la montrer en, en, en collection. Mais elle est, euh, ouais, c'est est une collection qui est merveilleuse de Ben of Brothers. Et j'aurais bien aimé la voir. Euh... Après, je sais qu'ils font des coffrets en Blu-ray, ma... <laughs> maintenant en 4K, avec The Pacific, etc. Me... Il voilà, faudrait que je me décide à le prendre un jour, parce que cette version-là, de toute façon, elle n'est pas à moi. Mais, euh... mais euh, je la trouve tellement belle, cette version, qu'à chaque fois, je la regarde et je me dis, putain, c'est phénoménal, quoi. C'est phénoménal. On arrive bientôt au bout des séries télé déjà. En même temps, il est minuit. Euh, donc, euh, bon, il serait temps. Euh, les steelbooks, on va passer assez rapidement, parce qu'en plus, les steelbooks, j'en ai plein. Hein. Donc, il euh, faudra qu'on essaie d'être relativement rapide. Le, la, 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 la collection que j'ai en commun, je pense, avec le Mediavor. Hop. Stargate Atlantis, l'intégrale. J'adore. J'adore. Je, je kiffe Stargate Atlantis. Donc, le premier. Stargate euh, Atlantis saison 1. Puis Stargate... Atlantis ça, ça doit être donc effectivement la saison 2 euh... Ah il les a oui oui bah, il est fan absolu de, 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 de Stargate le, le, le Seb donc Tac Stargate Atlantis saison 3 euh... Et euh... Stargate Atlantis donc saison 4 Je vous les montre quand même hein, parce qu'à chaque fois là notamment on a Amanda Tapping qui revient puisqu'elle était dans la série Et on termine avec Robert Picardo dans la saison 5 euh, J'étais un fan hardcore, je les achetais tous Et je passais des après-midi à regarder Stargate Quand je vous dis des après-midi C'est littéralement Je passais des après-midi à regarder Stargate C'était mon, mon kiff ultime quoi. Euh, alors Là maintenant on va parler de ma série préférée hein euh... ah, Une série que j'aime hein ah Une série que j'aime euh... Vraiment la meilleure série de tous les temps euh, on, me fait, on, me fait, on me fait à peine chier en plus pour que j'en parle. Vraiment, hein, c'est euh, c'est très discret la manière dont en général on me dit Eh hey, frère, 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 hey, t'as été connu pour quoi sur YouTube C'est pas pour toi qu'on t'aime, hein, fils de pute. C'est pour Walking Dead, hein Culé, va Quand est-ce que tu repars de Walking Dead, salope Alors jamais, mais. Euh, N'empêche que. Ah là, voilà, on les a, hein, parce que on peut pas nier que même si. Bah, 99% de la communauté Walking Dead, c'est que des tanches. Et que la série est devenue une série pour tanches aujourd'hui. Donc t'as le public que tu mérites. J'ai dit 99. Il y a 1% quand même que je valide sur les quelques millions qui regardent encore. Ça fait déjà mal au cœur de dire qu'il y a encore des millions qui regardent. Euh, Rivna qui dit A quand le débrief du dernier épisode Je me souviens, Rivna, je crois qu'il avait mis sur Twitter un truc du style Ah, oh, mec, je comprends même pas comment tu peux encore perdre de l'énergie à. À devoir dire ça. Parce que Rivena, il était conscient du truc. Hein, sur Twitter, en mode, euh, Pouah, hé, hey, s'il te plaît. j'en ai tellement marre pour toi, en fait, que tu dois te justifier sans arrêt. J'en peux plus, mais c'est terrible. <laughs> Et ouais, ça n'abandonnera jamais. Hein. Ça, 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 ça c'est mon calvaire. Ça, c'est voilà, c'est, c'est, c'est ma fin du monde. Mais bon, à l'époque, c'était quand même exceptionnel. Le coffret de la saison 1. Alors, ce coffret-là, c'est un coffret collector. Hein. Le coffret de Walking Dead, celui-là, est très dur à trouver maintenant, mais c'est un coffret collector. Hein. Celui-là, il est, il est très difficilement trouvable. Euh, et c'est ce coffret-là, justement, qui, euh, qui est bien. Je pense me considérer dans les 1%. Ah, mais les gens... En vrai, Walking... Je, je dis ça, mais... Les gens qui me suivent et qui ont compris... En gros, les gens qui me suivent et qui ont compris que j'en parlais plus et puis qui l'ont euh, adhéré, sans jamais m'insulter, et euh, sans jamais dire que, du coup, j'étais une pauvre merde, et sans jamais faire de la diffamation sur moi, et euh, sans jamais me demander... Toutes les semaines, est-ce que tu vas en parler Est-ce que tu vas en parler Est-ce que tu vas en parler Voire même tous les jours. Ces gens-là, comme toi, et comme beaucoup de gens dans le chat, et comme beaucoup de gens, là c'est blague à part, hein, mais comme beaucoup de gens, euh, notamment sur mon Discord, qui sont allés au bout de la série sans me faire chier pour m'en parler parce qu'ils savaient que ça m'intéressait plus. Ceux-là font partie des 1%. Donc tu fais partie des 1% sans problème, ouais. <laughs> Allez, on va dire 10%. Parce qu'il y a des gens que je ne connais pas, qui sont sûrement des gens très bien, qui continuent à regarder Walking Dead malgré tout. Allez, on va dire 10%. Mais c'est tout ça pour dire que la communauté des Walking Dead, c'est quand même une sacrée communauté de Gugus. Et toi qui étais là très souvent quand on parlait de Walking, je pense que as, de Walking Dead, t'as eu l'occasion de t'en rendre compte sur des gens qui étaient hyper irrespectueux. Enfin, c'est une communauté très particulière quand même. Walking Dead saison 2. Euh, c'est incroyable parce que même en montrant les DVD, on est obligé de trash talk maintenant. C est, c est, tu te rends compte de ce que c'est devenu alors que putain. Est-ce qu'on se rappelle quand même, par exemple, à l'époque de cette saison, la saison 3 qui était extraordinaire, à quel point personne s'emmerdait à se clasher, tu vois. On était tous juste en mode, cette série, c'est exceptionnel. Ils l'ont pourri de l'intérieur, Walking Dead. Je parle des studios, hein, en faire de la merde. Parce que c'est à cause de ça hein, que c'est tombé en, en catastrophe. Walking Dead saison 4, évidemment. Et les coffrets étaient beaux, franchement pareil. Là, je vous montre juste un petit aperçu comme ça, mais... Ah, les, 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 les coffrets à l'époque, quand ils sortaient, euh, il y avait quand même une, euh, un, un, un petit plaisir à les avoir, parce que c'était des coffrets qui étaient méga qualitatifs. Je ne sais plus ce qu'ils qu qu font aujourd'hui des coffrets. Enfin, je vois qu'il y a eu une différence à partir de là. Ah, là, 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 là on revient sur du euh, Blu-ray euh, classique à partir de la saison 6. Ils abandonnent le format traditionnel, je pense, parce, parce qu'ils en, ils en vendent plus assez. Pas parce que c'est Walking Dead, mais parce que le support physique meurt. La saison 7. Avec Negan, la saison 8, euh, que j'ai quand même. Et alors, j'achèterai la saison 9. Là, c'est la seule que j'ai pas, et c'est hyper dommage. Parce que euh, bah, la saison 9, euh, pour moi, elle mérite d'être. Euh, euh, je, je ça, ça mérite d'être euh, euh, en, en, en ma possession pour le dernier épisode de Rick, et puis pour terminer la collection. Parce que la collection Walking Dead, bah, à part ça, je l'ai terminée. Il n'y a que, en fait. Euh, il n'y a que en fait la, la, la saison 9 que j'ai pas. Hein. Après les autres m'intéressent plus, mais euh, mais la saison 9 elle mérite quand même d'être euh... achetée. Je la prendrai sur Amazon à l'occasion. Une série qui est trop bien, c'est trop dommage qu'ils aient jamais sorti en Blu-ray la saison 3 parce que du coup bah, il m'en manque une, mais j'essaierai de la prendre en import, pareil à l'occasion pour compléter la collection. Euh, J'en parlais tout à l'heure avec le film Une nuit en enfer, la série créée par Robert Rodriguez, réalisée en partie par Robert Rodriguez. Inspiré de son film. Euh, ce que vous voyez au milieu, c'est Georges Clooney, À gauche, c'est Tarantino. À droite, c'est Eiza Gonzalez qui reprend le rôle de Salma Hayek. Euh, tu retrouves tout. Enfin, tu as Don Johnson dans la saison 1. Dans la saison 2, tu as Danny Trejo, Dans la saison 3, je crois qu'il y a Tom Savini qui revient. Enfin, tous les potes de Robert Rodriguez. Et euh, c'est trop cool, euh, Une Nuit en Enfer. C'est vraiment trop cool. Si vous avez l'occasion de. Si vous avez l'occasion de vous les faire, euh, faites-les parce que c'est vraiment sympa. Et euh, dernier, mais pas des moindres, avant de passer au Steelbook. Euh, et alors, c'est un coffret qui est assez gros, mais en même temps qui est assez imposant, mais euh, qui a le, 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 le mérite d'être hyper. Euh, comment dire euh, D'une pièce forte de ma collection. Friends! Alors, il reste encore des steelbooks. Euh, je vois un message justement. Euh, il reste encore une série que je n'ai pas montrée, mais elle est en steelbook. Donc je l'ai mis avec mes steelbooks. P au cas où, parce que là, on pourrait se dire, ah oui, il y en a, y a quand même des manques. Il y en a une qui manque effectivement que j'ai, vous le savez, mais qui est dans la catégorie des steelbooks. Donc le trophée euh, de Friends, le classique des classiques, évidemment, euh, avec à l'intérieur. Alors, ça se présente comme ça. Euh, à l'intérieur, tu as toutes les saisons, donc tu peux retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis tu prends là, voilà, coffret, là, ça doit être la saison 6. Je sais pas s'ils si ont mis le même design ou si à chaque fois c'est différent. Non, coffret saison 1, ils ont la tête de leur saison 1. Coffret saison 10, c'est vraiment ceux de la saison 10, tu vois qu'ils ont quand même pas mal grandi. À l'intérieur, tu as un petit fascicule aussi. Euh... allez, ah, c'est le... tout le guide des épisodes. Parce que forcément, euh, forcément, c'est hyper long, mais t'as tout le guide des épisodes, etc. Euh, assez sympa avec des petites anecdotes de tournage. T'as même pas Malcolm. Malcolm, non, j'ai pas. Euh, Malcolm, j'ai pas. Euh, comment ça se fait que j'ai pas Malcolm Je crois que j'attendais qu'il sorte en Blu-ray. Le coffret de Malcolm, il est sympa, mais je crois que j'étais pas forcément fan du coffret de Malcolm. Et j'attendais qu'il sorte en Blu-ray, mais je sais plus s'il est en Blu-ray ou pas. Je sais plus s'il est sorti en Blu-ray. Mais celui-là, en mode tour et tout, ouais, je le trouve très très beau, le coffret de Friends. Il n'existe pas en Blu-ray, J'attendrai peut-être qu'il sorte en Blu-ray, Friends. Euh, Malcolm, ça fait partie des trucs comme ça, où tu sais, j'attends un peu. On a cité euh, Viking, Viking, je l'avais commandé, euh, et finalement je l'ai décommandé parce que euh, je suis tellement pas fan des, des, des saisons 5 et 6, que je pense que je vais acheter que le coffret des saisons 1 à 4. Euh, parce que le 5 et 6, je vois pas trop l'intérêt de les avoir, en fait. Petite wish list de ce que tu recherches à la fin. Euh, ouais, potentiellement, pourquoi pas, ouais. Bon, on s'est gardé le meilleur pour la fin. Vous êtes chauds Il reste les steelbooks. On ouais, est toujours plus de 175. Hein, ça fait plaisir parce qu'en vrai, euh, ça fait quand même 3h, euh, 3h05 heures, heures déjà qu'on est en live. Putain, la, la vidéo va durer 4h. Quel enfer. Euh, on, va commencer, on va partir sur les steelbooks. Bon, je vous montre déjà deux pièces immenses de ma collection que j'ai eues récemment. Euh... Ça, je tant puis je le remettrai après. Tac, regardez ça. Pow, Matrix. La collection officielle avec les quatre Matrix. Et euh, foi ça, c'est trop cool. Et alors à l'intérieur, on a donc tous les steelbooks euh, qui sont à peu près de cette effigie là Voilà, la Matrix. Euh, et je les trouve trop beaux, franchement. Alors je sais que tu as par exemple Aurel, on en avait beaucoup parlé, lui qui fait pas des masses. Putain, moi je les trouve exceptionnels en blanc comme ça. Euh, il, il est incroyable. Alors, je spoil pas Walking, mais enfin, en même temps, si je dis que j'ai pas eu Viking, je vais dire Walking. T'as cité la série que j'ai, mais comme t'as cité deux séries et que la deuxième j'ai dit que je l'avais pas, il n'y a pas beaucoup de suspense. Mais euh, ouais, non, ceux-là sont de, de Matrix, ils sont merveilleux. Euh, et euh, moi, je trouve que le, le visuel est extraordinaire. Alors, ça peut ne pas plaire. Hein. Il a dû te coûter celui-là de coffret de Matrix. 100 balles pas, pas tant que ça Pas tant que ça. Pas ouais, un peu moins de 100 balles même, je crois. Il était moins cher que euh, Que celui de Mad Max. Et Matrix Resurrection, donc le dernier. Avec à l'intérieur euh, le 4K plus le Blu-ray. Hein. Là on est carrément en 4K plus Blu-ray. Tous ne sont pas forcément 4K ou Blu-ray, mais, euh, mais euh, une, partie, une partie quand même euh, ont, ont le 4K avec eux. Donc euh, c'est donc sympa. Donc ça c'est pour Matrix. Et dans la même collection, j'ai. Euh, et alors là, ça va vous plaire aussi, ça mettra peut-être même encore plus de gens euh, d'accord. Euh, tac, j'essaie de remettre ça correctement parce que voilà, tac, c'est évidemment le coffret Mad Max dans la même euh, tradition. Donc avec les quatre, euh, les quatre Mad Max, Mad Max Fury Road, etc. Je vais quand même essayer de prendre un malin plaisir à vous les montrer. Avec le premier Bad Max en steelbook, euh, mais moi c'est le fait de les avoir dans des. Euh... Celui-là, il était à moins de 100 balles, il était à 80. Je l'ai eu à 80 euros. Ils sont pas chers, hein. Ils sont très 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 beaux, mais ils sont pas chers. Ils ont fait ça aussi avec le le MonsterVerse euh, pendant un temps de, de Kong etc. Bon, les films sont nuls. Donc à part Godzilla, les les et Kong Skull Island vite fait, les films sont nuls. Donc je n'ai pas pris. Mais euh, voilà, Mad Max au-delà du dôme du tonnerre euh, dans cette édition à 50 euros ouais ça m'étonne pas Mister Rider hein. franchement oui se... tu peux les trouver pour pas très très cher par contre euh... par contre franchement ils sont enfin, ils sont magnifiques quoi. Mad Max Fury Road tu l'as comme ça Pouah puis les films sont phénoménaux quoi dire à l'intérieur bon à l'intérieur c'est vrai que c'est <laughs> voilà donc tu peux pas tout avoir mais tu t'en fous. le CD c'est juste histoire que tu le mettes dans la... dans le truc Alors, après c'est bien quand ton CD est beau mais Enfin, voilà, tu te dis, eh, hey, Mad Max euh, Anthologie, quoi. T'as genre, il est, il est vraiment trop beau, hein, avec tous les méchants et tout, Tina Turner, machin, enfin, il est super, ce coffret, il est super. Donc ça, c'est les deux coffrets que j'ai, euh, spécial euh, Steelbook. Effectivement, assez particuliers, mais, euh, mais qui, sont, euh, euh, qui sont super beaux et, euh, et qui font bien, bien, bien plaisir. Euh, alors, cela, je ne vais pas vous les montrer vraiment dans l'ordre. Enfin, euh, je vais vous les montrer. Là, on est dans la première partie. Euh, non, je vais pas vous les montrer par ordre alphabétique. Je vais vous les montrer par ordre de rangement. Parce que je vais les reposer au sol après. Puis je les re-rangerai tel quel. Sinon, c'est un bordel. Euh, on l'avait plus ou moins euh, pronostiqué, hein, effectivement. Euh, ma série que j'ai en Steelbook, c'est effectivement... Alors, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais c'est trop beau. Ouais, voilà. Avec Jesse et Walt. Breaking Bad. Les steelbooks de Breaking Bad. Euh, alors les steelbooks sont relativement classiques. Explosives, euh, inflammables, euh, dangereux. Mais d'un autre côté, quand tu les regroupes comme ça, un peu en mode Rubik's Cube, t'as juste la tête de Walter et la tête de Jesse. Et c'est exceptionnel. Et euh, bon bah ça voilà, évidemment, il faut les avoir dans sa collection. Donc c'est les Blu-ray. Je sais pas s'il y a Blu-ray plus DVD. Je pense qu'il n'y a que Blu-ray. Euh... Tac. Tech... Ouais, il n'y a que les, ouais, les Blu-ray. Mais en même temps, ça c'est la saison combien ça C'est la, la dernière saison, mais oui, il n'y a, a pas énormément de... Il n'y a pas énormément de, 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 de challenges. Mais euh, ça c'est pour Breaking Bad et ça fait partie de ma, ma, de ma collection culte. Hop. Je vais le décaler ici. Euh, dans les achats récents que j'ai eu l'occasion de faire, un des plus beaux euh, steelbooks que j'ai maintenant... Bullet Train Alors là, euh, Dex, il doit être comme un dingue. Bullet Train en steelbook. Euh, le steelbook est super beau. Alors, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose euh, en termes de visuel. Mais le, le steelbook comme ça, là, est absolument magnifique. Bullet Train avec euh, Brad Pitt, que j'ai pris euh, il y a pas longtemps. Pareil, il doit y avoir de la... ça doit être en 4K. Hein. Euh, ouais, c'est de la 4K, mais la plupart du temps, maintenant, les... les, les... Comment dire La plupart du temps, maintenant, les steelbooks sont aussi en 4K, hein, donc... Euh... Donc, c'est un peu euh, une obligation. Euh, dans la suite, on va passer du côté des super-héros. Évidemment, euh... oh, ça, je m'en fous, ça, je peux le jeter. Je le jeterai plus tard. Tac. En version longue. Sinon, c'est pas drôle. Batman v Superman, Down of Justice, l'aube de la justice. Euh, Don't of Justice, même, Ultimate euh, Edition. Une édition assez simplette, hein. Cette édition-là, Steelbook est assez simple. À l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Voilà, il y a juste les, les blu-rays. C'est pas la plus belle édition que j'ai, mais, mais bah, l'avantage c'est qu'elle est en relief. L'avantage en relief, c'est qu'elle est vraiment sympa, mais sinon, euh, sinon le, le Batman v Superman est vraiment euh, est, est vraiment beau. Et puis, euh, puis bah ça reste ça reste un morceau, je trouve, à avoir, quoi, de, de, de cinéma de super-héros. Ce qui nous amène forcément à euh, ce qui va peut-être rendre jaloux quelques-uns d'entre vous, parce que euh, je les ai eus je crois pour 10 balles. Vraiment hein. Je les ai eus pour 10 balles. Batman Begins, The Dark Knight Rises et euh, The Dark Knight. Donc dans l'ordre ce serait même plus euh, comme ça. Tac, voilà. Et le de, 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 de derrière est très sympa aussi hein, avec le, le Joker etc. Donc les trois, euh, trois steelbooks. De Batman. Je sais pas s'ils sont euh, cotés ou pas. Euh, faudrait demander au Zveg. Mais euh, il me semble bien qu'il m'avait dit que euh, c'était pas forcément super facile à trouver. Je crois. J'ai eu exactement les mêmes pour 15 euros à Leclerc. Ouais, ouais, mais bah, il me semble que je les avais eu pour 15 balles aussi et que j'étais allé les chercher là-bas. Mais je crois même que je les avais achetés avec le Zveg. Hein. Je crois qu'il était là quand je les ai pris. C'était à Noël de l'année dernière. Il me semble. Je ne saurais, je saurais pas le dire à à, à 100%, mais il me semble. Tac. Alors, attendez, parce qu'il y, y en a qui se sont fait la belle et qui sont tombés. Euh... Tac. Voilà. Hop. On est, toujours dans le... On est toujours dans la thématique de Batman. Bon, bah. Voilà, ah, la masterclass. La Masterclass. Ils sont ressortis en 4K. Il y a de très, 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 très belles éditions. J'aime pas les steelbooks. Je les trouve pas beaux. Mais c'est des éditions en coffret, etc. Avec beaucoup de choses à l'intérieur qui sont magnifiques. Les, les Batman Begins. Batman, euh, Batman non. Euh, Batman Returns et le Batman de, de Burton sont magnifiques aussi. Donc là, à l'intérieur, bon, il n'y a pas grand chose. Par contre, dans voilà, à l'extérieur, The Batman, tu vois, le, 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 le diorama avec, euh, avec Catwoman est, est merveilleux. Donc, celui-là, il est assez, assez, assez monumental. J'avoue que ce, ce, ce style book-là de The Batman est quand même très, très beau. Dans les un petit peu moins connus, j'ai envie de dire, mais quand même, on peut citer Baby Driver, avec le, le gun, etc. Voilà, un film que j'adore, moi, Baby Driver, en style book. Très, très, très bon film, hein, Baby Driver, si vous pouvez l'avoir. Bon ça ça fait partie des films qu'en général dès qu'ils sortent je les prends histoire d'être sûr. Pareil pour Adastra... Adastra Ad t'as rien de plus euh, minimaliste. Hein. As, lui euh, il n'y a rien. Voilà, c'est simple, il n'y a pas de design. Euh... S'il y a la lune à l'intérieur quand même, il est en Blu-ray et en... en Blu-ray et DVD. Euh, mais voilà, c'est minimaliste mais c'est à l'image aussi du film donc moi je trouve ça plutôt cool. Et euh, le, 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 le Blu-ray est, est vraiment super riche. 1917. Oh bah alors le pareil, ouais, ils sont pas trop emmerdés non plus, hein. c'est deux fois 1917. Mais celui-là je l'avais eu en occasion. En Blu-ray je l'avais eu à 5 euros je crois. De 1917. Bon à Thomas Newman, euh, à la musique, euh, derrière c'est un film de... C'est un film de... de... merde. Comment De Sam Mendes Donc, euh, bon, c'est quand même important de l'avoir. Et puis, la petite pépite que j'ai eue récemment, et On avait cité Réussir ou Mourir, on a, réussi, on a cité Notorious, on n'a pas cité Etmile. Mile. qui fait partie des rares films que j'ai rachetés. Je le disais que je le faisais très rarement. Je l'avais en DVD, euh, je crois que j'ai dû le revendre en DVD, ou je l'ai dû refoutre, euh, je ne sais pas où j'ai dû, dû le ranger, mais euh, il n'est plus dans ma collection, puisqu'il est passé dans la collection Steelbook. Le head Mile, 8000, comme dirait notre ami, euh, notre ami euh, Louis Vignac, euh, le petit prodige du hip-hop, 8000 en 4K, avec la battle évidemment à l'intérieur. Bon, chef-d'oeuvre, ouais, chef-d'oeuvre, hein. Mile, je pense qu'on peut le qualifier comme ça. Donc ça c'est pour la première partie. On va aller sur la deuxième qui est là. Alors je vous ai dit, hein, du coup c'est pas par ordre alphabétique, parce que... Euh... Parce que par ordre alphabétique, c'est pas possible. Faudra que je... Il euh... faudra que je... Comment dire Tiens bah celle-là, je vais peut-être même la faire à la fin, parce qu'en fait, il y a mes, deux, de mes, deux de mes steelbooks préférés. Celui-là, je le garde pour la fin. On va prendre celui-là. Tac. On prend ceux-là. Et on va passer dans, je pense, les. Euh... Les, 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 les... Les derniers films de... Euh... Tac. Euh, hop, celui-là, il va là. Il n'était pas dans le bon ordre. Let's go. Hop. Et on passe avec... Bah tiens, bah les deux. Ne vous trompez pas si jamais vous les achetez parce que vous pourriez vous faire avoir. Hop. The Sing et The Sing. Attention sur les deux. Il y en a un qui n'est pas le bon. Euh, Celui-là, c'est celui de Carpenter. Magnifique. Hein. Il est exceptionnel. Hein. Donc le steelbook de The Sing de John Carpenter avec... Euh, ce bon vieux euh, Ce bon vieux Kurt à l'intérieur Ce bon vieux Kurt Russell euh, Que la France entière nous envie en 4K Que j'avais eu l'occasion de voir avec le Zvec Quand j'avais fait mes tests 4K sur ma PS5 Et The Thing, le, le remake Enfin le préquel, enfin un remake mais c'est un préquel euh, Qui est la version euh, Qui est la version de, de 2011 me semble-t-il Mais qui est bien, moi j'aime bien euh, J'aime bien le préquel Donc euh, vous plantez pas au cas où vous voulez acheter celui-là hein, Ne prenez pas, euh, parce que voilà D'ailleurs, The Sing, si tu le vois dans cette zone-là et The Sing, tu le vois comme ça, tu pourrais croire que c'est le même film. Genre, je le mets comme ça, on pourrait se dire, ah bah ouais, bah c'est le même, en fait, c'est le, le devant et le derrière. Sauf que non, hein, ça c'est The sign de 2011 et ça c'est The Sing le vrai. Enfin, le, le, le premier, enfin, le, celui de John Carpenter. Quoi. Mais celui-là est très bien, moi j'aime beaucoup le remake, je suis déçu parce que... J'imagine à quel point les mecs ont dû être euh, dégoûtés de, de, de sortir ce produit-là, sachant qu'ils avaient prévu des animatronics, des trucs, des maquettes, des machins. Mais euh, ça, allez voir la vidéo de Guillaume Cassard pour plus d'infos là-dessus, c'est vachement intéressant. Ils ont été obligés finalement de tout mettre en images de synthèse. Ça a dû, les, euh, ça a dû bien les faire chier. Mais euh, les, les, les The Things sont très cool. Donc euh, si jamais vous, vous, vous voulez les voir, euh, bah, n'hésitez pas à les regarder, c'est vachement intéressant. Trémors. Alors, alors ça, ça, s'il y a des gens qui connaissent Trémors. Et ça, quand je l'ai commandé, j'ai voulu le décommander parce que j'étais plus tout à fait convaincu de le vouloir. Euh, j'étais pas chaud. Je, je, je sentais qu'en fait, il allait pas rendre vraiment super bien. Et euh, finalement, si, il est trop beau. Si, si, finalement, il est trop beau. Pareil, il hein, y a le, le, le petit diorama de Perfection Valley. T'as carrément tout. À... Enfin. Un film, puisque ça c'est quand même rare, hein, surtout sur des éditions comme ça. Mais euh, avec le retour des petits livrets, avec ce bon vieux Kevin Bacon L'homme qui va sauver l'univers, Kevin Bacon Putain, le dieu Kevin Bacon J'ai trop regardé Les Gardiens de la Galaxie, euh, le Holiday Special. Encore Kevin Bacon Putain, je vous ma vie à, à Kevin Bacon J'aime, j'aime Mantis, je suis amoureux de Mantis. Mais euh, ouais, non, il, est trop, il est trop cool ce film. Même si je suis encore plus amoureux de Kevin Bacon qui est dans Tremors. Mais faut aller le voir. Euh, franchement, Tremors. Tremors, c'est vraiment un film qui est excellent. C'est vraiment un film qui est excellent. Et je vais même aller plus loin. J'ai un plaisir coupable pour toute cette saga. J'aime toute, toute la saga euh, Tremor's. Même le 2, le 3, il y a des choses que je trouve euh, vraiment trop fort. Kevin Key? Attends. Au cas où, parce que peut-être que tu le connais pas, mais pourtant il a sauvé l'univers euh, en dansant. Euh, c'est Kevin Bacon Regarde, il est là, hein, Kevin Bacon le légendaire Kevin Bacon! Tu crois que Kevin aime le Bacon? Ça va, Mediavor? Sinon? Tu vois, à cause de cette vanne, je te dirai pas ce que j'ai pensé de ta vidéo sur Dinotopia, alors que je l'ai vue. J'ai vu ta vidéo, je, je l'ai vue dans les 5 minutes auxquelles tu l'as sortie. Footloose, quel film, footloose. Footloose qui fait partie des films que j'aimerais avoir. J'ai euh, dans mes notes de téléphone toujours des films que j'aimerais bien réussir à rechoper. Et il euh, y a plein de films que j'aimerais bien avoir, et footloose en fait partie. J'aimerais bien le choper en 4K, footloose. Comment il va, mon sébiche alors là, deux films où vous allez vous dire, ah oui monsieur. Et j'ai un... probablement sur les deux un de mes plus beaux steelbooks. Visuellement parlant. Top Gun et Top Gun Maverick. Top Gun euh, le premier. Il est incroyable. Il est incroyable visuellement, Top Gun. Franchement, j'aurais été. J'aurais eu mon âge à cette époque-là, ça aurait été un de mes films cultes, je pense. Alors, avec Top Gun Maverick, voilà pourquoi j'ai pris cette version-là, parce que les deux sont grises. Donc, du coup, tu retrouves un peu les mêmes significations, un petit peu le même délire. Et puis, euh, bah parce que, en vrai, si j'achetais les deux Top Gun dans le coffret Top Gun, ils coûtaient 200 balles. Tu sens ma jalousie d'ici. En vrai, ils sont trouvables, hein. Euh, ils sont trouvables, Léa, si tu veux les choper, les, les, les Top Gun. Top Gun Maverick, je pense qu'il doit être encore un petit peu partout, mais faudrait y aller relativement rapidement, parce que je suis pas sûr qu que les gens euh, en laissent beaucoup. Celui-là est encore trouvable un peu partout. Il y a moyen que tu les rechopes. Peut-être sur Amazon ou sur la FNAC. Moi, je l'avais commandé sur la FNAC, je crois. Je l'avais trouvé exceptionnel. Et euh, Maverick, il doit... Ouais, je pense que Maverick, il y a encore. Si jamais, euh, hésite pas, mais traîne pas trop. Ouais, parce que c'est des films qui partent forcément très vite. Euh, c'est comme ça. Mais ouais, trop content de les avoir, les Top Gun. Parce qu'ils sont, ils sont vraiment magnifiques. Dans les vieux... Alors là, tu, euh, tu, là, là, tu sais que c'est des vieux Blu-ray, enfin, euh, Steelbook... Parce que c'est des steelbooks où t'as encore le Metropolitan au-dessus. Au euh, genre édition limitée, etc. Tu sais que c'est vieux quand t'as encore les noms, tu vois. Et quand c'est pas juste une affiche reprise. Mais le film vaut le coup, c'est une ture à point. Avec... Euh, alors, il est beau, hein. Il est très, très, très beau. Le steelbook est vraiment beau. T'as un beau Andrew Garfield à l'intérieur, là. Bien, euh, regardez ça, bien saillant, là. Bien dodu, là. On, on, on croquerait euh, du Andrew euh, sur place, là. Euh, euh, tel un, un effeuillage lubrique, mais euh... <laughs> ce live est trop long, il est minuit et demi les gars. Mais tu ne tueras point, il très 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 beau film euh, et euh... Enfin, là, dans une dans une édition qui est superbe. Et euh, si vous l'avez pas vu, tu ne tueras point, faut vraiment le voir. Non, ça faut le voir. Je te, non, je te le dis, non, je te le dis, faut le voir. Donc tu, tu vas tu vas que de ce live à la con là et tu vas aller regarder, euh, tu vas aller regarder, euh, tu ne tueras point. Après tu referas Top Gun. Puis tu te coucheras à 6h du matin en pensant à moi. Ton coffret Niptoc, tu l'as plus. Euh, le coffret... Ah si Bah oui, mais si, mais le problème c'est qu'il est derrière, en... emballé derrière tous ces trucs-là. Là. Euh... Merde, oui, exact. Ah, c'est marrant ça. Putain, en plus, c'est un des plus beaux. J'essaierai de vous le montrer après, le coffret Niptoc. Oui, bah bien vu. Au cas où je peux pas le montrer, just Mike, sachez que j'ai un coffret Niptoc. L'intégralité des saisons 6 de, de Nip -tuck. vraiment un très beau coffret Nip -tuck. Le problème, c'est que c'est ça qui tient toutes mes, toutes mes décos de Noël, là. Bah, c'est ce qu'on va peut-être pouvoir voir derrière. Là. Non, mais non, je ne pourrai pas. Derrière le, 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 les cadeaux qui y a là-bas... Ah, si, je fais ça, peut-être. Voilà. Derrière les cadeaux qui y a là-bas, vous voyez que là, là, il y a le coffret Jurassique où il y avait les 6 les Blu-ray que je vous ai montrés. Et juste là, il y a le coffret euh, Nip Tuck. Ouais, ça, le problème, c'est Il fallait bien que je n'oublie un. Hein. Mais bien vu, Just Mike, ouais, parce que tu vois, je serais passé à côté, ça m'aurait fait chier. Bon, je l'aurais montré dans le prochain, mais euh, bon, c'est chiant quand même, quoi. The Wall <laughs> Pas le film sur les, euh, les, les les Pink Floyd, puisque ça le, ce film me fait peur. Euh, juste The Wall, avec Aaron Taylor-Johnson. Et The Marine The Champ John Cena Trop bien, hein, The Wall Et John Cena est trop fort dedans Le Wall, c'est vraiment un super film The Wall est au film de guerre, ce que Fun Game est au auto thriller. C'est le même film, juste prenez deux gonzes qui sont dans, dans, dans le désert avec une radio et un tueur euh, sniper qui les vise. C'est la même chose. C'est le même film que Fun Game, mais dans le désert. Et c'est trop cool The Wall. C'est trop cool The Wall. Faut le voir hein, si vous l'avez pas vu. Alors, en même temps, je vous dis ça, vous allez tout regarder. Donc, Wind River. Euh, Taylor Sheridan, l'un de mes écrivains préférés, euh, qui a écrit entre autres Sicario et, euh, et, et, et d'autres films, et qui est un réalisateur qui prend régulièrement John Berntal dans ses œuvres, avec euh, encore Jeremy Renner et Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen est magnifique dedans. Euh, Wine River, c'est un putain de grand film d'auteur, hyper intéressant, passé sous silence total, mais vraiment à voir. Il est vraiment, vraiment, vraiment à voir. Euh. <laughs> Wine River, donc si vous avez l'occasion, allez-y. Et puis... Euh... <laughs> je me suis planté, en fait, c'est toujours le premier. Mais ça, je me souviens que je l'ai acheté avec le Zweig. Euh, c'est Zombieland. Non, je ne l'ai pas acheté avec le Zweig. Si, je l'ai acheté à Jiber. Si, si, c'était à Jiber. Zombieland. Non, c'était pas à Jiber. Je sais plus. Bon, en tout cas, Zombieland, euh, je l'ai. J'ai le souvenir d'Aurel, moi, là-dessus. Je sais plus. Mais le, le voilà le style book de Zombieland, ce qui fait que Zombieland je l'ai en deux fois puisque je croyais que c'était le style book du deux. Alors qu'en fait non, hein, c'est bien le style book euh, du premier. Hop. Messieurs dames, il nous reste plus que 3 trois, euh, trois tours de style book à faire. Alors là, il y en a un petit peu plus que dans les deux autres. Ah non, dans, dans ces tailles égales. Euh, donc il faut que je prenne par là. Ah ouais. et Puis en plus, il y a des films que j'aime bien là dedans. Ah puis il y a des belles occasions, il y a des belles affaires. <coughs> Men exceptionnel ça, exceptionnel ça Mendown. down. Ça dans le genre film sous côté de ouf, euh... c'est <coughs> euh... c'est incroyable. Oblivion tu l'as, mon père l'a Oblivion. Pourquoi le médiavore il est modo Ah parce qu'il a fait plus de dons. <laughs> J'aime l'argent. Ça, ça, ça se sait maintenant. Euh, l'histoire raconte que j'aime l'argent et les femmes. Bazardé à sa sortie. Ah oh ouais, ouais, puis c'est un film qui a fait une entrée. Enfin, genre, ce film est reconnu pour, être, pour avoir été le film qui a fait le plus gros flop de l'histoire. En gros, une entrée en Angleterre sur le peu de sorties qu'il a pu faire. Il y a un petit vieux qui est allé voir le film. C'est terrible parce que Men Down, euh, Down c'est super. Mais malheureusement, les, ouais, les, les gens n'ont pas été curieux alors que c'est pour moi une, une œuvre extraordinaire. Euh, mais tu peux encore faire des dons, hein, Aurel. Oh mais... j'avais oublié. Alors, tu sais, dans ma tête, j'étais en mode, tu peux encore faire des dons, Seb. Parce que Seb aurait été capable de faire des dons pour passer Modo. Aurel, c'est... Tu connais l'expression pisser dans un violon Aurel... Aurel faire un don, c'est genre... Don, don, quoi Don Don Lui, c'est... C'est quoi, c'est don Don... Don Camillo Don... Le don... Jean... Jean-Claude Van Johnson Non, je sais pas ce que c'est. Life. Origine inconnue. Ça, c'est vachement bien aussi. Ça, c'est trop cool aussi, ça. Euh, avec euh, Jack Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada et euh, une nana dont je ne me rappelle plus le nom. Mais euh, c'est très, 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 très bien. Je ne sais pas ce qu'il vaut exactement en steelbook. Euh, je ne sais pas s'il si est connu ou pas, euh, ce steelbook-là. Mais il est super. J'attends ton steelbook de tour de cul avec mes dons, merci. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on va passer justement à la suite. <laughs> il est trop beau. Ouais, et puis le film est super. Le film est super. Mediavor Ah oui, putain, Mediavor Eh, euh... Mais d'y avoir, j'ai mis le. le j'ai Star... montré la collection Stargate Atlantis. Les cinq coffrets. Mais enfin bon, il les a chez lui. Donc... La rage au ventre. Que vous pouvez trouver ça. La rage au ventre, si vous l'aimez bien, ce style book-là, vous pouvez le trouver. Euh... En... Dans des, dans... en occasion. Je le vois assez régulièrement, moi, à Royan et à Sainte, en occasion et en style book. Donc il n'est pas rare, hein, celui-là. Et je pense qu'il est à avoir, parce que c'est un film qui est extraordinaire. Jack Leno est au sommet là-dedans. Et, euh, et vraiment, euh, c'est un film qui est, euh, est, un film qui est, euh, qui est formidable. Donc n'hésitez pas, euh, si jamais vous voulez La Rage au Ventre, je t'ai connu avec ta critique. Euh, de La Rage au Ventre Je me souviens plus, euh, la critique. Je sais qu'elle a été bloquée, qu'elle qu qu a disparu pour droit d'auteur, je crois. Ça devait pas être super, Captain, parce que je crois que la critique de La Rage au Ventre, ça devait être que ma troisième vidéo de toute ma chaîne. Je venais juste de commencer, je faisais une vidéo tous les trois mois. J'avais fait Jurassic, Ant-Man et la rage au ventre, donc ça devait pas être de haut vol. Hein. Alors que le film l'est, lui. Bon, j'en ai par j'en parlerai dans ma vidéo et puis j'en ai pas mal parlé, euh, voilà, euh, ce soir c'est bon. Pff. Si, c'est important de la voir quand même parce que euh, parce que parce que c'est euh, visuellement c'est pas mal, mais bon. Kong, Skull Island. C'est vraiment pas le plus grand film de la planète. Euh, c'est à des années-lumière de celui de Peter Jackson. Enfin, ça ne se calcule même pas. Mais, euh, mais, mais il, est, il est plaisant à regarder. Euh, visuellement, il est, euh, il est très intéressant. <laughs> T'as des thématiques sur la guerre du Vietnam, etc., qui sont assez riches. Moi, c'est vrai que j'aime bien. Dans le Monsterverse, pour moi, il y a Godzilla et il y a Kong. Après, le reste est nul. Godzilla est super. Godzilla est vraiment, 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 vraiment très bon. Mais euh, Kong est sympathique, et puis après, les deux autres sont mauvais. Mais, euh, mais, mais il, il est à regarder quand même pour son esthétique, quoi. Celui-là, je suis content, parce que ce film est génial, et je l'ai eu pour euh, 10 euros, en import italien. Et il euh, y a la version euh, italienne, française et anglaise, donc ça me va. King Richard, la méthode Williams, avec euh, le film qui a valu un coup de poing à... C'était à Chris Tucker Non, c'est pas Chris Tucker. Chris Rock. En même temps il l'a cherché. Hein. Je suis Tim Will moi donc je m'en bats les couilles mais euh, Mais euh, le, le, le le film euh, Le film sur euh, la méthode Williams sur les sœurs Serena et, et, et Venus Williams qui est un film super avec là aussi euh, et eh bien ce, ce, ce bon vieux John Berntal, euh, trouvé en, en import italien. Euh, donc c'est ça qui est cool. Hein. C'est que de temps en temps les imports permettent d'en avoir pour pas trop cher. Et surtout d'en avoir si bah, tu, ça n'existe pas comme celui-là en France. Et je l'ai eu pour 10 euros. Donc c'est sympa. Celui-là, je l'ai eu pour 5,99 euros. J'ai toujours rêvé d'avoir le deuxième et je ne l'ai jamais trouvé. Dans la même édition avec marqué Blue Grey 10 devant, etc. Mais j'ai jamais eu l'occasion de le chercher. C'est Kill Bill. Donc vous allez voir que comme j'ai une Glorious Bastards, euh, ça me fait la totalité des, des Tarantino. Il me manque que Kill Bill 2. Je suis dégoûté. Mais euh, Kill Bill Volume 1, je l'ai. Alors ça, pareil, c'est le début des Steelbook. Alors moi bon, il y a, voilà, derrière, t'as les, les, les trucs traditionnels. Hein, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire dans, le, dans le, le visuel du Steelbook. Mais bon, euh, c'est voilà, quand même bien de l'avoir. Celui que je vais vous montrer là, vous pouvez l'avoir à très bas prix maintenant partout, puisque personne ne l'a acheté. La Snyder Cut de Justice League, 4 heures de peplum de super-héros. Euh, très, très, très costaud. Euh, be belle version en plus. Hein. Alors que moi, je m'étais précipité de l'acheter. Je l'avais payé 35 boules, je crois, à l'époque. 4K. Je l'avais payé 35 euros parce que bah, dans ma tête, c'était oh là là, mais si je l'achète pas dans la semaine, il n'y en aura plus parce que ça a été un rat de marée quand c'est sorti. Au final, il y en a partout et maintenant ça ne coûte plus rien. Euh, donc, euh, donc euh, voilà le style book de, 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 de Justice League. Bon, bon. Jurassic World. Alors je vous l'ai dit, euh, je vous l'ai dit, euh, je les ai en double. Euh, donc Jurassic World en double, Le Monde Perdu en double et Jurassic World Dominion aussi en double. Euh, pourquoi j'ai pris Jurassic World Dominion, me direz-vous Es-tu fou ah, As-tu perdu l'esprit Non, euh, je le trouve trop beau. Je le trouve trop beau. Euh, franchement, hein. genre je, je ne comprends pas. Les gens qui trouvent que ce, 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 ce Steelbook est, est, est laid. Et merci, Chef, pour le don. J'ai Blade Runner 2049, Steelbook Mando à vendre. S'il y a des gens que ça intéresse, n'hésitez pas peut-être à aller euh, contacter directement euh, Chef. Mais euh, Blade Runner 2049, j'étais pas fan de ce film-là. Faudrait que j'essaie peut-être de me trouver à l'occasion le premier Blade Runner pour le revoir et euh, voir euh, voir si je, je l'achèterais. Je sais que globalement, c'est pas du tout mon style, les Blade Runner. Par contre, Blade Runner 2049 en Mando, le, le Blu-ray le le blu Steelbook doit être très très beau à regarder. Je pense qu'il doit être vraiment très classe. Et merci avoir pour les 2 euros, bon courage. Bah écoute, ça fait plaisir. Merci pour vos dons, merci d'être là, hein, parce qu'on est sur 3h30. J'espère vraiment que ce live vous plaît, parce qu'on est à peu près au même nombre tout le temps et ça fait plaisir. Et on est à 3h30 de live déjà. Sachant que je, je sors de maladie, euh, ça fait. Voilà, je me donne pour vous. Mais euh, je passe un super moment, donc euh, en plus c'est le dernier live de l'année, c'est la dernière fois qu'on peut profiter ensemble, donc, euh, donc ça fait plaisir. Euh... Ça fait plaisir, c'est cool. Bon courage pour ta cagnotte, j'ai vu la vidéo. Bon, j'ai pas fait de cagnotte. J'ai pas fait de cagnotte, Seb. Quelle cagnotte J'ai pas du tout fait de cagnotte. J'ai fait une cagnotte dans mon sommeil sans le vouloir, j'ai pas du tout fait de cagnotte. Ah non, au contraire, j'avais fait un Beats Goal pour le mois de décembre, et même si le Beats Goal, euh, on n'a pas eu le temps de l'atteindre parce que j'ai pas pu faire de live parce que j'avais la crève la semaine dernière, le live de la semaine prochaine, les giveaways, je les fais quand même. Je vous prends la cagnotte que j'ai pu faire. Enfin, en tout cas, merci Seb. Dans tous les cas, merci pour le don. Ça aide la chaîne. Chaque don que vous faites, de toute façon, aide la chaîne. Et puis, me permet de, de continuer à faire tout ça. Donc, c'est cool. Hein. Mais euh, voilà. Là, je vous fais découvrir ma collection, etc. On en parle un peu. Euh, et c'est euh, grave cool. Mais non, mais parce que Seb, il me parle de... déjà de, 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 J'ai pas vu de cagnotte, moi. J'ai pas être <laughs> aucun moment, j'ai fait de cagnotte. Par contre, Seb, en parlant de vidéo. Faudra qu'on que je t'appelle à l'occasion pour parler de ta vidéo sur Dinotopia. En vrai. Parce qu'il hein, y a des trucs euh, dans lesquels je voulais discuter. Mais euh, là, je pense que d'ici une demi-heure, tu dormiras. Donc je t'appellerai pas aujourd'hui. Mais euh, à l'occasion. Par contre, bah, celui-là, est... moi je le trouve trop beau. quoi. Euh... Tu as des éditions premium genre. Kimich DVD, Blue Fan ou HD Zeta. Euh, à quoi on les reconnaît celle là Chev? Édition premium. Euh, et je connais pas ce, ce mot édition premium sur des Steelbook uniquement ou sur des DVD en général Parce que alors, moi, steelbook, je saurais pas trop faire la différence entre un premium et un pas premium. Je sais qu'il y a les Mondo par exemple, bah, de ça que je connais, euh, parce qu'il euh, y en a beaucoup qui sont, euh, qui sont travaillés, notamment chez Marvel. Euh... Mais, euh, mais euh, c'est des éditions numérotées limitées. Peut-être. Faudrait que je vois. Et je sais qu'il y a des, euh, des sites internet ou globalement, euh, ou globalement, donc je vous remontre, hein, parce qu'ils bon, sont quand même super beaux, mais, euh... mais, euh, t'as euh, l'édition de Jurassic World Fallen Kingdom aussi, euh, voilà, qui, 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 est, qui est magnifique, et alors, comme moi, j'aime ai, bien la, la collection, sachant que j'avais déjà les deux premiers avec Jurassic World, j'ai racheté le 3, sachant que j'aurais quand même, ce qui veut dire que le 3, je n'ai pas aimé, mais je l'ai quand même en double, <laughs> parce que, bah, voilà, c'est pour la collecte, et puis, bah, je le trouve trop beau, euh, tant pis, mais, euh, mais ouais, c'est vraiment parce que je l'aime bien, quoi, ce sont de gros coffrets où tu payes plus le packaging que les Blu-ray. Euh, par exemple, j'ai un cinquième élément. Ah oui, d'accord, 800 exemplaires dans le monde. Oui, si, je vois. Euh, non, je ne suis pas sûr d'en avoir. Des, des éditions... Alors, comme on dit comme dit Marv, par exemple, des éditions où c'est des éditions limitées avec des gros coffrets, avec des statuettes, des choses comme ça. J'avais un King Kong en DVD qui était dans ce style-là. J'ai le coffret Jurassic World. J'ai des tirages limités sur des coffrets, sur des steelbooks, je ne suis pas sûr. Mais du coup, je vois ce que c'est, ouais. Ouais, oh, le Zvek qui fait un don. Alors, le Zvec qui vient à don, alors là, après avoir vu ça, euh, Thierry, si tu nous regardes, on peut mourir tranquille. Jour férié, mon seul et unique don. Jette Jurassic World Dominion, merci. Mais non, mais arrête Aurel, tu l'achèteras aussi un jour quand il sera à euros parce que tu voudras la collection complète. On le sait, ils vont refaire une version où tu auras juste le logo, tu seras content, il sera à euros, tu l'achèteras. <laughs> Je te connais. Je te connais. C'est des éditions qui coûtent très cher. Après, la passion, tu connais. Ouais, de ouf. Alors, après, celle-là, ça se trouve, peut-être que dans les collections que j'ai montrées jusque maintenant, ou que j'ai encore, j'en ai un ou deux. Et j'en suis pas au courant, parce que je m'aligne pas sur ça. Je regarde beaucoup, grâce à Aurel, justement, Steelbook Pro. Et je sais, grâce à Steelbook Pro, euh, les, les, là où je peux choper et dénicher des petits trucs, etc. Moi, après, le but, c'est comme je disais, hein, c'est de collectionner vraiment tout ce que j'aime. Donc, j'ai des éditions qui sont des éditions spéciales. Des éditions collector ou limitées, j'en ai aussi. Maintenant, est-ce que c'est numéroté, etc. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. IJ. Ouais, celui-là est magnifique aussi. Joker. Alors, celui-là, par exemple, celui-là, je sais qu'il y a eu beaucoup d'éditions de Joker. Celle-là, c'est pas la plus répandue. Mais elle est somptueuse. Elle est somptueuse. Avec le Joker qui danse derrière, puis à l'intérieur, il y a Phoenix qui est en train de se maquiller. Ah, le... le ouais, celui-là est... Celui-là assez beau. Et je crois que celui-là, maintenant, euh, est, on, tu le trouves plus aussi facilement qu'avant. Puisque je crois qu'ils ont changé le... Ils ont changé le steelbook. Moi, je suis content de celui-là, parce que celui-là, je le trouve vraiment superbe. Je le trouve vraiment, vraiment superbe. Et puis, eh bien, alors, justement, peut-être dans des éditions qui sont... Euh, voilà, le nouveau film de Quentin Tarantino, édition limitée. Alors là, tu vas pouvoir nous dire, peut-être... Euh, euh, C'était... Euh, C'était... C'était... Chef, si c'en est un, c'est celui-là. Inglorious Bastards, alors je sais pas si c'est une édition numérotée, limitée ou ceci ou cela, mais, euh, mais, mais le, voilà, ce, celui-là par exemple, je sais qu'il est, euh, est assez rare. Alors le Blu-ray qui est au-dessus là, en truc bleu dégueulasse, il est retirable. Hein. C'est juste que là, je l'avais pas retiré parce que, parce que je l'avais acheté chez. Bah là, pour le coup, je sais que c'était chez Gibert. mais cette édition-là est magnifique. Il y a eu beaucoup d'éditions d'Inglorious Bastards, les éditions édition actuelles je trouve ignobles, alors que celle-là est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Euh, c'est la première édition, il ne vaut pas grand-chose malheureusement. Ouais, ils le mettent en édition limitée. Après, il va valoir pas grand-chose et pas grand-chose. Je sais par exemple, tu vois, Corel, il les fabrique, c'est steelbooks. Quand les, quand le, les, les jaquettes euh, lui plaisent pas trop, ou lui conviennent pas, je sais que tu vois, lui, il, est, il va les fabriquer directement de lui-même parce que c'est plus sympa comme ça. Moi, j'achète en général des éditions, euh, je préfère acheter des éditions euh, entre guillemets officielles. Maintenant, euh, maintenant bon, derrière, je, honnêtement... Si le visuel me plaît, je, je chine un petit peu partout pour voir comment ça se passe. Si le visuel se plaît, ça va. Soit une édition limitée à 500, 800, 900, 1000. C'est pas ce qui m'intéresse le plus parce que c'est pas ce que je vais aller regarder en particulier. Genre, par exemple, une édition comme ça, euh, ça se trouve, il y en a des beaucoup plus rares, euh, mais des qui vont moins me plaire. Donc, euh, ça, ça dépend beaucoup des goûts. Hein. Les steelbooks, c'est comme ça. Comme des steelbooks, il y en a beaucoup et qui font beaucoup de rééditions maintenant. Ça se joue beaucoup aussi sur la manière dont tu le, dont tu le kiffes ou pas, quoi. Alors, je vais essayer de pas tout faire tomber. Ce qui vient évidemment d'arriver, parce que sinon c'était pas drôle. Hop, tac, hop. Mais bon, ça va. Je devrais pouvoir m'en sortir pour les ranger quand même. Hop, et on va passer derrière. Euh... Bien sûr, les goûts et les couleurs. Parce que j'achète de belles éditions. J'aime la rareté, mais seulement des films que j'aime. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Après, moi, j'achète. Euh... Moi, c'est la même chose. Moi, j'ai beaucoup de coffrets. Moi, c'est pas forcément des J'ai aussi beaucoup de coffrets et tout. <laughs> mais ça va être pas forcément de la rareté. Mais sur des choses, moi, qui me parlent, tu vois. Genre, euh, bah, cette édition-là, je suppose que cette édition-là, elle est pas euh, hyper rare. Puisqu'elle est encore dispo à la Fnac pour à peu près 80 balles, je crois. Mais je la trouve sublime, tu vois. Voilà, avec le, 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 Je l'ai montré tout à l'heure, mais avec le, le 33 tours, le bouquin... Les... Moi, j'aime bien aussi quand il y a des DVD, quand il y a un petit peu de loot supplémentaire. Tu vois, des, des, des bouquins à l'intérieur, des trucs comme ça. J'ai une édition d'Apocalypse Now dans, dans le même genre. Moi, c'est quand ça t'offre des choses en plus que j'aime bien. Euh, alors, The Revenant. Exceptionnel. L'un des meilleurs films que j'ai eu l'occasion de voir. Euh, le diorama, pareil, avec euh, Tom Hardy. Le 45 tours, ouais, 45 tours, ouais. Bon, du moment que ça fait des tours, de toute façon, j'ai pas de quoi le faire lire, donc... ça Dans tous les cas, je m'en fous, mais... Mais bon, c'est quand même cool, tu vois, de te dire t'as le côté old school des années 60, etc. C'est sympa, tu vois. Zy revenante en steelbook. Que euh... <laughs> je vais sauter dessus tout de suite. Je suis un fan absolu du film. Bon, alors là... Là, là je pense qu'on a peut-être les trois plus beaux que j'ai. Franchement, je sais pas, mais... Celui-là, c'est moi. Je peux au moins me dire... Euh... Comment dire Euh... Je peux au moins me dire que j'aurais fait acheter un truc à Aurel. D'habitude, c'est toujours Aurel qui me fait acheter des trucs. Là, je pourrais dire que c'est un peu aussi... Il l'aurait pris quoi qu'il arrive, mais c'est un peu aussi grâce à moi qu'il les a pris. Euh, et ils sont incroyables. C'est... Tac, la trilogie du parrain. Et alors, ils sont incroyables. Visuellement, ils sont incroyables. Alors derrière, t'as des phrases... Euh, voilà. Euh, culte des films, etc. Euh... Mais, euh, mais, mais, mais ils sont exceptionnels. Euh, à l'intérieur, je crois qu'ils sont magnifiques aussi. Hein. Ouais, à l'intérieur, as les images, etc. Tu as du parrain, notamment sur celui-là. Et derrière, tac, t'as le, les, les, les phrases des euh, pull me back in. Tu vois, genre. Cela, pour le coup, la code va exploser sur internet. Cela, ils en avaient à Leclerc, à Royan. Et euh, j'étais super content de les trouver à Leclerc, mais alors, ça, si tu... ils en avaient un de chaque. Alors que si tu plonges pas dessus tout de suite, tu les retrouveras pas avant très longtemps. Et euh, ouais, ils sont magnifiques. 90 euros d'un coup, pareil. Moi j'ai dépensé 90 boules d'un coup, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça tu vois, je suis d'accord avec Chef, si tu les prends pas tout de suite, tu, tu prends un risque de ne plus jamais les retrouver. Et c'est des éditions qui sortent là comme ça, ou c'est en allant à Leclerc, sur Steelbook Pro aussi essentiellement, mais sinon c'est en allant à Leclerc, tu vas, tu les vois. Et puis tu te dis, bah, bah, bah vas-y, je les prends quoi. Parce que ça va être surtout à ça va être surtout à le à, à, dans, des, dans des zones commerciales que tu vas pouvoir euh, les mettre les mettre sont, les, les les te les mettre sous la main quoi. Euh, alors ça, je me demande si c'est pas à mon ou si on je l'ai pas racheté aussi. Faudrait que je regarde, Faudrait, je sais plus. Les dors. Je crois que je l'ai racheté. Je sais que mon père l'a et je crois que je l'ai racheté dans la foulée parce que je le voulais absolument aussi. J'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois qu'on est deux à l'avoir en steelbook. Un de mes groupes préférés. Une de mes... Euh, un de mes biopics préférés. Et euh, un de mes acteurs préférés, Val Kilmer. Je, je trouve que Jim Morrison, c'est peut-être le plus grand auteur qu'on ait eu. De, à mon avis. Bah, de de, de l'histoire du rock. Et il y a beaucoup d'auteurs dans le rock. Mais je trouve que de l'histoire du rock et de la chanson, je me demande si Jim Morrison, c'est pas le plus grand auteur qu'on ait eu. Euh, c'est voilà, c'est exceptionnel. C est, c est, fin, il, il aimait beaucoup Rimbaud, je crois, ou les trucs comme ça, mais, euh, mais, euh, mais, 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 mais ça se voit parce que t'as l'impression de voir son héritage quoi. aussi dans la démesure et dans la décadence. Mais euh, t'as aussi des formats physiques de films français. Ouais, ouais, ouais. J'ai montré Les Infidèles, j'ai montré J'avais les OSS 117. Euh, je dois en avoir encore un ou deux qui traînent euh, dans les, dans les steelbook, J'en ai pas beaucoup. J'en ai pas. Il faudrait. J'ai trois wish list de films que j'aimerais bien avoir. C'est La haine, euh, Back North et quand il sortira novembre. Et je pense que quand novembre sortira, je, prends... je prendrai l'ensemble. Avec Les Misérables de Lajli aussi. C'est le genre de film français que j'aime bien ça. Et euh, il faudrait que je réussisse à les récupérer, ouais. A l'occasion, si tu veux que je te donne quelques adresses pour de belles éditions. Ah, carrément, Chev, carrément. Bah, je suis dispo sur Instagram, sur Twitter. Envoie un message, dis que c'est toi et puis on en discutera avec plaisir. Tu les vois tes films euh, Alors, pour être tout à fait honnête, il y en a, non. Il y en a plein que j'achète et que je n'ai pas revu depuis. C'est plus pour la collection. Je les ai tous vus, évidemment. Je n'achète pas de trucs que je n'ai pas vus. Euh, mais je peux les regarder à l'occasion. Et euh, des fois, euh, bah, ça reste. Et puis non, je ne les regarde pas particulièrement parce que c'est plus pour la collecte et parce que je les ai vus en salle ou autre. Mais oui, ça peut arriver euh, de temps en temps euh, que je les re regarde Genre, bah, t'es net, je les revus. Grâce à l'achat en... Alors lui, vous pouvez pareil, le retrouver partout. Hein, même en occasion. Stenet, euh, j'ai eu l'occasion de le revoir une fois. Euh... Je me demande si je ne l'ai pas revu en 4K d'ailleurs. Si, 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 je l'ai en 4K. Je l'ai revu en 4K euh, grâce à la sortie du film. Il y a des œuvres comme ça, ouais, que j'ai euh, eu l'occasion de revoir. Évidemment, Straight Outta Compton. Putain, il est minuit 49. Bon allez, on speed pour terminer à 1h du matin. Parce que là, ça va être vachement indigeste pour la rediff' s'il y a 4h en tout. Straight Outta Compton, que j'adore. Euh... Ok, voilà. Probablement, à mon avis, l'un des meilleurs biopics euh, euh, qui soit sorti, je pense. Euh... Ouais, bon, ben oui, parce que ça restera quand même important dans l'histoire, parce que c'est la réunion des trois. Mais tu soupires fort maintenant devant le film, hein, mais tant pis. Ouais, ah, je vais pas non plus. Moi, je, je boude pas mon plaisir de devant. Hein. Euh, man No Way Home. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas, c'est pas, pas, de la grande littérature, mais ça a le mérite de, euh, euh, ça a le mérite d'être, de, 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 voilà, d'avoir de, provoqué des émotions. Il de, de, y avait quand même un truc, euh, voilà, un petit plaisir coupable à le regarder, même si c'est vrai que c'est, c'est vraiment pas. Euh, avec le recul, c'est vraiment pas terrible, mais euh, voilà, ça, ça se regarde quand même tout seul, donc. Euh, Oh, ce style book là est superbe. Ce style book là est superbe. Rogue One. Celui-là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. J'avais oublié à quel point il était beau. Le style book de, de Rogue One. Il est magnifique celui-là. le style book de Spider-Man, il n'est pas ouf. Mais j'en ai trouvé aucun qui était ouf et j'avais envie de le voir quand même. Surtout que, euh, il, est, euh, comment dire, euh, il est assez rare maintenant. Donc là, celui-là est, est vraiment bien. Puis ça me donne une collection assez disparate parce qu'il y a plein de films d'auteurs, il y a des films indés, il y a des films anciens, il y a du film de genre. Ça, pareil, on en parlait tout à l'heure, je l'ai eu pour 3 euros, j'étais content, mais dans le genre de film de genre. Jeu... Putain. Ah ouais, d'accord, il l'avait rangé de l'autre côté. Je me dis, bah, il est vachement blanc le, le Blu-ray. Enfin, le DVD, parce que c'est Blu-ray plus DVD là. Et ça, je suis content de l'avoir. Ridic. Ah, de Ridic, donc de, de, de Ridic 3 que j'avais eu pour 3 euros. Donc du coup je l'ai récupéré parce que je me suis dit, eh, 3,99€ en vrai ça va. Moi je fais partie de ces gens, je sais pas vous hein, mais je fais partie de ces gens quand quelque chose coûte 3€. Je me dis que ça fait 3,99€, je me dis que j'en ai eu pour 3€, pas 4. Comme ça mon cerveau va mieux. Même si à 1 centime près c'est 4€, mais pour moi, psychologiquement, je l'ai eu à 3€. Et il est bien, il est moins bien que les deux autres, il dit. Pour l'avoir revu il y a 2-3 jours, là, il est moins bien que les deux autres. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de redites du premier Mais il y a des trucs tellement hyper intéressants aussi Dans le Riddick 3 Qui méritent d'être vus Et pas du tout oubliés Alors celui-là je viens de le recevoir aujourd'hui euh, J'avais pas trop eu le temps de le regarder jusque maintenant Et il est sympa Enfin moi je trouve qu'il est sympa C'est Reservoir Dogs ah, bon, Et, et, et j'avoue que j'aime bien Je le trouve quand même euh, Je le trouve quand même pas mal Le diorama est super Euh... Et, euh, et, et vraiment. Euh... Ah, il y a des petites choses hyper cool euh, derrière. Donc, euh... Donc, euh, donc, ouais, non, là la, la, j'ai hâte de me le refaire. Pour le coup, celui-là, Réservoir Dogs, j'ai hâte de me le refaire en 4K. Il est en 4K et en Blu-ray, mais j'ai hâte, hâte de le refaire en 4K. Il n'y a pas la VF sur celui-là. C'est une version importée. Il n'y a que la version anglaise. Euh, je ne le savais pas, hein, ça, je l'ai vu tout à l'heure. Mais il n'y a que la version anglaise puisque c'est un import anglais euh, qu'il y avait sur Zavi. Donc il euh, n'y a pas la VF mais en vrai je m'en fous enfin je veux dire tu, tu veux la VF je peux, le, comme, je peux le télécharger en 4K sur mon ordinateur ça si j'ai envie de le voir en version physique tant pis je regarderai la VO mais la VO est très bonne aussi mais réservoir Dogs au moins je suis content de pouvoir l'avoir. voir. Un port américain. Peut-être l'une des rares fois si c'était peut-être la, la seule fois où vous verrez cette édition d'un de mes films cultes. Euh... un port US enfin pas même pas un import non je l'avais acheté là-bas. Space Jam avec les Looney Tunes euh, contre les Monstars et euh, il est trop beau. Pendant longtemps, c'était euh, limite euh, le Steelbook que je préférais. Je le trouvais incroyable. Vraiment, je le trouvais trop beau celui-là de Space Jam avec ce bon vieux Michael Jordan. Euh... Ah, alors une collection complète en, en, en Steelbook. Euh, intéressant quand on sait que de toute façon, pour moi, cette saga ne comporte que trois films. Il y en a eu un qui était sympa récemment, mais euh, comme c'est sur Disney, je pense pas qu'il sortira en DVD ou en Blu-ray. Du coup, j'ai pris la trilogie Predator en steelbook. Avec euh, les, les, voilà, tous, les, tous les casques de tous les Predators, du premier, du deuxième, du troisième. Euh, beaucoup de... de il une grosse. Il euh, y a une grosse connotation sur Predators. Et je trouve ça trop cool. Mais t'as en Blu-ray là, le Predator, Predator 2 et Predators. Alors Prey, Prey est sympa. The Predator est nul. Prey est sympa. Il est sorti Predator. Préda... Pré... Il est sorti récemment. Euh, mais comme il est sur Disney je suis pas sûr qu'on puissera l'avoir un jour en physique. Euh, alors que là au moins, du coup, bah, ça me permet d'avoir les trois premiers Predator. Euh, la trilogie Predator pour, euh, pour... dans un seul truc. Donc c'est sympa. Ça, pareil, j'en parlais tout à l'heure, je le trouve super. Et il vaut plus rien aujourd'hui. C'est OSS au 117.3. Et il est incroyable, hein. le Steelbook est sublime. T'avais pris Death Stranding gratuit sur l'Epic Store le 2, euh, t'avais chauffé me semble-t-il pendant les Game Awards. Euh, non, je l'ai pas pris. Euh, J'ai pas le souvenir de ça, je l'ai pas pris. Après, je sais que Death Stranding, il est souvent euh, très peu cher. Il est très 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 régulièrement en promo. J'essaierai de le prendre à l'occasion, mais alors c'est un jeu, à mon avis, par exemple, si je le prends, ce sera cet été, pour le faire en off tranquille dans mon coin, <laughs> parce que je sais que c'est pas un jeu qu'il faudra que je stream. Trop lent. Et enfin, euh, Mr. Wolf. Avant de regarder les derniers. Hein, on devrait finir normalement dans les temps. Mr. Wolf en steelbook. Donc qui est euh, juste là. Avec là aussi John Berntal. J.K. Euh, Simons. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'acteurs très sympas là-dedans. Et ce bon vieux. Euh, ce bon vieux euh, Ben Affleck. On passe sur la dernière cam. Voilà, les derniers des derniers, ça c'est la fin avec pour moi bah, mes deux steelbook préférés, les deux steelbook que je trouve les plus beaux. On commence tout de suite avec Drive en steelbook, excellent film, je suis vraiment pas un fan de Ryan Reynolds, mais euh, bah, la version est magnifique en plus. Hein. Franchement la version, euh, la version steelbook là elle est superbe, euh, je l'avais eu en ocase Drive pour euros, je crois, euh, et euh, honnêtement 5,99€ pour Drive ça vaut le coup. Euh, c'est un super super film. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez euh, pas à, à le regarder. Je regarde si j'ai rien oublié, mais j'ai montré les collections, séries, etc. Pour le prochain live, je, du, je montrerai du coup mon gros coffret Niptuck, puisque euh, vous ne l'avez pas vu. Je l'ai un hein, Niptuck en coffret, euh, il est juste derrière, mais c'est que je l'ai oublié. Euh, dune. Alors ça, j'ai bien fait de me précipiter dessus, parce que c'est parti très très vite. Les coffrets dune. Enfin, euh, le, le, le steelbook de dune de, de Denis Villeneuve. Euh, ah, qui, 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 qui est vraiment très beau aussi. Il y en avait plusieurs, moi, c'est celui-là qui me plaisait le plus. Il y, en a, il y a eu plusieurs versions hein, de, de Dune. Le film pour lequel on s'est battu corps et âme avec Orelsvec, j'ai même cru que l'amitié allait se terminer, et euh, visiblement ça n'a pas été le cas. Je le regrette toujours un petit peu plus chaque jour. Tant pis, Edge of Tomorrow, euh, qui est euh, en Blu-ray 3D ça s'est joué au Shifumi. enfin c'était une horreur parce qu'il a essayé de tricher enfin, je l'ai pas reconnu je, je, je l'ai pas reconnu je pense que notre amitié serait arrêtée ce jour-là ça m'aurait pas déplu mais, euh, mais 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 tant pis c'est comme ça enfin, j'ai voilà découvert que euh, se cachait un, un petit être vicieux <laughs> derrière les dreads du Oral Zweig. mais je l'aime quand même d'amour donc Edge of Tomorrow euh, que j'ai gagné euh, dans un magasin à Lille euh, face au Zweig. Euh, et euh, et, euh, et c'est un. J'ai pris un malin plaisir, justement, à, à le gagner. À le gagner contre lui. Euh, une petite doublette qui fait plaisir, que je m'étais pris il n'y a pas longtemps. Et que je rêvais, je rêvais d'avoir. Les Ghostbusters SOS Fantôme. Euh, ils sont pas, J'aime bien ces éditions-là. Euh, je les trouve plutôt belles. Parce que c'est des éditions qui sont assez atypiques. Il n'a rien gagné du tout. Hey, qui sait qu euh, Ça, c'est Drive. Qui sait qu qui qu l'a chez lui, Aurel Et hey, ouais Je t'ai pas martyrisé, mon petit tu T'as perdu, c'est tout. Faut assumer. Il y a des tas d'autres choses où tu gagnes. Genre, par exemple, une fois, tu m'as battu un... 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 blind test Disney. De toute façon, Aurel, il bat la planète entière hein, à un blind Disney. Franchement, vous faites un... un blind test Disney avec Aurel. Une seconde et demie, il a déjà trouvé. C'est indécent. C'est même pas intéressant. C'est genre, moi, je quitte la pièce. Il y a cinq titres... Il y a 5-0, peu importe tu le mets contre qui. Et euh, vas-y frère. Hein. Voilà. C'est... Euh, T'es là, tu fais non, c'est bon. Merci, mais non, je joue plus. Il m'a écœuré euh, Aurel là-dessus. Surtout sur Disney. Hein, parce que sur le reste encore, bon, il peut y avoir match. Disney, c'est impossible. Donc les deux Ghostbusters. Qui sont vraiment, ouais, vraiment sympas aussi. Euh... Tac, comme ça. Ah celui-là, celui-là est beau aussi hein. Le Godzilla de Garrett Edwards. Merde putain. Il y a des trucs qui tombent de partout. C'est pas normal qu'il est censé tomber celui-là. Ah mais c'est pas... Attends. Ah, ok. Qu'est-ce que ça fout là ça Bon. Hop. Euh, donc, Godzilla. Euh, alors, lui, j'avais bien aimé. Lui, j'avais bien aimé. Je le trouvais très intelligent. Greenland. Pareil, je l'ai acheté. Il y avait le Sveg. Euh, on était à La Rochelle, je crois. Où il y avait Seb. Non, bah, il, y avait, il y avait Aurel et Seb. On l'avait acheté, euh, on, on était parti faire un tour à La Rochelle, à Greenland, je l'avais eu pour 15 balles en Blu-ray. Je le trouve très 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 intelligent ce film-là. Euh, c'est Rick Roman Vogue qui l'a fait, c'est un réalisateur de thriller d'habitude, et c'est pas du tout un film catastrophe comme vous pouvez l'imaginer. Et je le trouve très bon. Et pour conclure, 1h du matin. Euh... Hop Tac, euh, et ben on, on, on se quitte avec les, euh, les meilleurs, euh, les, les, les deux plus beaux steelbook que j'ai, vraiment, euh, ceux-là ils sont magnifiques, ils sont vraiment magnifiques, c'est, ouais, pour moi c'est les deux que j'ai, euh, qui, qui, pour, qui pour moi ont le plus de valeur, est-ce qu'il y a de la 4K à l'intérieur Ils sont, en, ouais, ils sont en 4K, hein. ouais, j'ai les deux en 4K et les deux en Blu-ray, normalement, normal, alors, il y a, y a des films dont je n'ai pas parlé encore là, c'est un duo de films est-ce que selon vous, vous allez être capable de trouver Il y a un duo de films, pas, je ne l'ai pas encore mentionné. On va voir si vous êtes chaud. Parce que euh, là, là j'ai parlé de plein de trucs. Et euh, on va voir, je dis rien, mais normalement, c'est trouvable. Je les ai faits. Alors, ça ne va, va pas être facile parce que je les ai faits euh, dans le désordre. Euh, de comment dire, euh, autant ça aurait été simple dans le dans les comment dire, ça aurait été simple sur les Blu-ray ou les DVD parce que c'était par ordre alphabétique, mais là c'était pas par ordre alphabétique. Euh, on va pas faire durer le suspense plus longtemps puisque ça a déjà été trouvé. C'est effectivement, j'ai dit que c'était parmi mes plus beaux, les Gardiens de la Galaxie Volume 1 et Volume 2 euh, en mondo qui sont exceptionnels. Euh, vraiment. Donc le, le premier gardien de la galaxie qui est là. Terminator, je l'ai pas. Il faudrait que je me les procure. Après, il y en a d'autres que j'ai pas. Je peux pas tout avoir tout de suite. Sinon, il y aurait pas de, y aurait pas d'intérêt pour le live de l'année prochaine où je vous ferai les, où je vous ferai la, les, les, comment dire, où je vous ferai les, les, les mises à jour. Mais euh, les gardiens numéro 1 euh, vous savez mon amour et mon affection pour ces films là, et les gardiens volume 2 qui sont, voilà, des... des, des alors exceptionnels. Alors, j'ai hâte d'avoir le Ragnarok et puis de, les, les autres films un petit peu dans ce délire-là, euh, parce que... Euh, parce que... Euh... <laughs> en Mando, en Thor Love and Thunder, etc., ce serait superbe. Mais ouais, ça, c est, c est, je trouve que c'est vraiment... Euh, je trouve que c'est vraiment les, 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 parmi les plus beaux que j'ai. Parmi les plus beaux que j'ai, si ce n'est pas les plus beaux que j'ai, parce que c'est des, des collections... Euh, je me suis un peu battu pour les avoir. Mais, enfin, euh, au moins, il y en a un qu'on m'a offert. L'autre, je me suis battu pour l'avoir. Parce que j'avais peur de ne pas l'avoir. Mais j'ai réussi à le choper quand même. Donc, c'était super. Euh, ce que je ferai, c'est que la prochaine fois. Parce que je me suis rendu compte aussi. Que je ne vous avais pas montré mes, live, mes DVD de catch. Et, euh, Et, euh. Et euh bah, il, je ne sais plus où ils sont. Mais enfin, bon, c'est pas vraiment du cinéma, donc ça compte pas trop. La prochaine fois, ce sera peut-être l'année prochaine, je ferai une mise à jour avec tous les nouveaux DVD que j'ai eus. Ça, je, je vois à peu près, euh, bah là, euh, les films que je vous ai montrés. Il y aura évidemment la rediffusion qui sera disponible dès demain. Et comme ça, l'année prochaine, on fera une mise à jour avec tous les nouveaux DVD, steelbook, book, etc. <laughs> Coffret que je vous ai montré. Et dans l'eau évidemment, je me rappellerai de vous montrer euh, les lives, enfin euh, les, les, les DVD de live musicaux que j'ai. Euh, puisque euh, je dois avoir un live des Fun Loving Criminals. Je dois avoir euh, un live de, euh, de U2 à Mexico. Et je dois avoir euh, des lives de CM Punk. Enfin, j'ai le Money in the Bank, j'ai un WrestleMania et j'ai le Best in the World de, euh, de, <coughs> de CM Punk. Donc euh, ça, ce sera rajouté au coffret NipTuck que je vous montrerai la prochaine fois. Qui sont là, qui sont dans les oublis, parce que j'ai euh, bah, complètement oublié de les sortir. Enfin, il y en a, je ne sais plus où ils sont, donc ça risque, je ne risque pas de les sortir. Le NipTuck, c'est dommage, parce qu'il est juste derrière. Mais bon, il faudrait que je retire tous mes décors de Noël, donc ce serait compliqué. Euh... Mais euh, voilà, j'espère que en vrai, ce live vous aura plu. Parce que c'était quand même grave cool. C'était le dernier live de l'année. Euh... C'était le dernier live de l'année, donc ça fait quand même hyper plaisir de l'avoir fait avec vous. Le dernier live YouTube, puisqu'il y aura un live Twitch, euh, pas piqué des hannetons, hein, qui arrivera, euh, qui arrivera bah, euh, samedi, à partir de 13h30, 14h, jusqu'aux alentours de 20h, je pense. Ça me paraît pas mal. Avec beaucoup de bonnes choses, on fera des trucs très sympas. Ben voilà, je voulais terminer sur une note un petit peu festive en vous montrant ma collection et puis. Bah, d'un autre côté, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait une collection DVD Blu-ray. Là voilà, je sais que j'ai quasiment euh, rien. Enfin ouais, bon, j'ai quasiment rien oublié. Hein, je vous ai montré, euh, j'avais fait les, les petites mises à jour de DVD, etc. que j'avais à faire. J'ai quasiment rien oublié de particulier. Bon, il est 1h05, hein, donc le live aura duré quand même 4 heures Putain, 4 heures de live, c'est énorme. Mais au moins vous avez tout, et puis on a pu pas mal en discuter. Le prochain live évidemment sera moins long, hein, parce qu'il ne faudra pas tout montrer, il faudra montrer juste les bonus. Donc les bonus, ce sera peut-être, je ne sais pas, une vingtaine, une trentaine de nouveaux achats d'ici l'année prochaine. Ou 70, si malheureusement je vois Horelzeg un petit peu trop souvent. Parce que lui, en général, quand je les achète, je les achète par 15. Donc c'est un petit peu chiant. Euh, bah merci d'avoir été là. Euh, merci pour les dons pour ce soir, évidemment, comme d'habitude. Et puis, on se retrouve euh, probablement euh, la semaine... Je ne sais pas quand exactement, mais je pense que ce sera la semaine prochaine. Euh, dimanche prochain, euh, pour un live spécial d'ici, euh, je vais essayer de faire le live que j'avais promis, style, euh, et si on, on refaisait le casting des prochains personnages de l'univers DC Comics. Euh, je pense peut-être essayer, peut essayer de gérer un live comme ça donc ça ce sera peut-être le prochain live youtube qui sera la semaine, dimanche, la semaine prochaine donc le dimanche de la semaine prochaine euh, et, euh, et puis sinon bah, la vidéo la prochaine vidéo ce sera king kong ça arrivera très probablement euh, ça arrivera très probablement le 9 non ce serait le 8 euh, captain le live du le, le live d'ici ce serait dimanche 8 la vidéo sur King kong lundi 9. Et puis après, dimanche 15, le live de euh, Last of Us. Et puis ensuite, bah, Last of Us commence. Donc les lives, ce sera tous les lundis sur Last of Us pendant l'intégralité des épisodes. Il euh, y aura les vidéos sur Last of Us aussi le 16, le 23, le 30. Il y aura un autre interlude dans, dans, les, dans la semaine du, du 16 au 31. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, ça me paraît pas mal. On fera God of War Ragnarok aussi. Hein, à partir du 2... Euh, euh, Peut-être pas à partir de lundi là, là, mais à partir de mercredi 3 janvier, je pense qu'on fera God of War Ragnarok. Ce sera, ce sera bien sympa. Mais, euh, mais ouais, les, là, le, le live YouTube était bien sympa. Faudra maintenant que je range tout. Sympa. Bon, tu le diras, j'en ai déjà rangé plus une, plus une bonne grosse partie là. Donc ça va, c'est pas mal. Je ferai ça plus tard parce que j'ai trop la flemme. Mais, euh, mais voilà. Merci à tous d'avoir été là. C'était ma collection Blu-ray DVD partie 1. On se retrouve évidemment probablement l'année prochaine pour la suite euh, de, 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 de cette collection. Et puis, euh, et puis voilà, bisous, bonne nuitée, merci d'avoir resté euh, d'être resté aussi nombreux et d'être resté aussi longuement, parce qu'il est 4h03 du matin, et la rediffusion arrivera à peut-être pas demain, parce que je suis en train de bosser ma vidéo sur Kong. Attendez la plus samedi. Samedi ou dimanche. Je vais la télécharger demain, mais il faudra que je fasse la mise à jour sur mon logiciel. Et euh, comme demain je bosse sur ma vidéo sur King Kong, ce sera pas possible. Attendez la samedi. Je pense qu'elle arrivera samedi ou dimanche euh, sans trop de problèmes. Peut-être même lundi, euh, euh, dans le pire des cas. De toute façon, c'est quand je peux. Mais elle arrivera au plus tard lundi, ce sera fait. Bisous à tous, bonne nuitée et à la prochaine pour de nouvelles aventures.